L'histoire commence avec le gars qui dort sur le lit avec de l'air frais soufflant par la fenêtre et il ressent cette agréable fraîcheur de la rue. Le gars a soudainement ouvert les yeux et a pensé, était-ce vraiment lui? Il ne pouvait pas comprendre comment il était arrivé là et ce qui s'était réellement passé. Le gars a regardé ses mains et s'est rendu compte que c'était lui et qu'il était vivant et se sentait très bien et il aimait vraiment ça comme avant. Le gars a réalisé qu'il ne s'était pas trompé et il renaissait et maintenant il était de nouveau là sur Terre et il était heureux de savoir qu'il pouvait vivre dans ce monde. Le nom de ce type était Y-Tian, et pendant 600 ans dans ce monde, Y-Tian avait été un pratiquant et y avait toujours cultivé et pratiqué. Y-Tian a volé une pierre divine dans le trésor du clan le plus fort de cette terre au 10 000e du ciel et était alors heureux. Mais dès que Y-Tian s'approcha de l'immortalité, il fut immédiatement mortellement blessé et mourut avant même d'atteindre son monastère. Mais Y-Tian était l'homme le plus heureux sur terre parce que Dieu était miséricordieux et lui a donné une autre chance pour que lui aussi puisse vivre. Son corps s'est affaibli et son Daoxian s'est complètement asséché et dans sa vie antérieure il a commis de nombreuses erreurs mais maintenant tout sera différent dans cette vie. Maintenant, la récompense de Y-Tian a été supprimée et il a fermé les yeux et a commencé à se souvenir de sa vie passée et de ses actes passés sans hâte. Y-Tian s'est rendu compte qu'il était revenu et qu'il ne permettrait certainement pas aux vieilles tragédies de se répéter, et dans cette vie, tout le monde lui répondrait avec son sang pour tout. Et à ce moment précis, Y-Tian a entendu des bruits dans la rue et cela a immédiatement détourné son attention et il a voulu voir ce qui se passait là-bas. Y-Tian a regardé par la fenêtre et a vu qu'il y avait une voiture d'élite devant sa maison et que les gens en sont sortis et ont marché quelque part ensemble. L'homme a dit à Xian qu'il aimerait l'inviter à une soirée sur la montagne Tanglong et qu'il était simplement honoré de l'avoir là. Xian a dit à Shang Rong qu'il savait comment communiquer avec les femmes et l'a même invité à une fête aussi luxueuse, et Y-Tian était un mendiant. Y-Tian a regardé tout cela à travers la fenêtre et a pensé que c'était Wang Xian et dans sa vie passée, il était très amoureux d'elle. Y-Tian pensait que beaucoup de choses avaient été faites pour un amour désespéré, mais en réponse il n'y avait rien et il se demandait si elle était digne de son chagrin. Shang Rong a dit à Xian que son fiancé avait toujours l'air follement amoureux et lui a demandé si leurs sentiments n'étaient pas réciproques avec le fiancé. Wang Xian a demandé de quel mari il parlait et ce Y-Tian était-il vraiment digne d'elle et pour elle, il était un chien pathétique et ennuyeux. Et à ce moment-là, Wang Xian a crié par la fenêtre et a dit à Y-Tian qu'elle lui pardonne et lui a demandé de descendre rapidement chez la fille. Y-Tian a dit bonjour à Wang Xian et lui a demandé pourquoi elle criait autant et a dit qu'il était là et qu'il était toujours Y-Tian. Les amis de Shang Rong lui ont dit qu'il les avait déjà invités à la fête et pourquoi avait-il besoin de ce Y-Tian parce qu'il était un mendiant ordinaire. Des amis ont déclaré que seules les personnalités influentes sont autorisées à entrer dans la villa du Mont Tanglu lesquelles ne devraient pas perdre la face. Shang Rong a dit à Y-Tian qu'il était habillé comme un mendiant et a dit qu'il ne serait pas autorisé à entrer dans la villa Tangul et lui a demandé s'il comprenait cela et ce qui n'allait pas. Y-Tian a dit à Shang Rong qu'il s'en fichait et s'est souvenu qu'il l'avait battu à cause de Xian et que 600 ans se sont écoulés mais son cœur se souvient de la douleur. Wang Xian s'est mis en colère et a dit à Y-Tian qu'il devait être là et lui a demandé de s'habiller plus décemment et a dit qu'il la déshonorait. Shang Rong a commencé à rire et a dit à Wang Xian qu'elle avait tout dit correctement et qu'il était d'accord à 100% avec ses paroles. Y-Tian pensait que, contrairement à Shang Rong, il n'avait pas de racines nobles et pourquoi était-il nécessaire là-bas et il se moquerait de lui à la fête? Shang Rong a dit qu'il avait dans sa malle des vêtements qui n'allaient pas à son frère et qu'il pouvait porter ses vêtements et qu'ils étaient chers. Y-Tian a refusé cette offre et a dit à Shang Rong qu'ils étaient déjà en retard et qu'il ferait mieux de partir rapidement pour ce voyage. Shang Rong pensait comment il oserait discuter avec lui et comme s'il voulait lui-même l'habiller et que Y-Tian serait différent à la fête. Y-Tian pensait que s'il ne se trompait pas, ce qui se passerait à Tangul Villa ferait une profonde impression sur tous les invités de la villa. Quelque temps plus tard, ils arrivèrent au Mont Tangul et virent qu'un homme respectable se tenait devant le bâtiment, gardant cet endroit. Les gens ont dit que c'était Monsieur Mawen et qu'il était sous la tête du titan doré Monsieur Houssan et que son capital s'élevait à des dizaines de millions. Les gens disaient qu'après tout, frère Shang était une personne très respectée et sinon, comment pourrait-il se rendre à la réunion de personnes aussi respectées? Y-Tian s'est rendu compte que l'aura de la terre s'était asséchée, mais son énergie y était beaucoup plus forte et cela lui donnerait une chance de cultiver rapidement son pouvoir. Et puis Y-Tian a entendu Shang Rong l'appeler et lui a demandé de venir le voir le plus rapidement possible et il a eu une conversation importante avec lui. Shang Rong a demandé à Monsieur Ma de le laisser présenter son ami Y-Tian et il n'était pas du tout comme eux et très différent de tout le monde. Shang Rong a dit qu'il s'agissait du fils d'un M respecté et qu'il était le chef de la partie organisationnelle du comté de Dongman et qu'il était cool. Monsieur Mawen a déclaré à Shang Rong que le statut de cet homme laissait tout simplement beaucoup à désirer et lui a demandé de partir rapidement pour affaires. Wang Xian pensait que c'était une honte et elle savait dès le début qu'il ne devait pas être emmené là-bas et il les a tous déshonorés là-bas. Wang Xian a couru vers Shang Rong et leur a demandé de l'attendre et a dit qu'il marchait trop vite et qu'elle ne pouvait pas les suivre. Shang Rong a donné un billet à Wang Xian et a dit que c'était un billet d'entrée à la fête et qu'elle ne pouvait y arriver qu'avec ce billet. Shang Rong a dit à Xian que sans billet, même si elle était la plus belle nymphe du monde,
elle ne pourrait toujours pas se rendre à cette fête. Et puis Shang Rong a dit à Y Tian qu'il l'avait complètement oublié et n'avait pris qu'un seul billet et qu'il pouvait attendre à l'hôtel jusqu'à ce qu'il trouve un billet. Y Tian a demandé à Shang Rong de ne pas se déranger et a demandé au gars de passer un bon moment là-bas et il ferait autre chose et s'amuserait. Y Tian pensait qu'il préférait mourir plutôt que de prendre quelque chose des mains de Shang Rong et il s'en fichait et préférait cultiver maintenant. Y Tian s'est rendu compte que maintenant il y a une aura à peine perceptible sur la Terre et que ce sera comme ça pendant 8 ans, mais avec la pierre céleste, l'aura aérienne de la Terre sera effacée. Y Tian pensait que personne ne s'essuierait plus les pieds sur lui et que Shang Rong et les gens comme lui paieraient toujours pour toutes leurs actions. Y Tian y a trouvé un endroit confortable et a pensé que cet endroit était très calme et que l'aura y était acceptable et cela lui convenait très bien. Y Tian s'est assuré qu'il n'y avait personne là-bas et s'est assis là et a commencé à cultiver et il a gagné en force et purifié son énergie QI pour devenir plus fort. Y Tian pensait qu'il était un pratiquant depuis 600 ans et qu'il commencerait par les vraies bases et que plus tard, le résultat de sa formation serait perceptible. Y Tian s'est souvenu qu'il n'y a que 8 domaines de développement et c'est la construction de la fondation, la création du noyau, la naissance et l'expulsion de l'âme. Y Tian pensait qu'il y avait 4 autres royaumes de développement et c'est la recherche du Tao, l'obtention de l'immortalité, le royaume de l'Antiquité et à la fin le royaume du Tao. Y Tian s'est souvenu que dans sa vie antérieure, il avait presque réussi à obtenir l'immortalité, mais il s'est avéré que tous ces royaumes étaient trop vicieux. Et un démon s'est installé dans le corps de Y Tian et a détruit le cœur de Tao, et il s'est assis et a senti comment il a commencé à se développer et à retrouver son QI. Y Tian s'est assis et il a senti son énergie émaner des plantes voisines et il s'est senti proche de la nature pure et du ciel clair. Et Y Tian s'est souvenu qu'il était mort ensuite, mais la vie lui a de nouveau ouvert ses portes et maintenant son corps a été libéré du démon. Y Tian s'est rendu compte qu'il devrait commencer son chemin de pratiquant en construisant une fondation et qu'il n'y avait pas de pierre nécessaire dans son cœur Dao. Construire les fondations se compose de 4 étapes et nettoyer l'aura est la technique la plus difficile et avant, il avait tellement peur de ne pas pouvoir y faire face. Y Tian s'est rendu compte que le QI se condensait pour former la base et qu'avec l'aide d'un raffinage à 10 faces, il pouvait absorber l'aura plus efficacement. Quelques heures passèrent et Y Tian pensa qu'il cultivait déjà depuis une demi-journée et il pensait que c'était suffisant pour établir les fondations et la force. Y Tian ouvrit les yeux et pensa qu'il pouvait déjà clairement sentir comment toutes les particules inutiles quittaient son corps et qu'il allait mieux. Grâce à la pierre céleste et au raffinement de l'aura à 10 faces, Y Tian réalisa que la vitesse de son développement devenait de plus en plus incompréhensible. Y Tian s'est rendu compte qu'il ne lui restait plus qu'à vérifier le résultat complet de tous ses entraînements et à comprendre s'il était devenu meilleur qu'avant. Y Tian serra le poing et réalisa qu'il devait frapper quelque chose pour s'assurer que sa force et sa puissance augmentaient par la suite. Et à ce moment-là, Y Tian a trouvé une énorme pierre et a frappé la pierre de toutes ses forces, elle avait une énergie puissante et cela ne lui a pas fait de mal du tout. Y Tian a alors remarqué qu'après le coup, il avait laissé une énorme marque de son poing sur cette pierre et qu'elle n'était pas à la hauteur des attentes. Y Tian se demandait s'il ne pouvait pas fendre la pierre et cela signifie que cela ne suffit pas et qu'il doit continuer son entraînement. Y Tian s'est rendu compte qu'il devait trouver un endroit où la concentration de l'aura est plus élevée et qu'il lui fallait autre chose pour continuer à cultiver. Et à la même seconde, Y Tian entendit quelqu'un derrière lui dire que c'était une aura, et il fut surpris et se demanda qui aurait pu l'approcher par derrière comme ça. Y Tian s'est retourné et a remarqué qu'il y avait une fille debout derrière lui et qu'il y avait beaucoup de gens à côté d'elle et ils se sont approchés très doucement maintenant. La fille a dit à Y Tian qu'elle était sur le sol où l'aura s'était presque tarie, qu'il restait encore des pratiquants et que c'était inattendu. Y Tian a regardé cette fille et a dit que ce n'était pas une aura et qu'elle se trompait tout simplement dans ses croyances et qu'il n'y avait aucun pratiquant là-bas. Y Tian s'est rendu compte que la fille a une énergie froide et un pouvoir yin pur, et si le propriétaire d'une telle énergie s'engage, il entrera dans une sorte de royaume. Y Tian a dit à la fille que sur Terre, l'énergie du froid était une raison de se vanter et que pour certains, c'était même une maladie et il s'est senti désolé. L'homme à côté de la fille a demandé à Oulin Er qu'un méchant gars avait occupé son territoire et lui a demandé s'il pouvait chasser ce type. Oulin Er a arrêté Y Shan et a dit qu'elle avait peur qu'il ne soit pas son adversaire et lui a demandé d'essayer de ne pas chercher de problèmes inutiles. Y Shan a dit à Oulin Er qu'il avait déjà réalisé qu'il n'était pas si simple et qu'il essaierait d'en savoir plus et qu'il était maigre et qu'un seul coup lui suffirait. Y Shan pensait qu'il comprenait bien Oulin Er et que son cœur lui appartenait et il voulait l'impressionner et a ordonné à Y Tian de se lever. Y Tian ouvrit les yeux et demanda à Y Shan ce dont il avait besoin et lui demanda de ne pas le déranger s'il n'avait pas besoin de quelque chose d'urgence en ce moment. Y Shan a demandé à Y Tian s'il connaissait les arts martiaux, aimerait-il se tester en sparring et tout serait juste selon les règles. Y Tian a été surpris par cela et a dit à Y Shan qu'il connaissait très peu les arts martiaux et qu'il acceptait volontiers son défi. Y Tian se demandait s'il avait volontairement défié un pratiquant très expérimenté en duel, et il pouvait à peine s'empêcher de rire.
Les gens ont demandé à frère Yue Shan pourquoi il l'avait défié en duel et ne se souvenait-il pas de la dernière fois qu'il avait brisé la colonne vertébrale de son ennemi. Les gens ont dit que Yue Shan avait étudié le kickboxing et la lutte dès le début, et lorsque le leader s'est prononcé contre Yue, il l'a assommé en quelques secondes. Wu Linwer leur a dit que c'était un combat très ordinaire et qu'ils devraient simplement échanger leurs expériences et ne pas dépasser les limites et ne pas blesser. Yue Shan a demandé à Wu Linwer de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il ne le battrait pas trop et lui a demandé de simplement le regarder gagner. Yue Tian a dit à Yue Shan qu'il suffisait de parler et qu'il était temps pour eux de commencer à s'entraîner et qu'il était complètement prêt pour ce combat avec un tel combattant. Yue Shan a balancé sa main et a ordonné à Yue Tian de se préparer à la mort et à ce moment-là, prier simplement pour qu'il n'aille pas accidentellement dans l'autre monde. Yue Tian s'est souvenu que dans sa vie passée, il provoquait souvent de tels pratiquants et remettait rapidement ces personnes arrogantes à leur place. Et à la même seconde, Yue Tian s'est balancé et a porté un coup puissant à son adversaire Yue Shan, et il a volé loin de l'autre côté du cou. Tous les gens de Yue Shan se figèrent de surprise et n'en croyaient pas leurs yeux et comment cet étranger impudent avait réussi à frapper son frère comme ça. Yue Shan est tombé au sol juste devant son peuple et maintenant il ne pouvait plus se relever pour continuer et il souffrait. Wu Linwer a regardé cela et a été choqué et s'est demandé si Yue Tian avait vaincu Yue Shan d'un seul coup et s'il était juste une personne incroyable. Après quelques minutes, Yue Shan a finalement pu se lever et il s'est rendu compte que tout allait mal et qu'il venait de se tromper devant son Wu Linwer. Et à ce moment précis, Yue Shan a soudainement commencé à cracher du sang et tout le monde a été horrifié de voir un tel spectacle et a rapidement couru pour aider. Les gens ont demandé au frère de Yue Shan s'il allait bien et s'il se sentait malade et ont demandé s'il devrait peut-être appeler une ambulance. Yue Shan a compris que tout allait très mal et qu'il devait faire quelque chose pour se réhabiliter devant son bien-aimé Wu Linwer. Yue Tian regarda Yue Shan battu et se demanda s'il n'avait toujours pas admis sa défaite et comment il voulait continuer le combat après une telle chose. Yue Tian s'est rendu compte que cela ne fonctionnerait pas et qu'il devrait trébucher et Yue Shan en profiterait immédiatement pour se venger de cette défaite évidente. Mais à ce moment-là, Yue Tian baissa les yeux et se figea de surprise et réfléchit à ce qui se passait là-bas et pourquoi cela n'a commencé que maintenant. Tout autour de Yue Tian a commencé à briller et un faisceau aveuglant est apparu que les gens ne pouvaient pas simplement regarder et cela les a aveuglés. Les gens ont été choqués par cela et ont pensé à ce qui se passait là-bas et peut-être que le sage Wu Linwer connaissait la réponse à cette question intéressante de la part de son équipe. Les gens ont commencé à crier et ont attendu que ce phénomène prenne fin et qu'ils puissent rapidement rentrer chez eux et se reposer après de tels événements. Et après quelques minutes, tout s'est calmé et ces rayons lumineux ont cessé d'aveugler ces gens et ils ont pu se calmer après tant de stress et de peur. Yue Tian s'est levé et n'était pas du tout content de cet événement et il s'est rendu compte que c'était trop de gaspillage et il a commis une erreur pour laquelle il pourrait payer. Yue Tian venait juste d'entrer dans la période intermédiaire de développement du QI, mais en raison d'un contrôle insuffisant, l'aura s'est répandue juste à travers le sol. Yue Shan l'a également regardé et a demandé ce que c'était à l'instant parce que lui-même ne pouvait pas l'expliquer avec des mots ordinaires et attendait une explication. Et maintenant, Yue Shan s'est rendu compte que leur différence de force était trop grande, et il a récemment rêvé de régler ses comptes avec ce type. Wu Linwer et son équipe se sont inclinés et ont dit qu'ils ne savaient pas que le maître était si fort et ont demandé pardon pour leur erreur. Yue Tian a dit qu'il ne s'agissait que d'un échange d'expérience et qu'il n'était pas en colère contre eux, mais même ainsi, pourquoi lui et son équipe l'appellent-ils ce maître? Wu Linwer a dit à Yue Tian que le pouvoir de Xiaoshan s'est maintenant éveillé en lui et qu'il a donc le droit d'être appelé un maître et ils sont fiers d'un tel maître. Yue Tian a réfléchi à la façon dont le pouvoir de Xiaoshan aurait pu s'éveiller et s'il restait encore des pratiquants sur Terre, il était curieux et a demandé. Wu Linwer a dit que c'était une force interne et que c'était le sommet du développement, mais elle en sait peu car elle n'a pas encore vu une personne avec la force de Xiaoshan. Yue Tian pensait qu'il semble que les personnes dotées d'un tel pouvoir soient très rares maintenant, mais il doit rapidement atteindre la limite de ses compétences. Wu Linwer a dit que celui dont le pouvoir de Xiaoshan est originaire devient cruel et dominateur et se demande si maintenant il les tuerait tous. Toute l'équipe de Wu Linwer attendait la réponse de Yue Tian et ils avaient très peur qu'il ne leur pardonne pas de l'avoir insulté et ne leur laisse pas le choix. Mais Yue Tian l'a remercié pour l'information et a demandé pardon pour son silence et a dit qu'il devait penser à tout maintenant. Wu Linwer et tous ses amis ont expiré et ont pensé qu'ils avaient peur en vain et que le maître était gentil et heureusement, il leur a pardonné et les laisserait rentrer chez eux. Wu Linwer a donné quelque chose à Yue Tian et lui a demandé d'accepter un modeste cadeau en guise d'excuse, et Yue Tian a immédiatement demandé ce que c'était. Wu Linwer a dit qu'il s'agissait d'un passe platine pour une fête à la Villa Tanglong et qu'avec un tel passe, personne ne lui dira rien dans la villa. Yue Tian pensait que cette fille semblait avoir une influence particulière sur la montagne Tanglong et était curieuse de voir le visage de Shang Rong. Yue Tian a demandé à la fille si son nom était Wu Linwer et elle a dit qu'il avait raison et a demandé au maître ce qu'il attendait d'elle et il l'aiderait. Et à ce moment-là, Yue Tian a regardé droit dans les yeux de Wu Linwer et lui a demandé si son aura était un poison froid et s'il avait raison dans ses suppositions.
où Linhuer entendit la question du maître et se figea de surprise et ne savait pas qu'elle pouvait répondre à une question aussi intéressante. Yue Shan a demandé à Ouliner de quoi ce type parlait et pensait-il vraiment à son énergie froide et pourquoi a-t-il appelé cette technique de cette façon. Ouliner a dit que rien qu'en la regardant une fois, le maître a pu découvrir la cause de sa maladie et elle a réalisé qu'il était en effet très fort. Ouliner a demandé à Yue Tian si elle avait le droit de connaître le nom du maître car elle était très curieuse et il a fait une sensation incroyable. Yue Tian a regardé le ciel étoilé et a dit à Ouliner qu'il dirait maintenant son nom si elle voulait le savoir et qu'il ne le cacherait pas. Et à ce moment précis, le maître a dit qu'il s'appelait Yue Tian et qu'il était heureux de les rencontrer et que c'était une bonne expérience pour lui de se battre avec eux. Yue Tian a dit à Ouliner que son ancêtre souffrait de la même maladie qu'elle et qu'elle était causée par un poison froid et c'est pourquoi il en était au courant. Ouliner a écouté les paroles du maître et s'est demandé s'il y avait un moyen de se remettre de cette maladie et si elle avait l'espoir d'être sauvée. Ouliner a dit que le poison froid avait été retiré du ventre de sa mère, puis un médecin a dit qu'elle ne vivrait même pas 20 ans. Ouliner a demandé au maître s'il pouvait l'aider et il lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il pouvait la guérir de cette maladie. Ouliner était très heureux et a dit au maître que s'il la sauve, elle fera tout ce que le maître souhaite et il sera très heureux. Yue Shan a demandé à Ouliner de ne pas faire ça et elle l'a traité d'idiot et a dit qu'elle était d'accord avec tout et qu'il pensait à des choses complètement différentes. Yue Tian pensait de quel genre de vanité il s'agissait et il avait vu beaucoup de fées et de déesses et avait refusé tout le monde, mais Liner avait un charme si naturel. Maître Tian a dit à Ouliner qu'il l'aiderait mais il avait besoin de temps pour se préparer et pensait que cela pourrait prendre plusieurs jours. Ouliner a remercié le maître et espéré qu'il lui laisserait le numéro de téléphone et depuis, elle voulait inviter le maître à dîner. Yue Tian a dit à Ouliner que cela ne servait à rien et qu'en plus, il avait déjà eu une réunion avec ses camarades de classe à Tanglong Villa depuis longtemps. Et à ce moment précis, Maître Yue Tian a jeté une sorte de feuille vers Ouliner et elle a pensé de quoi il s'agissait et pourquoi il lui avait laissé la feuille. Et en prenant ce morceau de papier dans ses mains, Ouliner a vu que le maître y avait écrit son numéro de téléphone et elle était heureuse qu'il ne soit pas simplement parti. Après cela, Yue Tian a commencé à partir de là et a demandé à Ouliner de l'appeler dans une semaine et tout irait bien et rapidement. Ouliner a demandé à Yue Shan s'il savait quelque chose sur ces personnes que Maître Tian voulait rencontrer maintenant et elle était tellement intéressée. Yue Shan a déclaré que les étudiants de l'école Renwan se sont rassemblés à la villa Tangin et qu'il semblait y en avoir quelques-uns là-bas et Shan Rong a assuré le passage là-bas. Yue Shan a dit à Ouliner qu'il ne l'intéressait pas et qu'il ne pouvait pas penser que les informations à leur sujet seraient importantes pour qui que ce soit. Ouliner a appelé Mawen et lui a demandé de dire au chef de préparer la table la plus luxueuse pour les élèves de l'école Renwan. À ce moment-là, Yue Tian se promenait dans ces endroits, puis il entendit un grondement dans son estomac et réalisa qu'il avait très faim et qu'il avait besoin de manger. Yue Tian se souvint qu'il n'avait rien mangé depuis le matin et que beaucoup de temps s'était déjà écoulé et que son estomac voulait au moins un peu de nourriture. Et à ce moment-là, Maître Tian sentit une odeur très savoureuse et réalisa que cette odeur l'attirait simplement et qu'il ne pouvait pas y résister. Maître Tian courut vers l'odeur et pensa qu'il avait déjà oublié ce qu'était la faim. Mais cette odeur l'attirait tellement qu'il ne put résister. Après cela, Yue Tian est venu à la fête et les gardes ont dit à l'invité qu'il pouvait entrer parce qu'il avait le meilleur laissez-passer. Les gardes se demandaient qui était ce type du village et où il avait obtenu le passe platine, que tout le monde n'avait pas. Un ami a dit au gardien qu'une personne intelligente ne montrera jamais son vrai visage et a demandé à son ami s'il comprenait de quoi il parlait. Maître Tian entra dans le restaurant et réalisa que ses yeux le regardaient avec surprise, mais il était impossible de réagir immédiatement. Maître Tian a vu qu'il y avait une place libre à côté de Xian et a décidé de s'asseoir là parce qu'il n'y avait pas encore vu d'autre place. Il s'est dirigé vers la table où sa petite amie Xian était assise et elle a été très surprise de voir Yue Tian là et lui a demandé comment il était arrivé à la fête. Xian a dit à Tian qu'il pouvait s'asseoir là sinon il commencerait à traîner là et sa mère lui a demandé de prendre soin de lui à cet endroit. Une amie a demandé à Tian de convaincre ses parents de refuser le mariage avec Xian, et cet accord a été conclu dans sa jeune enfance. Maître Tian s'est mis très en colère et a frappé la table et a dit qu'il n'allait pas chasser Wang Xian et qu'elle n'était pas tellement nécessaire. Tian a déclaré que deuxièmement, l'accord de leur famille n'est qu'une bagatelle et que s'il ne leur convient pas, ils peuvent alors mettre fin aux fiançailles à tout moment. L'ami a dit à Xian que Tian avait dit que les fiançailles pouvaient être rompues et pourquoi avait-elle peur et ne l'avait pas fait tout ce temps. Wang Xian a dit à son ami qu'elle lui en parlerait, mais pas là-bas parce qu'ils étaient assis dans un lieu public et que c'était en quelque sorte inconfortable. Yue Tian a demandé à Xian si elle pensait vraiment qu'il ne l'entendait pas et que seul le souvenir de l'aide de sa mère l'empêchait de rompre. Et à ce moment-là, Maître Tian entendit des gens parler à côté de lui et il entendit une voix familière et réalisa que c'était Shang Rong. Shang Rong se tenait à côté d'un homme et a dit à son frère aîné Yue de quel genre de réunion il s'agissait et il a pensé qu'il ne viendrait pas là. Frère Yue a dit à Shang Rong qu'il était venu prendre quelques verres de vin et leur a demandé à tous de continuer à s'amuser et de ne pas s'arrêter. Mais Shang Rong ne voulait aller nulle part et a demandé à frère Yue de le laisser boire parce qu'il respectait vraiment son frère en tant que personnalité brillante.
Mais frère YE a crié et a dit à Shang Rong de partir et a dit qu'il n'avait besoin que de maître Tian et a demandé où il pourrait trouver cet homme. YE Tian à ce moment-là était assis à table et mangeait de la nourriture et en profitait parce qu'il pouvait enfin goûter de la nourriture délicieuse et son estomac était satisfait. Shang Rong n'en croyait pas ses oreilles et a demandé à frère YE qui il cherchait parce qu'il n'avait pas très bien entendu ses paroles et n'avait pas compris la question. Frère YE a dit à Shang Rong qu'il le répéterait encore et qu'il cherchait ce maître YE Tian mais qu'il voulait d'abord boire à la santé de maître YE. Les gens dans le restaurant ne comprenaient pas de qui parlait frère YE, ce que le maître avait oublié là et pourquoi il ne connaissait toujours pas cet homme. Et à ce moment-là, YE Tian a levé la main et a dit qu'il était là et que YE Shan pouvait s'approcher de lui et ne pas être timide et que tout le monde était choqué. Shang Rong a demandé à Tian s'il était vraiment fatigué de la vie et s'il était devenu complètement fou et comment osait-il parler ainsi à son frère YE Shan. Mais soudain, YE Shan a giflé Shang Rong et lui a demandé qui il était pour s'adresser à ce maître Tian de manière si irrespectueuse. Tous les gens étaient perplexes et se demandaient comment une personne aussi influente connaissait un gars aussi sans valeur et c'était comme un rêve. Shang Rong ne comprenait pas ce qui se passait là-bas et comment cet idiot connaissait une personne aussi influente et il voulait se rapprocher de frère YE. YE Shan s'est approché de maître YE Tian et lui a dit qu'il avait finalement pu le trouver et le maître lui a demandé de s'asseoir et de lui parler. Mais à ce moment-là, quelque chose détourna l'attention de Tian et il regarda sur le côté et réalisa que tous les gardes de ce Shang Rong se tenaient derrière lui. YE Tian a réfléchi à ce dont ils avaient besoin de lui et tout à coup, ils ont crié et ont dit que maître Tian était la meilleure personne sur la planète Terre. Maître Tian regarda et remarqua que tous les gardes s'inclinaient devant lui et c'était étrange car récemment il le considérait comme un idiot. YE Shan leva son verre et demanda à maître Tian de le laisser boire pour lui en signe de son sérieux respect pour maître Tian. YE Shan a immédiatement levé son verre et a bu tout le contenu jusqu'au fond et il était heureux d'avoir rencontré une personne aussi formidable que Tian. Maître Tian a également bu avec lui et a pensé que grâce à YE Shan, tout le monde le respectait désormais et que maintenant tout avait beaucoup changé. Il s'est levé et a dit au maître qu'aujourd'hui il lui avait donné une bonne leçon à YE Shan et espère qu'à l'avenir ils le recontacteront. YE Shan a dit au maître que son verre était maintenant vide et lui a demandé de le laisser partir et après cela il a quitté ce restaurant. Une amie a demandé à Wang Xian pourquoi elle ne lui avait pas dit que Tian était autant respecté et qu'il était une personne si importante parmi eux. Wang Xian a été surpris et a demandé à Tian quel genre de relation il y avait entre lui et YE Shan et pourquoi il le respectait autant maintenant. Maître Tian a dit à Xian que, malheureusement, il ne pouvait rien lui dire et a dit que lui-même connaissait YE Shan depuis moins d'un jour et ne savait pas grand-chose. Les gens de Shang Rong ont dit au patron qu'ils étaient inquiets, mais en fait, Tianya et YE Shan ont été réunis par hasard et allaient bientôt les séparer. Shang Rong sourit et réfléchit à ce qu'il devrait faire de ce YE Tian et réalisa que sa nouvelle connaissance ne devrait pas avoir aussi peur que tout le monde le pense. Shang Rong pensait que YE Shan est bon mais pas le même élève et il n'est pas plus fort que Ma Wen et il a de bonnes relations et est maintenant de son côté. Shang Rong a dit à tout le monde que rien d'inhabituel ne s'était produit et qu'il ne devrait pas prêter attention à cet étudiant et qu'il était ordinaire. Shang Rong a demandé à son homme de regarder son visage et de cacher la marque de la gifle le plus rapidement possible et de ne pas le déshonorer. L'homme de Shang Rong a dit qu'aujourd'hui n'était définitivement pas son jour et est parti de là le plus vite possible et a réfléchi à quoi faire de son visage. YE Tian pensait que Tang Long se souviendrait longtemps de ce garçon et qu'un spectacle très intéressant allait bientôt commencer et il l'attendait avec joie. L'homme de Rong marchait dans le couloir du restaurant et remarqua qu'une très belle fille apparaissait devant lui et il ne pouvait pas quitter les yeux. L'homme la regarda de dos et pensa qu'il ne savait pas que de si belles filles existaient dans ce monde et qu'il était heureux de la rencontrer. L'homme était très heureux et pensait que même s'il venait de recevoir une gifle, il y avait rencontré de manière inattendue cette belle fille. L'homme pensait qu'elle avait l'air d'une simplette et maintenant, sans aucun doute, il s'approcherait d'elle et rencontrerait cette douce dame. L'homme s'est immédiatement approché de la fille et lui a dit qu'elle était belle et qu'il voulait qu'elle devienne sa petite amie pour toujours. Mais instantanément, l'homme a reçu une gifle pour la deuxième fois de la journée et a pensé qu'il ne pensait pas qu'elle serait offensée parce qu'il était poli. La fille l'a traité de salaud et lui a demandé comment il ose écarter ses mains sales et comment il n'a pas honte d'un comportement aussi terrible. L'homme était très en colère parce que personne ne voulait communiquer avec lui et ne lui montrait pas de respect et il pensait qu'elle répondrait de ses paroles. Et puis soudain, l'homme a frappé cette fille de toutes ses forces et d'un tel coup, elle est tombée au sol et a crié et a souffert énormément. L'homme l'a traité d'imbécile et lui a demandé ce qu'elle se permettait de faire et pense qu'elle est si cool et lui a demandé si elle voulait le frapper à nouveau. La fille était allongée sur le sol et se remettait du coup, et l'homme pensa qu'il n'avait plus rien à faire là-bas et se dirigea vers le patron. La fille a immédiatement sorti son téléphone et a appelé son père et a pensé que ce scélérat le regretterait et se souviendrait longtemps de ce jour. La fille a dit à son père que sa fille bien-aimée avait été battue par un scélérat et a dit qu'il devrait en répondre et le père était furieux contre cela. L'homme est retourné voir le patron et lui a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce monde et il y a rencontré une femme très désagréable et elle avait l'air gentille.
L'homme a dit au patron qu'il l'avait frappé parce qu'il ne pouvait pas tolérer une telle impudence de sa part et que ce n'était pas pour rien qu'il était impliqué dans la boxe et le karaté depuis tant d'années. Shang Rong a dit que ce n'était rien et qu'il n'avait rien à craindre car Ma Wen était de leur côté et même Monsieur Dong ne pouvait rien leur faire. L'homme a dit à Shang Rong qu'il avait tout dit correctement et qu'il n'avait rien à craindre et que personne ne pouvait vaincre Ma Wen et même ce Monsieur Dong. Shang Rong a dit que seul un idiot risquerait de s'opposer à eux et même si Dong possède tous les centres d'un Zong, il ne leur est toujours pas un obstacle. Y Tian pensait que Shang Rong et les autres auraient pu rire, mais il a peur qu'il n'ait plus une telle opportunité dans une minute. Et quelques minutes plus tard, quelqu'un a donné un coup de pied à la porte d'entrée et est entré dans le restaurant avec un rugissement et tout le monde a été surpris de savoir qui était cette personne inattendue. Et à ce moment-là, de nombreuses personnes armées d'une chauve-souris sont entrées dans le restaurant et tout le monde a eu peur en les voyant et a réalisé qu'il s'agissait définitivement de bandits. Shang Rong s'est immédiatement levé et a dit à ses gens qu'il s'agissait d'une soirée privée et où était leur laissez-passer et comment pourrait-il entrer sans lui. Mais l'homme le plus puissant a dit à Shang Rong de s'écarter et s'il ne comprend pas bien alors c'est un désastre et il s'est tenu devant son homme. L'homme a demandé à ses hommes de s'éloigner de lui et a demandé à son frère Shang Rong de l'aider à gérer ses gens parce qu'il était dur. Shang Rong leur a ordonné de libérer immédiatement son ami et au début ils ont tous fait irruption là-bas et maintenant ils ont attrapé son ami et comment comprendre tout cela? L'homme de Shang Rong a demandé aux hommes s'ils l'avaient entendu et leur a dit de retirer leurs mains, sinon ils regretteraient grandement d'avoir contacté Shang Rong. Mais l'homme s'est mis en colère et a giflé l'homme de Shang Rong au visage et lui a fait comprendre qu'il ne le croirait peut-être pas, mais qu'il allait maintenant l'achever là. Shang Rong a ordonné aux hommes de s'arrêter et a déclaré que s'ils ne le faisaient pas, ils regretteraient vraiment cette décision. Shang Rong pensait qu'il ne devait pas s'immiscer dans ce conflit, sinon il risquerait de perdre son prestige et son autorité dans les cercles. Les gens de Shang Rong ont commencé à se diriger vers ces hommes et leur ont dit d'être prêts et qu'ils recevraient désormais ce qu'ils méritaient pour leur arrogance. Et à ce moment-là, une bagarre a immédiatement commencé entre les gens de Shang Rong et ces hommes et ils se sont battus sans arrêt et sans pitié. Et après un certain temps, les gens de Shang Rong ont vaincu ces gens avec difficulté et ont pensé qu'ils étaient très forts et ne pouvaient pas se comparer à eux. Wang Xian était très heureuse et a dit que c'était très cool et qu'ils ont tué tout le monde si rapidement et qu'elle était très fière de Shang Rong. Tian a vraiment demandé à tout le monde et a dit qu'il ne se précipiterait pas pour se réjouir et a dit que ce sont des six ordinaires et que tout le plaisir ne fait que commencer. L'ami de Wang Xian a dit à Tian qu'il pouvait parler parce que lui-même était resté assis tout ce temps et n'avait même pas levé le petit doigt pendant le combat. L'homme s'est levé et a traité tous les étudiants de salauds et a dit qu'il répondrait toujours de cela et que cela arriverait plus vite qu'il ne le pensait. Rong a demandé s'il appelait ses amis et il était curieux de savoir de quoi étaient faits ses meilleurs amis et il voulait les voir en personne. Et puis l'homme a appelé au téléphone et a dit à monsieur Dong qu'ils étaient maintenant à la villa Tanglong et lui a donné toutes les informations sur tout. L'homme a dit que cet avorton qui avait battu sa fille était également là et Shang Rong s'est figé de surprise et a été choqué d'entendre parler de ce Dong. Shang Rong se demandait si ce monstre blond de son équipe avait insulté la fille de monsieur Dong lui-même et était-il vraiment un idiot évident. Et quelques minutes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte et tout le monde a réalisé que la fin était venue pour ses étudiants et que c'était un grand désastre. Beaucoup de monde est allé au restaurant et tous les convives du restaurant se sont levés de leur siège pour dire bonsoir à cette personne personnellement. Et puis tout le monde s'est incliné et a dit bonsoir à Monsieur Dong et a dit qu'ils étaient très heureux de rencontrer une telle personne en personne. Monsieur Dong a demandé à toutes les personnes qui ont osé toucher sa fille et a demandé aux lâches où était passé leur courage et où était leur courage. Shang Rong a demandé pardon à Monsieur Dong et lui a demandé de ne pas être en colère et a dit que son père est le chef du groupe Baogang Shang Zhenyang. Mais Monsieur Dong a attrapé Shang Rong par la peau du cou et a demandé au salaud comment il avait osé insulter sa fille et qu'il ne quitterait pas cette villa vivant. Shang Rong a déclaré que Monsieur Ma Wen avait organisé cette fête et que s'il le respectait, ils auraient dû le laisser partir à la seconde même. Monsieur Dong a demandé à Shang Rong d'attendre et a dit qu'il l'avait d'abord grondé avec son père et maintenant avec Ma Wen et qu'il semblait qu'il avait peur de lui. Monsieur Dong a expiré et a pensé qu'il semblait que cet étudiant stupide ne comprenait toujours pas avec qui il jouait et pensait qu'il était un gars ordinaire. Monsieur Dong a dit à Shang Rong qu'il ouvrirait les yeux et a dit que son père et Ma Wen n'étaient rien comparé au chef de Li Dong lui-même. Shang Rong a été très effrayé par ces mots et ne savait pas quoi faire maintenant et s'est rendu compte qu'il avait de sérieux problèmes et qu'il avait commis une erreur aujourd'hui. Wang Xian a demandé pourquoi Shang Rong avait provoqué Dong lui-même et est-ce que Monsieur Dong les punirait tous maintenant pour cet acte de sa part. Y Tian a dit à Wang Xian qu'il avait promis à sa mère de prendre soin d'elle et qu'elle devait donc avoir confiance qu'il ne lui ferait pas de mal et qu'il la protégerait. Wang Xian a été surprise par les paroles de Tian et a pensé qu'elle ne pouvait pas imaginer qu'il était une personne aussi gentille et loyale. Tian pensait que Shang Rong n'avait pas eu de chance cette fois, mais il ne bougera pas jusqu'à ce que toute cette situation affecte Wang Xian. L'homme de Monsieur Dong s'est approché du patron et lui a raconté ce qui leur était arrivé récemment et qui était vraiment responsable de tout. Monsieur Dong a crié et a demandé aux étudiants s'ils pensaient vraiment que s'ils battaient ces gars, alors ils seraient cool et les laisseraient montrer leur sang-froid. Monsieur Dong a dit aux étudiants qu'ils auraient des ennuis et qu'ils feraient payer à toutes leurs filles leurs péchés et les emmèneraient à la maison avec eux.
Et puis l'homme de Monsieur Dong a commencé à s'approcher de Wang Xian et elle a commencé à crier et à lui demander de ne pas lui faire de mal et de ne pas venir là-bas. Wang Xian a demandé à Monsieur Dong de la laisser partir et a dit qu'elle n'avait rien à voir avec tous ces gens. Mais à ce moment précis, quelqu'un a jeté des baguettes sur le sol et les a lancées avec une telle force qu'elles sont restées collées au sol et sont restées fermement collées au sol. Les gens de Monsieur Dong l'ont regardé et ont réfléchi à ce que c'était et qui pouvait lancer des bâtons avec une telle force et c'était une énergie incroyable. Et puis Y Tian a dit à tous les gens de Monsieur Dong qu'il ne voulait pas du tout intervenir, mais ils l'ont forcé à le faire et maintenant tout. Tian se tenait juste devant les gens de Monsieur Dong et ils attendaient une action de ce type, mais il restait là, immobile et calme. Monsieur Dong a souri et a demandé à Tian qui il pensait être et croyait-il vraiment qu'il pouvait le gérer et il était tellement rêveur. Monsieur Dong a dit à Tian qu'il avait très peur et il lui a seulement demandé de ne pas lui faire de mal et d'épargner tous ces gens là-bas. Wang Xian a regardé Tian et s'est demandé s'il était si effrayant que le patron Dong lui-même avait peur de lui et ne voulait pas le combattre. L'ami Xian n'en croyait pas ses yeux et comment Monsieur Dong pouvait-il avoir peur d'un être aussi faible que Tian qui n'était qu'un lâche? Monsieur Dong a demandé ce qui se passait là-bas et comment tant d'ignorants se sont rassemblés dans cet endroit et cela devait être réparé rapidement. Monsieur Dong a demandé à son homme nommé Sun Z de donner une bonne leçon à ce héros afin qu'il n'agisse plus de manière aussi grossière. Sanzi a dit à Tian qu'il jouerait maintenant et a dit à Monsieur Dong qu'il le ferait avec plaisir et qu'il avait peur de ne pas le lui proposer. Sanzi était autrefois un soldat d'élite des forces spéciales et il était capable de vaincre plus d'une douzaine de soldats et a causé la mort de l'étudiant Y Tian. Tian réalisa que Sanzi avait une force brute et un corps fort et il réalisa qu'il était temps pour lui de tester ses capacités dans la pratique et dans le combat réel. Et à ce moment précis, Sanzi s'est balancé et a voulu frapper Tian et a dit que maintenant il lui montrerait la technique d'un vrai combattant d'élite. Mais à la surprise de tout le monde, Tian n'a bougé nulle part et s'est levé et a attendu que ce combattant frappe et n'avait pas du tout peur de Sanzi. Et quand Sanzi faillit pointer son poing vers le visage de Tian, il attrapa la main du combattant et tout le monde ne croyait pas que l'homme avait une réaction aussi puissante. Sun Z était choqué et se demandait si ce gamin arrêtait vraiment son coup et son coup était célèbre pour le fait qu'il atteignait toujours la cible. Sanzi a dit à Tian qu'il n'était pas mauvais et a dit que c'était encore plus intéressant et qu'achever le maître était beaucoup plus agréable qu'un gamin. Et à ce moment-là, Sun Z a sorti son couteau et a dit qu'il pouvait repousser ses poings, mais qu'il était beaucoup plus difficile de gérer le couteau. Tian se demanda si Sanzi avait sorti une arme blanche et se rendit compte qu'il semblait l'avoir surestimé parce qu'il pensait qu'il lui donnerait une sérieuse rebuffade. Tian sourit et demanda à Sanzi s'il pensait vraiment que son petit cure-dent pourrait le vaincre et s'il y croyait lui-même. Sanzi a crié et a déclaré que les morts n'auraient pas le temps pour de telles conversations et a attaqué Tian avec un couteau dans les mains et avec agressivité. Sanzi a continué à courir vers Tian et a dit que maintenant il ne pouvait plus se cacher nulle part et qu'il n'avait pas besoin de prétendre être un héros. Tian regarda Sanzi droit dans les yeux et ne bougea pas, et tout le monde pensait que l'étudiant était devenu fou et qu'il s'était déjà résigné et ne se protégeait pas du coup. Wang Xian a pleuré et ne pouvait pas voir comment son défenseur était maintenant privé de la vie et elle était très bouleversée pour le gentil étudiant. Monsieur Dong a regardé son combattant Sun Z et était très heureux et savait qu'il ne le laisserait jamais tomber et que dans les moments difficiles, il vaincrait tout le monde. Shang Rong pensait que Tian avait trop confiance en lui et maintenant il ne pourra plus s'échapper à cause de son arrogance et Monsieur Dong va en finir avec lui. Mais à la surprise de tous, tout le monde vit le couteau de Sanzi s'envoler dans l'autre sens et se demanda si Tian pourrait vraiment échapper à son attaque. Soudain, Monsieur Dong a remarqué que son combattant Sun Z était allongé sur le sol et se tordait de douleur et a pensé à ce qui pourrait arriver à un tel guerrier. Monsieur Dong a demandé à Sunzi ce qui s'était passé là-bas et pourquoi il n'avait toujours pas tué cet impudent Tian et pourquoi il était allongé sur le sol. Sun Z n'a pas eu la force de se lever, mais il a dit à Monsieur Dong qu'il allait bien et qu'il continuerait désormais à se battre avec ce type Tian. Tian resta perplexe et pensa qu'il n'avait même pas fait d'effort et que Sanzi ne pouvait pas résister ne serait-ce qu'à un seul coup de sa part et c'est un combattant fort. Monsieur Dong était furieux et a ordonné à tous ses hommes d'attaquer Tian, de l'achever et de venger leur meilleur combattant et frère Sunzi. Et puis tous les gens de Monsieur Dong ont commencé à courir vers Tian et ils voulaient impressionner leur patron et être les premiers à en finir avec cette insolence. Tian pensait à quel point il était bas d'attaquer par une foule mais a dit merci pour le fait qu'ils ont décidé de gagner du temps et de le laisser finir plus vite. Et puis l'un des hommes de Monsieur Dong a couru vers Tian et l'a frappé, mais il a ressenti une grande douleur et sa main a été blessée. Tian pensait que grâce au vrai cuit, sa peau était devenue plus solide que l'acier et que maintenant aucune de ces personnes ne pouvait le supporter. Monsieur Dong a regardé à quel point Y Tian était fort et s'est demandé ce qui n'allait pas chez cet homme et pourquoi il était un combattant si puissant. Tous les gens de Monsieur Dong criaient de douleur et ils ne voulaient plus embêter Tian dans cette vie et cela ne servait à rien de continuer le combat. Monsieur Dong a dit à Tian qu'aujourd'hui il doit comprendre que lui, Li Dong, n'est pas celui à défier et il le lui prouvera bientôt. Monsieur Dong a jeté son verre par terre et il s'est brisé et le patron s'est tenu juste devant l'impudent Tian et a voulu s'occuper de lui personnellement. Monsieur Dong a demandé à Tian s'il voulait se battre et a dit qu'il se battrait toujours et qu'il le déchirerait rapidement en 1000 petits morceaux. Y Tian a dit à Monsieur Dong qu'il verrait qui déchirerait qui d'autre et qu'il ne voulait plus parler mais voulait juste se battre avec lui.
Et juste au moment où il voulait déclencher une bagarre, quelqu'un a dit de quel genre d'impudence s'agissait-il et qui a osé organiser des bagarres dans sa villa et tout détruire là-bas. Et à ce moment-là, Yushan et Uliner apparurent devant eux et elle était clairement mécontente de ce que ses invités avaient fait là-bas. Monsieur Dong a vu Miss Uliner et a pensé qu'elle était vraiment venue là pour rétablir l'ordre et ils avaient tous peur de cette dame. Monsieur Dong a demandé à Uliner ce qu'elle faisait là et a dit qu'il était sur le point d'aller la voir mais que ce scélérat l'a détenue là-bas. Monsieur Dong a regardé Tian et a pensé qu'il tuerait ce scélérat et qu'il paierait pour l'avoir ridiculisé devant tout le monde. Maître Tian a été surpris et a demandé à Uliner ce qu'elle faisait là et il a dit qu'il était très heureux de la revoir mais qu'il ne s'attendait pas à cette rencontre. Uliner a dit à Tian que c'était sa villa et elle est venue lui dire personnellement bonjour et lui a dit qu'en sa présence personne ne mettrait le doigt sur lui. Monsieur Dong a été choqué et Uliner a suggéré que Maître Tian prenne un verre ensemble, oublie ce malentendu et se détende après tout le travail. Monsieur Dong ne pouvait pas comprendre qui était Tian et pourquoi Miss Uliner était si gentille avec lui et où ils auraient pu se rencontrer avant cette réunion. Maître Tian a demandé à Uliner comment elle connaissait Li Dong et il souhaitait en savoir plus sur lui. Uliner a dit qu'elle et Li Dong sont liés, mais que ses parents sont beaucoup plus influents, alors comment pourrait-elle ne pas connaître Li Dong après cela? Li Dong a demandé pardon à Uliner et a dit que s'il avait su qu'il était son invité, il n'aurait jamais permis une agression contre le maître. Maître Tian et Uliner ont juste regardé Monsieur Dong en silence et il a pensé qu'il prévoyait définitivement une punition sévère pour lui. Monsieur Dong pensait que c'était en vain qu'il avait contacté ce maître. Mais comment pouvait-il savoir qu'il aurait des relations aussi influentes que Liner? Et puis Monsieur Dong s'est agenouillé et a dit à Maître Tian qu'il n'était pas lui-même et lui a demandé pardon pour toutes ces atrocités là-bas. Tian pensait que personne n'était mort, mais que quelqu'un avait été blessé, mais c'était quelques petites choses et il a proposé de mettre fin à la querelle sur cette note. Maître Tian a dit à Monsieur Dong qu'il lui pardonne mais lui a demandé de ne plus jamais faire de mal à ses amis ni d'être agressif. Uliner a dit à Monsieur Dong de s'éloigner de là et Li Dong a dit à Miss qu'il partait déjà de là et lui a souhaité bonne nuit. Monsieur Dong et tous ses gens se sont immédiatement enfuis de là et Li Dong a demandé aux gens de ne pas le pousser et de lui ouvrir la porte de sortie. Uliner a dit à Maître Tian qu'elle s'était à nouveau sincèrement excusée et avait dit qu'elle paierait pour tous les dommages qui lui avaient été causés. Maître Tian a dit à Uliner que tout allait bien et a dit qu'il y avait trop d'oreilles et qu'ils en parleraient une autre fois. Uliner a dit à Maître Tian qu'elle le comprenait et qu'il discuterait de questions importantes avec lui un autre moment seul sans ces personnes. Uliner a dit à Maître Tian qu'à bientôt et a immédiatement quitté ce restaurant et Tian était heureux que tout soit fini. Tian pensait que Xian était en sécurité et que sa mission était terminée et qu'il était temps pour lui de rentrer chez lui et de se reposer après une telle soirée. Wang Xian pensait que Tian l'avait toujours déshonoré, mais maintenant il lui semblait que quelque chose avait changé en lui et qu'il était devenu une personne différente. Le lendemain, Tian s'est levé et a regardé les voitures de luxe et a parlé avec Wang Xian de tous les événements de la soirée passée. Xian a demandé à Tian qui était Uliner et pourquoi elle l'avait soudainement aidé et s'était même opposé à Monsieur Dong lui-même. Tian a dit à Xian qu'ils avaient rencontré Uliner hier et il a dit qu'elle l'avait aidé et parce qu'elle voulait lui rendre l'appareil. Xian a demandé à Tian qui il pensait qu'elle était et ils vivent ensemble depuis plusieurs jours et il lui semble qu'il lui cache clairement quelque chose maintenant. Tian sourit et pensa qu'il ne s'était jamais attendu à ce que Xian lui pose des questions sur ses amis comme ça et l'interroge. Tian a demandé à Wang Xian si elle voulait vraiment dire qu'il ne pouvait aider personne et elle s'est figée de surprise à la question. Tian commença à ouvrir la voiture et pensa qu'il voulait depuis longtemps en parler à Wang Xian mais qu'il n'osait pas, et maintenant le moment est venu. Et puis Tian a dit à Xian qu'il partait et qu'à partir de maintenant, il n'était plus personne l'un pour l'autre et qu'elle pouvait continuer à languir sur des papiers poubelles. Wang Xian a dit à Tian qu'il était un scélérat ingrat et qu'elle voulait dire autre chose, mais Tian n'écoutait plus ses paroles. Après cela, Tian est venu dans la ville de Yizhong et a pensé qu'il devait y terminer les choses rapidement, puis rentrer chez lui et se coucher. Tian comprit que le processus de développement était très lent et que le QI dans son âme était trop faible et il ne savait pas quoi en faire maintenant. Et à ce moment précis, Tian entendit le grondement dans son estomac et réalisa qu'il avait à nouveau très faim et qu'il mangerait n'importe quoi. Tian pensait que jusqu'à ce qu'il apprenne à se nourrir d'énergie externe, il n'avait pas eu aussi faim depuis longtemps et il était prêt à tout pour n'importe quelle nourriture. Tian compta l'argent dans sa poche et se rendit compte qu'il y en avait très peu et que ce n'était peut-être même pas suffisant pour un repas copieux et nutritif. Tian s'est rendu compte qu'il devait acheter de la nourriture, sinon il deviendrait le premier pratiquant de cette histoire à mourir de faim et ce n'était pas drôle. Mais Tian pensait qu'il devait tenir parole envers Uliner et qu'il devait la guérir et cet argent serait suffisant pour les médicaments de Uliner. Quelques minutes plus tard, Tian est sorti de la pharmacie et a acheté tout un paquet de médicaments avec son dernier argent et a voulu guérir Uliner plus rapidement. Tian errait dans une ruelle sombre et soudain il entendit quelqu'un dire que s'il la touchait, il le regretterait beaucoup, sans blague. Tian s'est intéressé et il a pensé à ce qui se passait encore là-bas et il devrait y aller et regarder l'événement de ses propres yeux. Une fille dans une ruelle a demandé aux hooligans s'ils savaient qui elle était et ils ont répondu qu'elle était belle et qu'elle voulait s'amuser avec elle. Mais la jeune fille n'a pas été déconcertée et a donné à l'un d'eux une forte gifle au visage, il n'a pas compris le moment du coup et a été confus par un coup aussi précis.
Et puis l'intimidateur a attrapé la fille à la gorge et lui a dit comment ose-t-elle le frapper au visage et elle va maintenant payer pour cet acte impudent. L'homme a dit à ses amis qu'elle était aussi audacieuse et qu'il aimait les filles de caractère et qu'elle était l'idéal de ses rêves et de ses rêves. La jeune fille a crié et a demandé à quelqu'un de l'aider, mais elle-même ne croyait pas que quelqu'un l'entendrait et l'aiderait dans cette nuit sombre et sombre. Mais après quelques minutes, Tian est apparu devant les hooligans et leur a dit d'arrêter de faire cela et de libérer immédiatement cette jeune fille innocente. Tian a dit aux intimidateurs qu'il ne voulait pas se salir les mains, mais que s'il ne s'arrêtait pas maintenant, il devrait leur apprendre quelques bonnes manières. L'intimidateur a poussé la fille à la gorge et a dit à Tian de sortir de là et lui a dit que ce n'était pas ses affaires et qu'il pouvait rentrer chez lui et ne pas être intelligent là-bas. Des hooligans armés de couteaux ont demandé à Tian s'il imaginait vraiment qu'il était un héros et ont demandé aux super-héros de leur montrer ses super capacités. La fille a demandé à Tian de s'enfuir de là et a dit que lui seul ne pouvait pas y faire face et qu'il devait au moins lui sauver la vie aujourd'hui. Tian pensait que c'était si naïf et il aime les gens si impudents qui pensent qu'ils sont plus forts, mais même si ce n'est vraiment pas le cas. Tous les hooligans étaient armés et ils ont commencé à courir vers Tian et ont dit qu'il avait été extrêmement malchanceux aujourd'hui de les avoir croisés. Mais Maître Tian s'est occupé de tous les hooligans avec des couteaux d'un seul mouvement et s'est dirigé vers la jeune fille blessée au sol. Les hooligans avaient très peur de Tian et ont dit qu'il ferait mieux de sortir de là rapidement avant qu'il ne soit trop tard et que ce n'était pas une personne, c'était un monstre. Tian s'est approché de la fille et lui a tendu la main et lui a dit qu'il n'était pas dangereux pour elle et qu'elle pouvait se calmer et qu'il n'y avait aucun danger. Tian a dit à la jeune fille qu'elle était désormais en sécurité, mais lui a demandé de ne plus jamais marcher seule la nuit car c'était très dangereux. La fille a donné sa main à Tian et l'a remercié de l'avoir sauvée. Il était heureux que tout se soit bien passé et qu'elle n'ait pas été gravement blessée. Tian a dit à la fille qu'elle lui rappelait quelqu'un et il semble qu'il se soit déjà rencontré, mais il y a tellement de maquillage sur son visage que c'est difficile à comprendre. La jeune fille a demandé à Maître Tian s'il pouvait lui donner son numéro afin qu'elle puisse plus tard le remercier pour une telle aide. La fille a dit à Tian qu'elle avait une offre et que ce serait bien s'il l'aidait avec son travail à temps partiel et il a été surpris par cela. La jeune fille a dit que le bar où elle travaille à proximité n'avait pas assez d'assistants et qu'il était très proche de cet endroit. Tian pensa au bar et se demanda s'il aurait le temps de suivre ses cours et la proposition était idéale, mais il devait cultiver. La jeune fille a dit à Tian qu'il resterait au bar pendant quelques heures et que cela n'interférerait pas avec ses études et elle a garanti que. Tian a dit à la fille merci pour un tel travail, mais il a encore besoin de réfléchir et il lui a demandé quel était son nom. La fille a dit qu'elle s'appelait Li Siyu et qu'elle était très heureuse de le rencontrer et a dit que s'il voulait travailler, il pouvait venir. Tian a remercié Li Siyu et a dit que son nom était Y Tian et qu'il se souviendrait de sa gentillesse et n'oublierait jamais la douce dame. Après ces événements, Tian est retourné dans son appartement loué et a pensé qu'il devait d'abord cultiver pour devenir plus fort. Tian était assis dans l'appartement loué et il a commencé à jeter un sort et il a même commencé à faire quelque chose à sa grande surprise. Tian pensait qu'avec l'aide d'une pilule miracle, le cuir rempli commencerait à réagir avec un poison froid et aiderait le pauvre homme. Tian a commencé à recevoir cette pilule et pensait que cela aiderait la patiente à se débarrasser des symptômes nocifs et des virus présents dans son corps. Tian pensait que les herbes ordinaires ne suffiraient pas et qu'il devait ajouter des herbes supérieures pour que la pilule fonctionne correctement. Tian pensait que le processus de cuisson se déroulait sans problème, mais il était hanté par son portefeuille vide et c'était très stressant pour lui. Ensuite, Tian s'est assis sur son lit et a regardé la liste des élèves de l'école Rangan et ses souvenirs du passé. Et en regardant les noms et prénoms de tous les élèves de cette école, Tian remarqua quelque chose de très intéressant qui attira son attention. Tian pensa comment pourrait-il oublier cela et Li Suiyu était la première beauté de l'école Rangan et tout le monde courait après elle alors. Tian pensait qu'il était une célébrité de l'école travaille dans un bar de nuit et va à l'école pendant la journée et c'était très intéressant pour lui. Tian a pensé aux deux faces d'une même médaille et il s'est rendu compte qu'il lui faudrait encore trouver un emploi dans ce bar pour mieux la connaître. Tian était allongé sur le lit et était heureux et pensait que beaucoup de choses dans la nouvelle vie s'ouvraient d'un côté différent, plus intéressant et c'était cool. Le lendemain, Tian est venu dans ce bar et a pensé que cela semblait être un bon endroit et qu'il pourrait y travailler pendant quelques mois. Tian pensait qu'une étudiante ordinaire dirigeait un bar entier et Li Xu n'était pas si simple et elle avait des qualités de leadership. Tian pensait que pour l'instant il ne dévoilerait pas son identité, car non seulement sa sécurité mais aussi celle des autres en dépendait. Y Tian est entré dans ce bar et a vu Li Xu assise là et elle faisait de la paperasse pour ce bar et était occupée à ce moment-là. Mais dès que Li Xu a vu Tian là-bas, elle a été ravie et lui a demandé de venir la voir et elle a eu une conversation pour lui. Li Xu a demandé à Tian ce qu'il faisait et a dit qu'il manquait maintenant de personnel et qu'il les aiderait vraiment maintenant. Tian sourit et dit à Li Xu qu'il était probablement d'accord et lui demanda de lui dire ce qu'on attendait de lui dans ce poste. Li Xu a dit qu'elle était très heureuse qu'il ait accepté et lui a demandé de la suivre et a dit que maintenant elle lui montrerait tout dans ce bar. Un peu plus tard, Tian a changé de vêtements et est apparu dans ce bar habillé en serveur, et c'était son travail et il était content de tout là-bas. Tian voulait commencer à travailler, mais tout à coup il a entendu les ouvriers dire que le patron Li Xu avait de gros problèmes. Les serveurs ont dit qu'ils avaient entendu Li Xu croiser le chemin de Li Dong et qu'il n'avait pas d'égal en cruauté dans cette ville.
Et puis les serveurs ont remarqué que Tian écoutait et lui ont dit de se perdre et de commencer à travailler puisqu'il était nouveau au bar. Tian a dit à ses collègues qu'il les écoutait et qu'il ferait tout ce que ses nouveaux amis de travail lui diraient de faire. Tian était surpris et qui aurait pensé que le barreau impérial aurait des problèmes avec Li Dong et qu'il ne lui avait pas seulement fait du mal. À 11h du soir, Tian a terminé son quart de travail et Li Ziyu a dit qu'elle ne doutait pas de lui et que c'était son premier salaire. Tian a dit à Li Ziyu qu'il n'était pas nécessaire de le féliciter autant et qu'il était heureux d'aider son vieil ami et était toujours prêt pour tout le travail. Tian a dit à Li Ziyu qu'il se retrouverait ensuite demain au travail et elle était heureuse qu'ils aient maintenant un si nouvel employé. Tian réalisa que quelque chose d'étrange se passait en lui et qu'il devait rentrer chez lui le plus tôt possible et améliorer sa santé. Quelques minutes plus tard, Tian était déjà chez lui et il entra rapidement dans sa chambre et il avait besoin de comprendre ce qui lui arrivait. Tian réalisa que le processus de sa cultivation avait déjà été arrêté et qu'il était temps pour lui de terminer la dernière étape du développement du QI. Et à ce moment-là, Tian ouvrit les yeux et réalisa qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là-bas et il sentit quelque chose d'étrange dans sa chambre maintenant. Tian réalisa qu'il y avait trop peu d'aura là-bas dont il avait tant besoin maintenant et il devait trouver plus d'aura. Tian ferma les yeux et pensa qu'il ne devait pas se laisser distraire et qu'il devait achever son développement sans délai. Et puis son énergie a commencé à quitter la maison de Tian au-delà des frontières possibles et elle a commencé à se répandre dans ce quartier. L'énergie continuait de planer dans l'air dans cette zone et Tian était si fort que tout le monde pouvait ressentir sa puissante énergie. Tian ouvrit les yeux et réfléchit à quel genre de technique miraculeuse il s'agissait et il était capable d'absorber les moindres grains d'aura et c'est cool. Tian fut très surpris et pensa que même l'aura de la lune lui succombait et que son développement ne pouvait plus être arrêté à ce moment-là. Tian ferma les yeux et continua à absorber l'énergie de la lune et il ressentit toute cette énergie et c'était juste une sensation inoubliable. Quelque temps après le développement, Tian se leva et pensa que maintenant il sentirait s'il pouvait devenir plus fort et plus puissant qu'avant. Et puis Tian s'est rendu compte que l'énergie le submergeait et c'était génial et il ne s'était jamais senti comme une personne en aussi bonne santé. Tian était très fier de lui et à ce moment précis quelqu'un l'a appelé au téléphone et Tian a pensé qu'il pourrait l'appeler à un tel moment. Tian a vu que Li Dong l'appelait et il a été surpris et a pensé à ce qu'il attendait de lui et il ne voulait pas communiquer avec lui. Mais Tian a répondu à cet appel et a demandé à Li Dong ce dont il avait besoin et pourquoi il l'avait appelé si tard. Monsieur Dong a dit à Maître Tian qu'il aimerait lui demander de l'aide et espérait qu'il ne lui refuserait pas son aide. Tian a été surpris car il ne s'attendait pas à ce que Monsieur Dong l'appelle et lui demande de l'aide après tout ce qui s'est passé. Tian a dit à Li Dong que, d'après ses souvenirs, leur dernière réunion ne s'était pas déroulée aussi bien et pourquoi il lui avait demandé de l'aide. Monsieur Dong a dit à Monsieur Tian qu'il avait un problème et où l'un lui a dit qu'il pouvait résoudre le problème rapidement. Monsieur Dong a dit qu'il pouvait le payer et Tian pensait qu'il n'avait pas besoin de l'argent de ce serpent, mais pourquoi est-il si timide? Tian a dit à Monsieur Dong qu'il l'aiderait et le lendemain, il s'est rendu dans sa forteresse pour lui parler. À l'entrée de ce bâtiment, Tian a été accueilli par de nombreux gens de Monsieur Dong et ils se sont inclinés et ont dit qu'ils étaient heureux de voir un tel maître là-bas. Et puis Monsieur Dong lui-même a commencé à quitter le bâtiment et il a dit à Maître Tian qu'il était très heureux de le voir comme invité et que c'était formidable. Monsieur Dong a serré la main de Maître Tian et a dit qu'il était venu et honnêtement, il ne s'attendait pas à ce qu'il accepte son offre après tous les événements. Ils sont entrés ensemble dans la pièce et tous ces gens attendaient Monsieur Dong devant l'entrée et ils se sont mis au garde-à-vous devant le patron et son invité. Tian s'est assis sur le canapé et a demandé à Monsieur Dong quel était le problème et pourquoi il l'avait appelé de manière si urgente et quel était son problème. Monsieur Dong a demandé à Maître Tian de le laisser présenter Maître Yingzong à Yu Yanqing et il est également heureux de le rencontrer. Monsieur Dong a dit que les pratiquants étaient très rares à leur époque et Tian a salué un autre maître fort. Les maîtres ont préparé du thé et se sont assis sur le canapé pour parler de sujets d'intérêt pour tout le monde, et ils ont attendu longtemps Maître Tian. Maître Yingzong Yanqing buvait du thé et Monsieur Dong a dit à Maître Tian qu'ils avaient un besoin urgent de parler d'un problème ensemble. Monsieur Dong a demandé à Maître Tian si le nom Wang Zikian signifiait quelque chose pour lui et ce nom l'a hanté tout ce temps. Monsieur Dong a dit à Maître Tian que ce maître était de Yuzhong, la banlieue de Yinzhong, et que sa désobéissance causait beaucoup de problèmes. Monsieur Dong a dit que les hommes de ce maître avaient battu ses hommes et qu'il devait maintenant venger ses fidèles combattants. Tian n'a pas cru ces mots et a demandé à Monsieur Dong si c'était une blague parce que tous ces hommes étaient d'anciens forces spéciales. Monsieur Dong a dit que les insectes de ce maître ne vaincra jamais ces tigres, mais se scélera à embaucher un maître qui battait les foules. Tian a pensé que c'était très intéressant et a demandé à Monsieur Dong ce qu'il voulait qu'il fasse avec le maître. Le maître à côté de Tian attendait également une réponse de Monsieur Dong et il se demandait pourquoi des maîtres comme eux étaient appelés là-bas. Monsieur Dong a fait appel à un diplomate et a demandé aux artisans si ce montant serait suffisant et il a voulu embaucher deux artisans à la fois. Et à ce moment-là, l'homme de Monsieur Dong a ouvert le diplomate, il y avait beaucoup d'argent et d'autres choses précieuses. Le regard de Maître Tian tomba sur l'herbe qui se trouvait dans ce diplomate avec l'argent et il réalisa de quel genre d'herbe rare il s'agissait. Tian pensait que c'était vraiment du ginseng et combien il était rare et qu'il avait au moins 2000 ans et qu'il était très cher. Tian pensait qu'avec cette herbe, il pourrait facilement guérir ou l'un et même reconstituer sa force spirituelle de combattant.
Maître Tian a dit à Monsieur Dong qu'il avait vraiment besoin de ces herbes et lui a demandé s'il pouvait lui en donner en guise d'amitié. Et à ce moment-là, Maître Tian posa son verre sur la table et un autre maître le vit et n'aimait pas du tout quelque chose. Le maître a dit à Tian que c'était très bruyant et que la prochaine fois il devrait être un peu plus prudent en plaçant ses plats sur la table comme un maître. Mais Maître Tian a simplement agité la main et a commencé à utiliser sa technique pour impressionner ce vieil homme qui se croit fort. Maître Tian a regardé attentivement un moment dans la pièce et beaucoup n'ont pas compris ce qu'il allait faire dans la pièce. Maître Tian a bougé la tête sur le côté et Maître Yinzong Yankin s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une technique de frappe aérienne et c'est tout. Et à cette même seconde une tache noire apparut sur le canapé et c'était le résultat de la technique du maître en action de son pouvoir. Maître Yinzong Yankin regarda Tian et pensa qu'il n'avait apparemment atteint que le stade flexible du développement du QI. Mais Maître Tian regarda Maître Yinzong Yankin et réalisa qu'il était trop arrogant et qu'il n'était pas si fort. Mais ensuite les gars sont entrés dans la pièce et ont dit à Monsieur Dong qu'ils ne pouvaient pas faire face à leurs gens et ont décidé d'appeler les maîtres. Les gens ont dit à Monsieur Dong s'il avait vraiment appelé deux maîtres à la fois et ont dit qu'il aurait pu l'oublier comme un mauvais rêve. L'homme a dit à Monsieur Dong que dans tout Yinzong, il n'y aurait pas de personne plus forte que lui et que tout le monde perdrait contre lui. L'homme regarda Tian et dit qu'il était submergé par sa force intérieure et que c'était un cadeau très rare dans le monde entier à cette époque. Monsieur Dong a dit à l'homme comment avait-il osé pénétrer par effraction dans son immeuble de manière aussi effrontée et a déclaré qu'il serait puni pour son impudence. Monsieur Dong a dit à Maître Tian et à Maître Yu qu'il était désolé de les avoir entraînés dans cette confrontation même s'ils ne le voulaient pas eux-mêmes. Maître Yinzong Yankin a dit à Monsieur Dong qu'il n'allait pas travailler à deux avec ce maître arrogant et s'en sortir seul. Maître Yinzong Yankin, à quoi servira ce type et il peut gérer tous ses boss ennemis sans aucun problème. Et puis Tian a dit qu'il les quitterait et que Maître Yinzong Yankin est beaucoup plus capable que lui et son aide n'est pas nécessaire. Monsieur Dong a demandé à Maître Tian de ne pas partir de là et deux maîtres valaient mieux qu'un et il croyait pleinement en sa force. Et puis Tian s'est assis là dans un coin et a regardé comment Maître Yankin s'occupait seul de tous les gens. Y que Tian pensait que Maître Yankin était à une étape de développement derrière lui et levait toujours le nez comme s'il était meilleur que tout le monde. À ce moment-là, Maître Yinzong Yankin s'approcha de son maître rival et pensa qu'il allait maintenant s'occuper rapidement de lui. Le maître s'est tenu devant le maître Yinzong Yankin et a dit qu'il était inférieur à lui et que le premier mouvement et le premier coup étaient pour ce maître. Monsieur Dong a dit à Maître Yinzong Yankin qu'il devait maintenant gagner ce combat afin qu'une fois pour toutes, ce maître les laisse derrière lui. Y Tian a regardé tout cela et a pensé que maintenant ce maître Yankin apprendrait le prix de l'arrogance et qu'après cela il deviendrait très humble. Maître Yankin voulait attaquer le rival de ce maître et pensait qu'il était beaucoup plus fort que lui et qu'il le vaincrait facilement maintenant. Maître Yankin s'est retrouvé derrière son ennemi et a dit qu'il avait déjà perdu cette bataille et avait permis à l'ennemi de s'approcher si près de lui. Mais le maître ennemi a seulement regardé Maître Yankin et a souri, et il n'a ressenti aucun danger du fait de ses attaques rapides et puissantes. L'ennemi s'est immédiatement écarté et n'a pas permis à Maître Yankin de frapper et a dit que c'était trop lent pour le maître. L'adversaire a observé les pitoyables tentatives de Maître Yankin pour le frapper et gagner cette bataille même s'il savait que c'était impossible. Et puis le maître a commencé à crier après Maître Yankin et a utilisé sa technique et a pensé que cela devrait suffire pour gagner. Maître Yinzong Yankin s'est seulement couvert les oreilles et il ne pouvait plus tolérer ce son et ne pouvait pas résister à ce maître expérimenté. Maître Yankin est tombé à genoux et a pensé que c'était juste une honte et qu'il s'était déshonoré juste devant le patron Monsieur Dong et ses gens. Maître Yankin s'est assis par terre et a réfléchi à comment cela était possible et il ne savait pas quel genre de technique très dangereuse c'était pour les vaincre. L'ennemi a simplement regardé Maître Yankin et n'a rien dit car il a compris que cette bataille était terminée et que le maître ne se relèverait pas. Maître Yinzong Yankin a dit qu'il avait sous-estimé son ennemi et qu'il l'avait payé par la défaite et qu'il ne pouvait plus rien lui faire. Monsieur Dong a demandé à Maître Tian d'être prêt et a dit qu'il allait bientôt commencer un combat avec ses maîtres et qu'ils étaient très dangereux. Le complice du maître d'une autre ville a commencé à applaudir son ami et a dit que c'était incroyable et que ce maître Yankin était pathétique. Le complice a dit à Maître Song que c'était du bon travail et que ces racailles de Yinzong ne sont même pas proches d'un maître aussi puissant. Le complice a dit à Maître Song que ces faibles devraient avoir peur d'eux et qu'ils ne pourraient rien faire avec leurs combattants et ne feraient que perdre. Mais Y Tian lui a demandé d'épargner ses oreilles et a dit qu'il n'était pas du tout d'accord avec lui et qu'il était vraiment si confiant dans la force de ce peuple Yinzong. L'homme a entendu ces mots et s'est figé de surprise et a pensé qu'il avait osé leur parler et il devrait être puni. L'homme a demandé à Song Tian de donner une leçon à ce scélérat, qui faisait maintenant semblant d'être un dur à cuire et pensait que c'était très amusant. Maître Song Tian était d'accord avec son frère et a dit qu'il donnerait maintenant rapidement une leçon à cet homme impudent et a commencé à l'approcher rapidement. Maître Song Tian a attaqué Maître Y Tian et lui a dit qu'il allait maintenant goûter quelques-uns de ses coups et lui dire quel goût ils avaient. Y Tian est simplement resté immobile et a dit à Maître Song qu'il aurait désormais peur de lui et n'utiliserait plus aucune de ses techniques. Et puis Maître Song Tian se figea de surprise et demanda où cet étranger avait autant de force et il réalisa que Y Tian était un puissant combattant. Et à ce moment-là, Y Tian s'est approché de Song Tian et l'a attrapé fermement par la gorge et a commencé à le soulever uniquement avec ses mains fortes.
Y. Tian a élevé Maître Song Tian et a dit que les cultivateurs martiaux ne devraient pas s'embêter et se battre avec toutes sortes d'ordures dans les rues. Et immédiatement après ces mots, Y. Tian jeta Maître Song Tian de toutes ses forces quelque part sur le côté et dit que leur combat était déjà terminé et qu'il était heureux. Maître Song Tian tomba au sol de toutes ses forces et demanda à Y. Tian s'il comprenait quelle erreur il avait commise et ce qui allait lui arriver maintenant. Maître Song Tian a commencé à ramper sur le sol et a voulu s'en échapper rapidement car il s'est rendu compte que sa force n'était pas suffisante pour nous vaincre avec le monstre. Y. Tian a demandé à Maître Song Tian s'il comprenait lui-même ce qu'il avait fait et a dit que même en réalisant cela, il essayait toujours de leur échapper. Maître Song Tian voulait se lever, mais il n'y parvint pas et il réalisa que Maître Y. Tian venait de se blesser à la jambe au combat. Y. Tian a dit à Maître Song qu'il avait noté toutes ses meilleures qualités, mais que les pratiquants n'avaient pas été créés pour aider les ordures. Y. Tian a demandé à Maître Song de revenir et il a demandé à son ami d'emmener ce maître avec lui et de retourner ensemble à Yunzhong. Y. Tian a crié après ses maîtres et leur a ordonné de ne plus jamais apparaître à Yunzhong et ils n'y étaient pas les bienvenus et personne ne les respectait. Après cela, Tian s'est approché du diplomate et en a sorti du ginseng ancien et a pensé qu'il voulait depuis longtemps obtenir une telle rareté. Tian a pris ce ginseng avec lui et a dit à Monsieur Dong qu'il était heureux d'accepter son cadeau et qu'il souhaitait depuis longtemps recevoir un tel prix. Après cela, Tian rentra chez lui et pensa que tous ses maîtres le sous-estimaient toujours et soudain quelqu'un commença à frapper à la porte. Tian a été surpris de savoir qui cela pouvait être et devant la porte, ils ont dit qu'ils étaient venus voir Maître Tian de la part de Monsieur Li Dong et qu'il avait un message. L'homme a amené à Tian un diplomate avec de l'argent et lui a dit que c'était un cadeau de Monsieur Dong pour son aide et que les objections ne seraient pas acceptées. Tian était d'accord avec cet homme et a déclaré que ce ne serait pas très agréable pour lui de résister à la générosité du patron, Monsieur Dong lui-même. Tian a remercié l'homme de Monsieur Dong et a dit que maintenant il pouvait partir tranquillement et qu'il contacterait Monsieur Dong et le remercierait. Tian ferma la porte d'entrée et se retourna et réalisa qu'il avait encore beaucoup de choses à faire le plus rapidement possible. Tian regarda le four à pilules et pensa qu'il devrait rapidement aider Oulin Er car elle espère toujours l'aide de Y. Tian. Et à ce moment précis, le four s'ouvrit et une très belle pilule apparut devant Tian et il réalisa que le médicament était maintenant définitivement prêt. Tian s'est rendu compte que la couleur vive de la pilule et les puissantes vagues d'énergie indiquent sa bonne qualité, ce qui signifie que tout n'est pas perdu. Tian s'est rendu compte que l'énergie du ginseng ne serait pas suffisante pour une percée et qu'il devrait construire une formation de QI pour attaquer les gens le plus tôt possible. Tian s'est rendu compte que fabriquer des pilules est une activité très coûteuse, et donc la valise de Monsieur Dong était utile maintenant, et c'est vrai. Après cela, Tian est venu dans la rue des Antiquités de Chine et voulait juste s'y promener et voir toutes sortes de trésors rares et anciens. Tian s'est vite rendu compte qu'il faisait très chaud dans cette rue des antiquaires et il s'est demandé s'il y avait quelque chose d'intéressant là-bas et s'il y trouverait quelque chose. Et à ce moment-là, un homme est passé à côté de Tian et il transportait des marchandises avec lui, et pour une raison quelconque, cet homme a alerté Tian. Maître Tian pensait qu'il ressentait vraiment l'énergie du QI et qu'elle était si proche que c'était très étrange mais curieux pour lui. Et puis Tian a vu que c'était un vendeur et qu'il y disposait toutes ses marchandises et il a pu trouver quelque chose de très intéressant. Tian a regardé ces choses et a pensé que la qualité du jade laisse tout simplement beaucoup à désirer, mais à l'intérieur, cela semble très inhabituel. Tian a passé beaucoup de temps à regarder une belle pierre et à penser qu'elle était très belle et qu'il pourrait en acheter une. Maître Tian pensait que seul un pratiquant expérimenté savait que cela était basé sur la méthode de formation et que seuls les maîtres le savaient. Le vendeur a dit à Tian qu'il voyait qu'il comprenait ces pierres précieuses et qu'il lui vendrait cette pierre pour seulement 100 000. Tian regarda le vendeur et pensa que ce n'était qu'un vol et qu'un tel jade ne pouvait pas coûter autant d'argent qu'aujourd'hui. Tian a remis le jade à sa place et a dit que ce n'est pas l'âge du jade qui joue un rôle décisif, mais ses propriétés naturelles et son prix sont absurdes. Tian a dit au vendeur que le maximum qu'il pouvait lui offrir pour ce jade était de 10 000 et que pour ce prix, il lui achèterait le jade. Maître Tian a dit au vendeur que soit il lui vendrait le jade à ce prix, soit il pourrait lui dire au revoir et il vaquerait à ses occupations. Mais soudain, le vendeur a attrapé Maître Tian par la main et a demandé à son frère de ne pas partir et lui a dit que les gens pouvaient toujours être d'accord partout. Le vendeur a dit à Tian qu'il s'agissait de jade Linshan et il l'a acheté à Yunzhong et a dit qu'il avait accepté de le lui vendre pour 10 000. Tian pensait qu'il n'y avait rien d'étonnant à cela et au cours de ses 600 années, il a appris à négocier et il est bon dans ce domaine. Après cet achat, Tian a erré dans cette rue pendant un certain temps et a constaté que de nombreuses personnes s'intéressaient aux antiquités. Maître Tian a trouvé un endroit calme où il n'y avait personne du tout et s'est rendu compte que c'était ce qu'il cherchait depuis tout ce temps et que personne ne le dérangerait là-bas. Maître Tian s'assura encore une fois qu'il n'y avait personne et réalisa que le moment était venu de déterminer le niveau de QI de ce jade pour 10 000. Maître Tian a sorti son nouvel achat de jade de sa poche et il a commencé à réfléchir et à penser que ce jade avait l'air très bien. Maître Tian serra ce jade dans sa main et pensa que maintenant il découvrirait la vérité sur ce jade et la quantité d'énergie QI pure qu'il contient. Tian pensait que cette méthode de formation était loin d'être idéale et que les défauts ne pouvaient être corrigés qu'en traitant ce vieux jade. Maître Tian ferma les yeux et pensa que le jade pouvait contenir un pouvoir énorme et il commença à utiliser cette technique pour cela.
Et puis Maître Tian ouvrit les yeux et réalisa que c'était merveilleux et que ce résultat dépassait même ses attentes et il en était heureux. Maître Tian remarqua que devant lui se trouvait un jade doré dans lequel l'énergie QI était collectée et le maître réalisa que c'était tout simplement parfait. Maître Tian réalisa qu'à partir de maintenant, collecter l'aura ne serait plus un problème et qu'il lui avait toujours été difficile de collecter de l'énergie et de trouver un endroit approprié. Et puis le téléphone de Maître Tian a sonné et il a pensé que même maintenant, il ne s'attendait à aucun appel de qui que ce soit et que ces gens avaient toujours besoin. Tian a sorti son téléphone et a vu que Lixiu l'appelait et le maître a été surpris et a pensé qu'elle en avait besoin car elle ne l'appelle jamais. Lixiu a salué Y Tian et lui a demandé de venir rapidement à un endroit et a dit qu'ils avaient maintenant de gros problèmes. Et après quelques minutes, Tian est rapidement arrivé à ce café et il s'est demandé pourquoi Lixiu l'avait appelé là-bas et elle avait eu peur pendant l'appel. Y Tian a remarqué que le bar était fermé et a pensé que le problème semblait être beaucoup plus grave et au début il a pensé qu'elle avait juste besoin de quelque chose. Maître Tian pensait qu'il devait aller au bar et découvrir pour Lixiu ce qui se passait réellement là-bas et l'aider à résoudre ce problème. Tian ouvrit la porte d'entrée du bar et remarqua que Lixiu était assise toute seule dans le bar et pensa qu'elle était clairement bouleversée. Lixiu a vu Tian et lui a dit qu'il était venu et qu'elle était heureuse de revoir sa bonne amie qui ne la laisserait jamais tomber. Maître Tian a commencé à s'approcher de Lixiu et lui a demandé ce qui s'était réellement passé là-bas et pourquoi elle l'avait appelé et était sous le choc. Lixiu a demandé à Tian s'il se souvenait de ses avortons qu'il avait attaqués à ce moment-là et toute l'affaire et les problèmes étaient dus à ses scélérats. Lixiu a dit à Tian qu'elle avait envoyé son peuple vers ses scélérats et qu'il devrait venir bientôt et lui dire toutes les informations. Et après quelques secondes, l'homme a demandé à Lixiu à qui elle se tenait debout et parlait dans le bar et si elle pouvait faire confiance à cette personne à côté d'elle. L'homme a salué Lixiu et Y Tian et il a dit que lui et ses amis puniraient ceux qui offensaient Lixiu et qu'il pleurait. L'homme a dit que Mo Shaxian avait promis qu'il n'oserait plus jamais faire de mal à qui que ce soit et que ce serait une bonne leçon pour eux. L'ami de Mo Shaxian a demandé à son frère s'il espérait vraiment conquérir le cœur de Lixiu de cette manière et c'était une approche atypique. Mo Shaxian a demandé à son ami de ne pas lui dire de bêtises et a dit qu'il voulait juste aider son bon ami à faire face au problème. Et à ce moment-là, beaucoup de gars sont entrés dans la pièce et ont dit qu'ils étaient tellement nombreux et de quoi ils parlaient lorsqu'ils se sont tous réunis là-bas. Les gars ont dit qu'ils étaient tous des idiots et qu'ils avaient de la chance qu'ils se soient tous réunis au même endroit aujourd'hui et que c'était une sorte de jackpot. Mo Shaxian a demandé au gars qui il était et lui a dit de se mordre la langue, sinon Mo Shaxian a dit que le gars risquait de se retrouver sans langue. Mais le gars a traité Mo Shaxian d'idiot et lui a demandé s'il savait qui il était et son nom était Zhang Liang et il était une autorité parmi tous. Mo Shaxian a dit à Zhang qu'il semblait appartenir à la famille On et que Li Dong était le frère de sa femme et il a insulté Xu et maintenant il est venu vers eux. Zhang Liang a déclaré que leur famille avait convenu de ne pas s'immiscer dans ces conflits et que dans ce cas, la loi était celle qui était la plus forte et qui avait raison. Zhang Liang a demandé à Mo Shaxian s'il allait violer de manière flagrante cet accord aujourd'hui en intervenant dans leur conflit avec Lixiu. Les gens ont regardé le gars et se sont demandé si c'était Fan Zhanming lui-même et ont dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit à cet endroit. Les gens disaient qu'il y avait toutes sortes de rumeurs à son sujet et qu'ils étaient très intéressés par ce qu'il faisait là-bas et ce qu'il attendait d'eux aujourd'hui. Zhang Liang a alors repoussé Mo Shaxian et lui a ordonné de s'écarter de son chemin et de ne plus jamais se mettre en travers de son chemin. Zhang Liang a dit à Lixiu qu'il ne leur ferait pas de mal, mais que si son bar ne le payait pas rapidement pour dommages moraux, il battrait tous ses amis ensemble. Zhang Liang a déclaré qu'il ne se calmerait jamais et qu'il attendrait la dernière minute pour qu'elle le paie pour ce préjudice moral. Lixiu a demandé à Zhang Liang de simplement parler et a dit que le bar lui appartenait entièrement et qu'elle ne donnerait pas ce bar à n'importe qui dans la rue. Zhang Liang s'est approché d'elle et a demandé à Lixiu si elle voulait vraiment lui parler et a dit qu'il était d'accord pour lui parler. Zhang Liang a dit que si elle faisait tout ce qu'il disait, il ferait comme si de rien n'était et quitterait ce bar pour toujours. Lixiu a dit à Zhang Liang qu'elle ne ferait jamais cela et qu'il répondrait encore un jour de tous ses actes et serait puni. Lixiu a regardé ses amis et a demandé si l'un d'entre eux pouvait l'aider parce qu'elle était la seule à parler à Zhang Liang. Mo Shaxian a demandé à Lixiu de ne pas les contacter et a dit qu'elle devrait peut-être accepter son offre et qu'il partirait ensuite de là. Zhang Liang a été choqué par la question de Mo Shaxian et il a vu que parmi les gens de Lixiu, il y avait un gars très familier dans la foule. Zhang Liang s'est approché de Y Tian et lui a demandé ce qu'il faisait là et comment il connaissait tous ces gens et Lixiu elle-même en particulier. Zhang Liang a dit à Lixiu qu'elle pourrait lui donner ce type si elle ne voulait pas exaucer tous ses souhaits et qu'il tuerait Y Tian. Mo Shaxian a dit à Lixiu qu'il ne se souciait pas de ce qui était arrivé à ce Y Tian et a dit qu'il devrait mourir et aller au paradis. Tian pensait que ce salaud de Mo Shaxian venait de le donner à ce type pour se sauver et s'est rendu compte qu'il était un lâche pathétique. Tian voulait s'approcher de Zhang Liang, mais Lixiu a mis sa main devant lui et lui a dit qu'elle ne laisserait sa meilleure amie aller nulle part. Lixiu a demandé à Zhang Liang s'il ne voulait pas mieux la connaître et lui a dit qu'elle était prête à danser devant lui maintenant. L'humeur de Lixiu est immédiatement tombée et elle ne voulait pas aller avec le salaud de Zhang Liang, mais elle ne voulait plus que Tian soit blessé maintenant. Zhang Liang a commencé à tirer la main de Lixiu et lui a dit de marcher avec lui, mais soudain Tian a dit à Zhang d'attendre quelques minutes et de ne pas partir.
Y Tian a demandé à Li Zhu de se retirer de là et a dit qu'elle n'irait nulle part aujourd'hui et qu'elle resterait dans son bar toute sa vie. Tian a regardé le salaud de Zhang Liang et a dit qu'il était temps de s'occuper de ces gars qui étaient déjà très fatigués de lui et le mettaient en colère. Tian a demandé à ses gens s'ils avaient honte de se moquer d'une fille simple et sans défense et a répondu que c'était un acte ignoble. Li Zhu a regardé comment Y Tian la défendait de toutes ses forces et elle a réalisé qu'il était un véritable ami pour elle, contrairement aux autres. Zhang Liang a demandé à Tian s'il jouait à nouveau le héros et a dit que cette fois, il ne pourrait pas les vaincre et qu'il perdrait définitivement au bar. Zhang Liang s'est approché de son ami et a demandé à son frère Zhang Ming de le couvrir pendant qu'il se battrait avec ce scélérat Tian. Zhang Liang a déclaré que le troisième maître de leur famille avait enseigné Zhang Ming et que maintenant il avait atteint de tels sommets que personne ne pouvait l'imaginer. Tian n'était pas du tout intéressé par la force de ce Zhang Ming, car tous ses rivaux connaîtraient la même fin tragique. Tian a écouté l'histoire de Zhang Liang et a pensé que ce troisième maître n'est-il pas le même Sanzi qu'ils ont rencontré plus tôt. Tian a dit à Zhang Ming qu'il connaissait leur troisième maître, mais il a ensuite remarqué que ce combattant s'était déjà précipité vers lui pour le frapper. Zhang Ming a demandé à Tian s'il pensait vraiment qu'il avait le droit d'appeler son maître par son nom et qu'il n'était tout simplement pas digne de cet honneur. Tian sourit et pensa que ce Zhang Ming n'avait même pas réalisé qu'il s'était déjà battu avec son maître et que le combat s'était déroulé sans aucune intrigue. Et à ce moment-là, Tian a arrêté le coup de Zhang Ming et a dit que ce n'était pas mal et qu'il devait admettre qu'il n'était pas beaucoup plus fort que le professeur. Lin Xu se figea de surprise et ne pouvait pas croire que Tian était un combattant si fort et qu'il était capable d'arrêter le coup d'un combattant expérimenté. Mo Xiaxian a également été choqué, car il ne s'attendait pas non plus à ce que ce Tian, sans aucune particularité, se révèle être un si grand maître. Tian a regardé Zhang Ming et a pensé que ce combattant ne s'attendait pas non plus à ce que son adversaire soit fort et il l'a pris par surprise et l'a surpris. Zhang Ming ne pouvait pas comprendre comment ce type était capable de bloquer son coup et il s'était déjà entraîné avec Maître Sun pendant tant d'années. Et à ce moment-là, tous les gens de Zhang Liang ont dit que leur maître était là et qu'ils ne s'attendaient pas à voir le maître dans ce bar et pourquoi est-il venu? Les étudiants ont remarqué que leur maître marchait lentement vers eux et ils étaient heureux de revoir leur professeur dans la vie et juste une personne de bonne humeur. Zhang Ming a salué son professeur et lui a dit qu'il s'attendait à le voir ailleurs qu'ici et pourquoi avait-il pris le temps de venir. Tian regarda leur maître et pensa qu'il avait reconnu cet homme et qu'il devrait se souvenir de leur récente rencontre au restaurant de la villa. Tous les gens disaient que leur maître était le meilleur et le plus fort combattant du monde entier et que personne ne pouvait se comparer au maître de leur clan. Zhang Ming pensait que son professeur était venu personnellement et il se demandait combien de temps encore Tian résisterait à leur maître. L'élève s'est approché du maître et lui a dit que ce type les avait tous humiliés et a dit que maintenant il était temps de lui apprendre les bonnes manières. Maître Sans y fut surpris et demanda à ses élèves qui était cet homme impudent qui osait attaquer ces gars et les battre. Et à ce moment précis, Tian dit bonjour à Maître Sans y et le maître se figea simplement de surprise et ne pouvait en croire ses yeux que c'était lui. Maître Sans y a demandé à Tian ce qu'il faisait là car il ne pouvait pas s'attendre à le voir dans ce bar et ce dont il avait besoin dans l'établissement. Maître Sanzi a demandé à Maître Tian si ce merveilleux bar appartenait réellement à son ami et il voulait obtenir plus d'informations. Zhang Ming n'a pas compris ce qui se passait là-bas et a demandé à son maître pourquoi il était si poli envers ce type arrogant qui les battait tous. Maître Sanzi a demandé combien de fois avait-il dit à ses étudiants qu'avant de prononcer son nom, il fallait d'abord déterminer à qui ils avaient affaire. Zhang Ming a dit qu'il ne comprenait pas parce que Tian était un travailleur acharné ordinaire comme tout le monde et pourquoi le maître le traitait avec une telle gentillesse. Et puis Tian s'est tourné vers Maître Sanzi et lui a dit qu'il avait quelques mots à lui dire sur ses étudiants dont il devrait discuter maintenant. Tian a dit à Maître Sanzi que son élève n'est pas mauvais, mais qu'il y a encore du travail à faire et il sait quelles compétences ils doivent améliorer rapidement. Maître Sanzi a demandé à Zhang Ming comment osait-il dire de telles choses à propos de Maître Tian et lui a dit de s'excuser rapidement auprès de lui pour ses actes. Zhang Ming a dit à Maître Sanzi pourquoi devrait-il s'excuser auprès de ce type et il peut achever ce faible d'une seule main. Pensa Maître Tian et il lui devint clair que la fierté du jeune maître ne connaissait pas de limite et qu'il s'imaginait être un très grand combattant. Mais Tian a dit à tous ces gens qu'il voulait leur donner le dernier mot et qu'il ne changerait plus d'avis car il avait finalement pris une décision à son sujet. Tian a dit aux étudiants qu'il craignait qu'il soit temps pour eux de mettre un terme à leurs problèmes et de révéler pour toujours le vainqueur de ce conflit et de ce différend. Et immédiatement après ces mots, Tian commença à utiliser sa technique et envoya plusieurs de ses rayons bleus et lumineux vers Zhang Ming. Zhang Liang s'est levé et n'a pas bougé et il a demandé à son maître de l'aider à sortir de là sain et sauf et de ne pas le laisser mourir dans le bar. Zhang Liang s'est allongé sur le sol après l'attaque et a dit qu'il ne voulait rien d'autre et qu'il pouvait garder ce foutu bar et qu'il partirait. Zhang Ming a regardé les attaques de Maître Tian et s'est rendu compte qu'il avait encore de la place pour grandir et qu'il devait beaucoup s'entraîner et apprendre de ses erreurs. Et à ce moment-là, un homme est venu derrière Zhang Ming et lui a dit qu'il voulait lui parler et lui donner des conseils utiles. L'homme a dit que la technique de l'épée aérienne n'était disponible que pour les maîtres expérimentés qui ont atteint des sommets, et qu'il était trop jeune. Tian pensa qu'un seul coup d'œil lui suffisait pour reconnaître sa technique et il se rendit compte que ce vieil homme n'était pas aussi simple qu'il y paraît. Et après cela,
Le vieil homme s'est approché de Tian et lui a demandé pardon de l'avoir dérangé et lui a dit qu'il voulait aussi lui dire quelques mots. Le vieil homme a dit qu'il s'appelait Beiying et a demandé à Tian d'accepter un billet pour une vente aux enchères privées qui aurait bientôt lieu dans la rue des Antiquaires. Et puis Beiying a demandé à toutes les personnes présentes si le conflit qu'ils avaient avec Maître Tian avait été résolu et si tout allait bien. Tian pensait que ce vieil homme Beiying était habillé comme une personne simple et il semblait qu'il n'aimait pas se démarquer de la foule. Tian a dit à Beiying qu'il avait juste besoin de choses très rares et qu'il a donc accepté le billet et viendra à cette vente aux enchères. Maître Sans y sirotait un verre au bar à ce moment-là et il a dit que Maître Tian était généreux comme toujours et que c'était merveilleux. Maître Sans y a demandé au disciple Zhan Ming de boire avec lui chez Maître Tian parce qu'il respectait beaucoup cet homme et était fier de lui. Et puis toutes les autres personnes se sont approchées de Maître Sans y et elles ont toutes également pris un verre et ont dit qu'elles boiraient à ce Maître Tian. Zhan Ming a bu des verres avec tout le monde et s'est demandé si Maître Tian était tellement meilleur que lui et s'il ne pourrait jamais se rapprocher de lui. Mo Xiaxian à ce moment-là se demandait comment il pourrait maintenant regarder Li Ziyu dans les yeux alors que son honneur n'était pas défendu par lui mais par un inconnu. Li Ziyu a dit à Tian qu'elle lui était immensément reconnaissante et qu'elle ne savait pas comment remercier son sauveur de toute sa vie. Tian a dit à Li Ziyu qu'elle l'avait embauché elle-même et qu'il avait fait ce qu'il aurait dû faire de toute façon et qu'il n'était pas nécessaire de le remercier autant tout le temps. Li Ziyu a dit à Tian qu'elle était déjà mal à l'aise et qu'il l'avait encore aidée, mais qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent pour donner de l'argent. Et donc Li Xiu a dit à Tian qu'à partir d'aujourd'hui, il possède la moitié des actions de leur bar et qu'il dirigera les affaires du bar avec elle en tant que directrice. Les serveurs ont dit qu'il semblait que leur nouveau patron était tombé amoureux de leur patron Li Xiu et que c'était gentil et ils leur ont souhaité bonheur et harmonie. Li Xiu a dit aux fainéants d'arrêter de dire des bêtises et a déclaré qu'elle devrait les déduire de leur salaire s'ils ne se mettaient pas au travail. Tian regarda les serveurs et pensa que quelques jours seulement s'étaient écoulés et qu'ils le considéraient déjà comme leur personne et c'était très agréable. Mais Tian a dit à Li Ziyu qu'il n'avait besoin d'aucune action et qu'il n'avait besoin de rien, mais que si elle avait besoin d'aide, elle pouvait l'appeler. Tian a demandé à Li Xiu de voir de quel genre de désordre il s'agissait et a dit qu'il ferait mieux d'aller le nettoyer, sinon ils effrayeraient tous les clients. Maître Sans y a demandé à Zhan Ming pourquoi il s'était levé et a demandé que Maître Tian devait vraiment nettoyer tout ce désordre seul. Tian a demandé à Maître Sans y d'être plus vigilant à l'avenir et de ne pas permettre que son nom soit dispersé partout. Maître Sans y a remercié Maître Tian pour ses conseils et a dit qu'il avait tout compris et qu'il prendrait désormais les mesures nécessaires pour ses élèves. Tian était d'accord avec Maître Sans y et a dit qu'on se reverrait ensuite et qu'il attendrait leur réunion pour s'asseoir ensemble en amis. Li Ziyu a regardé comment Tian mettait les choses en ordre et s'est rendu compte qu'elle ne s'était pas du tout trompée en l'embauchant pour le poste et il les a vraiment tous aidés. Et à ce moment-là, deux filles sont entrées dans le bar et elles chantaient des chansons et elles étaient de bonne humeur et elles voulaient s'amuser toute la journée. C'était Wang Xian avec son ami et ils sont venus au bar et voulaient se détendre après une dure journée de travail et simplement s'asseoir. Xian a dit à Li Yui qu'elle n'était pas du tout d'accord avec elle et qu'il y avait de la bonne musique et une atmosphère très agréable dans un bon endroit. Y Tian entendit une voix familière et se demanda si c'était celle auquel il pensait, puis se retourna et réalisa qu'il avait tout à fait raison. Tian a demandé à Xian si c'était vraiment elle et il ne pouvait pas croire qu'il s'était revu après une récente rupture complète. Li Yui lui a demandé si son nom était Y Tian et a dit qu'elle était l'amie de Xian et qu'elle voulait lui dire merci de les avoir sauvés dans la villa. Tian a dit à Li Yui qu'elle n'avait pas besoin de lui dire merci et que ce n'était que de petites choses pour lui et il était heureux que tout se soit bien passé à ce moment-là. Wang Xian a regardé son ex-petit ami et a pensé de quel genre d'arrogance s'agissait-il et Y Tian ne voulait pas changer avec le temps. Li Yui a demandé à Tian de ne pas prêter attention à Xian et a dit qu'elle plaisantait et qu'elle voulait le remercier plus tôt à l'école. Li Yui a dit que d'une manière ou d'une autre, ils ne s'étaient pas croisés et que demain, elle se produira au festival de l'école et ils espèrent qu'il y viendra. Xian a été offensé et a demandé à son ami Li Yui pourquoi elle avait invité Tian au festival et a dit qu'il n'en était pas digne. Li Yui a demandé à Xian d'arrêter de parler comme ça, et pourtant il était leur sauveur et elle ne devrait jamais oublier cette soirée. Xian a dit à Li Yui qu'elle connaissait Tian depuis des années et qu'elle était sûre qu'il n'était bon à rien et lui a demandé de reprendre ses esprits. Xian a dit à Li Yui que maintenant elle n'était plus d'humeur à s'asseoir dans ce bar et lui a demandé de quitter rapidement cet endroit. Tian a dit qu'il n'avait pas besoin d'une fille stupide et difficile et qu'il serait mieux qu'il ne se connaisse pas avec Wang Xian et qu'il soit des étrangers. Li Yui a demandé à Y Tian de ne pas oublier le festival et a dit qu'elle Y attendrait et qu'elle était heureuse de revoir son ami. Tian a dit à Li Yui qu'elle n'avait pas à s'inquiéter à ce sujet et qu'il viendrait certainement au festival scolaire en ce jour important. Li Ziyu a regardé cela et a pensé que cette fille avait tout arrangé elle-même et peut-être qu'elle devrait aussi essayer de faire la même chose qu'eux. Et après un certain temps, Tian est venu au festival du 80e anniversaire de l'école Rangan et s'est rendu compte que cette école était à la hauteur de son statut. Après cela, le concert a commencé et tout le monde s'est rassemblé à l'école de Rangan et a commencé à attendre l'apparition de toutes les stars et de leurs écoliers familiers. Tian était assis là et pour une raison quelconque, il lui semblait qu'il était venu à un concert et non à un festival scolaire et c'était très étrange et inhabituel. Toutes les filles criaient en voyant Yue Shan sur scène et elles pensaient toutes que c'était un gars tellement cool et elles étaient amoureuses de lui.
Tian était en colère et pensait qu'il ne pouvait pas échapper au bruit et ses oreilles lui faisaient mal et même l'énergie du QI ne l'avait pas sauvé des cris de cette aura et de ce bruit. Et les filles ont dit d'arrêter de rêver et ne voient-elles pas que Shang Rong et Mo Shaxian viennent aussi pour Yue Shan et ils étaient tous cool. Tian ne pensait même pas que Yue Shan avait un statut aussi élevé et maintenant, même après avoir guéri ou l'un il ne pourrait pas le contourner et c'était triste. Et puis soudain, Lixu est montée sur scène et a dit bonjour à tous les professeurs et élèves de cette école et elle était l'animatrice de ce meilleur spectacle. Tian était surpris si Lixu était l'hôte de ce festival et pourquoi il n'en apprenait l'existence que maintenant et pourquoi elle gardait le silence sur cette nouvelle. Et le disciple à côté de Tian a crié de toutes ses forces que Lixu était sa déesse la plus aimée de ses rêves et qu'il était amoureux de ses yeux et de son corps. Tian s'est rendu compte qu'il s'était trompé et qu'il ne repartirait pas vivant et que c'était trop bruyant là-bas et que tout le monde aimait ce chaos et ses bruits forts. Tian pensait que s'il avait su cela, il ne serait jamais venu là-bas, mais comme il était déjà là, il devrait lui mettre des bouchons d'oreilles. Le présentateur Li Ziyu a demandé aux gens de rencontrer l'écolière Li Hui sur scène avec la chanson « Je t'aime » et de la soutenir par de vifs applaudissements. Et une seconde plus tard, Li Hui est montée sur scène et tous les professeurs et élèves de l'école Rangan étaient très heureux qu'elle soit montée sur scène si mignonne. Li Hui chantait sa chanson et à ce moment-là, Mo Shaxian s'est approché de Li Ziyu et lui a donné à boire de l'eau pour reprendre des forces avant de partir. Lixu a remercié Mo Shaxian, mais elle ne voulait pas boire l'eau maintenant et a refusé l'eau qu'il lui a offerte et l'a rendue. L'humeur de Mo Shaxian a immédiatement chuté et il s'est rendu compte que Li Ziyu ne lui avait jamais pardonné après cet incident et ne voulait toujours pas communiquer. Li Hui a dit qu'elle dédie cette chanson au héros de son cœur et qu'elle aimerait croire que leurs sentiments finiront par être réciproques. Lixu pensait à ce qui se passait là-bas et Li Hui voulait-il vraiment avouer son amour directement sur scène et elle n'aimait vraiment pas ça. Et puis soudain, Li Hui a commencé à chanter sa chanson et a dit sur scène directement dans le micro qu'elle aimait Yue Tian et qu'elle était juste folle de lui. Tous les élèves se demandaient si la troisième beauté de l'école n'était pas du tout gênée d'admettre ses sentiments et qui était Yue Tian. À ce moment-là, Yue Tian avait encore des bouchons d'oreilles dans les oreilles, donc il ne pouvait rien entendre et pensait que les chansons étaient terminées et qu'il partait. Après cela, Yue Tian a commencé à partir de là et Li Hui l'a vu quitter cet endroit et a réalisé que c'était Yue Tian et pourquoi il était allé quelque part. Tian à cette époque pensait à ce qu'il y avait de spécial dans ces festivals et il n'y avait qu'une foule d'adolescents joyeux et cette perte de temps pour les gens. Li Hui a dit que Tian lui avait promis de venir et pourquoi avait-il quitté ce festival au moment même où elle chantait sa chanson. MC Lixu Wu est monté sur scène et a remercié Li Hui pour cette merveilleuse performance et puisse-t-il lui donner un peu de repos. Lixu a commencé à annoncer le prochain participant et a pensé qu'elle savait déjà que Li Hui ne ferait pas fondre le cœur de Yue Tian et qu'elle avait une chance. Après ce festival, Tian est rentré chez lui et s'est couché car il avait eu une dure journée hier et il s'est reposé après une telle agitation de la ville. Le lendemain matin, Tian s'est assis par terre à la maison et a travaillé à développer son énergie et il a ressenti un regain de force chaque jour. Lixu a envoyé un texto à Tian hier et lui a dit qu'ils allaient tous au bar et que c'était ennuyeux sans lui et qu'elle voulait l'appeler. Tian était maintenant assis et pensait qu'il avait presque transformé l'aura en son énergie QI et que tout ce qu'il avait à faire était de l'absorber pour devenir plus fort. Tian s'est rendu compte qu'avec la culture minérale du ginseng et une pilule miraculeuse, il pouvait cultiver encore plus efficacement et c'est cool. La culture minérale était une technique basée sur la purification de l'aura à 10 faces mentionnée précédemment et elle aidait le maître. Tian pensait que pour que cette technique fonctionne, il devait oublier la peau et les os et simplement permettre à son corps de se transformer maintenant. Tian commença à transpirer et il savait que cette cultivation fonctionnait et qu'elle était très efficace pour un maître aussi expérimenté que lui. Tian frappa avec ses poings et réalisa que cette technique fonctionnait et il sentit maintenant que ses poings étaient devenus très forts, comme de la vraie pierre. Tian réalisa qu'il se sentait fort et que son corps devenait aussi fort qu'avant et qu'il s'améliorait chaque jour et cela le rendait heureux. Tian s'est souvenu et a réalisé que le traitement de Wu Linhe ne devait pas être retardé, et il a décidé que demain il irait la voir et l'aiderait à soigner sa maladie. Et immédiatement après son développement, Tian s'est rendu chez Wu Linhe et s'est rendu compte que son traitement avait déjà été retardé en raison du manque de médicaments. Tian a été accueilli à l'entrée par un homme et a dit à Maître Y que Wu Linhe lui avait donné l'ordre de le rencontrer personnellement à l'entrée et de l'inviter dans la maison. Ils entrèrent dans la maison de Wu Linhe et Tian regarda très clairement son immense maison et il lui sembla que c'était un manoir très cher. Tian pensait que le manoir de la famille Wu est si inhabituel et qu'il est rare de trouver autant d'aura et le porteur de ce poison en souffre. Et puis un homme est venu vers Tian et a demandé au maître si c'était lui dont Wu Linhe lui avait parlé et s'il voulait le voir. Tian était d'accord avec l'homme et a dit que son nom était Yue Tian et qu'il était là pour guérir Wu Linhe et essayer de l'aider. L'homme a demandé au maître de le suivre et a pensé qu'il avait récemment obtenu son diplôme de maternelle et qu'il était déjà venu chez eux pour soigner la maladie de Wu Linhe. Ils ont commencé à monter les escaliers et quelqu'un a demandé au vieil homme Li qui il avait ramené à la maison et comment il savait qu'il n'attendait pas d'invité à la maison aujourd'hui. Cette question a été posée par le chef de la famille Wu, Wen Chan, et il a commencé à descendre vers cet invité avec qui il voulait parler personnellement et comprendre de qui il s'agissait. L'homme a dit au chef de Wen Chang que ce maître avait été invité par sa fille Madame Wu Linhe et que le gars était heureux de leur venir en aide.
Wu Wencheng a dit qu'il avait dit à sa fille de ne pas faire confiance à tout le monde dans la rue et comment un maître peut-il être un si jeune homme? Le chef de Wu Wencheng a dit à Tian qu'il n'était pas intéressé par lui et qu'il pouvait s'en aller et ne plus jamais déranger leur riche famille. Et à ce moment précis, Wu Liner est apparu devant la tête de Wu Wencheng et a demandé à Oncle Li ce qu'il faisait et a demandé à Tian de ne pas aller nulle part. Wu Liner s'est approché de Tian et lui a dit qu'elle était très heureuse de le voir là-bas et qu'elle ne croyait pas qu'il viendrait, mais il est quand même venu lui rendre visite. Wu Wencheng a demandé à Wu Liner ce qu'elle faisait et a dit qu'elle était une fille et a demandé au vieil homme Li d'arrêter sa fille immédiatement. Wu Liner était heureux de voir Tian et a dit au maître qu'elle allait déjà le chercher, mais heureusement, il est lui-même venu comme il lui avait promis. Maître Tian a dit à Wu Liner que le poison du froid avait aggravé son état, mais lui a demandé de ne pas s'inquiéter et lui a dit qu'il lui avait apporté des médicaments. Mais ensuite, un homme a dit à Maître Tian qu'il ne ferait cela sous aucun prétexte et qu'il ne lui permettrait pas de lui donner ce stupide médicament. Et puis un homme est apparu devant Tian et a dit que s'il était sourd, il a répété qu'il ne lui permettrait pas de lui donner ce médicament. Tian s'est mis en colère et a demandé à l'homme pourquoi il ne lui permettait pas de lui donner des médicaments, car cela pourrait beaucoup aider Miss Wu Liner. Mais l'homme a dit à Tian qu'il n'avait pas le droit de lui poser des questions et qu'il ne répondrait toujours pas à la question de l'étranger. Tian a regardé cet homme de plus près et s'est demandé si ce type était aussi un pratiquant, mais il pourrait se tromper dans ses suppositions. Le chef Wu Wencheng a dit à Liner que c'était pour cela qu'il avait invité Maître Feng Xian chez eux et qu'il était un vrai pratiquant que les autres. Maître Tian pensait qu'il ressentait de faibles ondes d'énergie, mais elles étaient sombres et il a emprunté le mauvais chemin, très mauvais. Feng Xiang a dit à tout le monde que Wu Liner était gravement malade, mais il a réussi à la guérir de cette maladie et maintenant il va montrer à tout le monde ses compétences. Le chef de la famille Wu, Wencheng, a remercié Maître Feng Xiang et l'a emmené dans le salon et lui a dit qu'il pouvait se sentir chez lui. Wu Wencheng a donné du thé à Maître Feng Xiang et lui a demandé d'essayer ce thé et a dit que le thé Daon était très difficile à obtenir. Feng Xiang a essayé ce thé Daon et a immédiatement craché tout le thé et a dit que c'était une sorte d'abomination qu'il lui avait donné maintenant. Wu Wencheng a souri et a dit à Feng Xiang que c'était une question de goût, mais lui a maintenant demandé de revenir sur la maladie de Wu Liner et le traitement de la maladie. Feng Xiang a dit que tout allait bien et que si la raison réside uniquement dans le poison froid, il libérerait simplement son corps de ce poison froid. Le chef Hong a dit merci au maître, et Wu Liner a pensé que ce regard lubrique du maître lui donnait envie de tomber dans le sol. Tian était intéressé parce que même lui n'est pas capable d'extraire simplement le poison froid du corps de Wu Liner et que fait ce rusé Feng Xiang. Feng Xiang a dit à Monsieur Wu de quel genre d'impolitesse s'agissait-il et Tian n'a fait qu'interférer avec lui et ne comprend-il pas lui-même ce qu'il doit faire de lui. Wu Liner a dit qu'il était son ami et puisqu'il était son invité, Feng Xiang devrait être très respectueuse envers ses meilleurs amis. Feng Xiang a dit à Wu Liner qu'il fermerait les yeux sur cela et a dit que son temps était trop précieux et a demandé à Miss Wu si elle était prête. Wu Wencheng a demandé à Maître Feng Xiang s'il voulait vraiment commencer si vite et s'il avait besoin de se préparer à une opération aussi complexe. Feng Xiang a dit à Monsieur Wu qu'il savait ce qu'il faisait et a demandé à Wu Liner de fermer les yeux et de ne pas les ouvrir jusqu'à ce qu'il le dise. Wu Liner a fermé les yeux et Feng Xiang a commencé à soigner Miss pour sa maladie et elle pensait que cette personne ne pouvait pas faire grand-chose pour l'aider avec sa maladie. Feng Xiang ferma les yeux et commença à utiliser sa technique pour soi-disant guérir Miss Wu Liner de sa maladie et la rendre heureuse. Et à ce moment-là, Wu Liner ouvrit brusquement les yeux et maintenant elle ne bougeait plus et ne comprenait pas ce qui se passait là-bas et était comme une statue. Maître Tian a regardé tout cela et a pensé que ce trompeur n'essayait même pas de sauver Wu Liner et que lui avait-il fait au lieu de la soigner? Le chef Wu Wencheng a vu que sa fille Wu Liner ne bougeait pas et il a commencé à s'inquiéter et a demandé à Maître Feng Xiang ce qui lui arrivait. Mais Feng Xiang n'a pas écouté le chef de Wu Wencheng et a continué à jeter un sort sur sa fille Wu Liner et lui a dit de monter et cela a fonctionné. Wu Liner semblait être sous hypnose et elle ne prêtait pas attention aux paroles et aux actions des autres et il semblait qu'elle s'était endormie debout. Maître Tian s'est rendu compte que c'était une marque qui scellait les âmes et que seuls tous les méchants utilisaient cette technique et c'était très mauvais pour elle. Le chef de Wu Wencheng commença à se mettre très en colère et demanda à Feng Xiang ce qu'il avait fait à sa fille et ordonna à ses hommes de prendre ce trompeur. Mais Feng Xiang a demandé à ses stupides s'il pensait vraiment pouvoir l'arrêter et ce n'était plus possible. Mais Wu Wencheng et son peuple ne pouvaient pas non plus bouger et le chef a dit à Feng Xiang qu'il était un monstre et qu'il allait bientôt l'achever. Mais soudain, Maître Tian a commencé à s'approcher derrière Wu Wencheng et a dit à Feng Xiang qu'il y avait un dicton intéressant à propos des invités. Tian a demandé à Maître Feng Xiang s'il partait déjà et comment un invité pouvait-il partir sans dîner avec eux et il devait le faire à la maison. Feng Xiang a demandé à Tian s'il pensait vraiment qu'il dînerait avec un sale cultivateur sans compétence de combat. Tian a dit à Feng Xiang qu'il traitait Mademoiselle Wu Liner très méchamment et pour cela, il devrait répondre de ses actions viles et perverses. Mais à ce moment-là, le grand-père Wu Liner est venu vers eux et a demandé à Y Tian d'arrêter et la famille Wu a pu résoudre le problème elle-même. Wu Wencheng a été surpris et a demandé à son père ce qu'il faisait là-bas car c'était très dangereux là-bas et il ferait mieux de rentrer chez lui et de s'y reposer. Grand-père a dit à Tian qu'il était reconnaissant d'avoir décidé de les défendre,
mais que d'autres familles se moqueraient d'elle si elle découvrait qu'il les aidait. Maître Tian a regardé ce grand-père et a pensé qu'il n'était qu'un vieil homme et comment pouvait-il se battre avec un jeune pratiquant? Le vieil homme a demandé à Feng Xian comment osait-il menacer leur réputation et il serait puni pour de telles actions et bientôt il le regretterait. Le vieil homme a déclaré que la famille le traitait avec respect et que de nombreux cadeaux avaient été déposés à ses pieds, mais il a effrontément kidnappé sa petite fille. Feng Xiang a été surpris et a demandé d'où venait tant d'insolence chez le vieil homme sec et pourquoi il devrait lui répondre pour ses actions arrogantes. Maître Tian a vu que Feng Xiang préparait tranquillement son attaque et a demandé à Papi Wu d'être prudent et de ne pas tomber dans le piège de cette canaille. Et à ce moment-là, Feng Xiang a commencé à s'occuper rapidement des gens de Wen Chang et ils n'ont pas pu répondre à son attaque perverse et puissante. Feng Xiang a souri et a demandé au vieil homme comment il aimait sa griffe d'âme et c'était la meilleure technique qu'il utilisait et il l'aimait bien. Et immédiatement après ces mots, Feng Xiang a attrapé le vieil homme Wu avec sa technique et a commencé à le blesser et le grand-père a crié mais n'a pas voulu céder à lui. Wu Wen Chang a regardé tout cela et a demandé à Feng Xiang comment il osait faire ça à sa famille et c'est un paiement pour toute la gentillesse de la famille. Feng Xiang a demandé au chef de Wu Wen Chang qui il était pour s'adresser à lui si effrontément et pourquoi il était une personne si impudente. Feng Xiang a dit à la famille Wu qu'il en avait assez et qu'il n'avait pas le temps de jouer et qu'il était temps de mettre fin à cette performance et qu'il était fatigué de jouer avec eux. Feng Xiang a porté un coup puissant au vieil homme Wu et il est tombé au sol sans force et c'était fini pour lui et Wu Wen Chang a demandé à son père de ne pas perdre connaissance. Feng Xiang a commencé à courir vers la tête et a dit que maintenant lui et toute sa famille iraient aux enfers et que rien ne les sauverait maintenant. Wu Wen Chan se tenait à côté de son père et se demandait si aujourd'hui l'ancien clan Wu cesserait d'exister à cause de son erreur. Et à ce moment-là, il y a eu une énorme explosion et Feng Xiang a utilisé toutes ses techniques pour achever toute la famille Wu ensemble pour toujours. Mais Maître Tian a rapidement couru vers la tête de Wen Chang et leur a demandé de rester derrière lui et Monsieur Wu a pensé à ce que Maître Tian faisait maintenant. Feng Xiang a dit à Maître Tian qu'il avait tellement confiance en lui et a dit qu'alors lui aussi ferait face à la même fin que toute cette famille. Feng Xiang a dirigé ses attaques dangereuses vers Y Tian, mais Tian a immédiatement mis un bouclier devant lui et ses attaques n'ont pas atteint ces personnes. Feng Xiang a continué à attaquer Maître Tian et a déclaré qu'il ne serait pas capable de se défendre longtemps et que bientôt son attaque atteindrait lui et sa famille. Tian pensait que l'art de la délivrance et la griffe des âmes étaient de pure technique du diable, mais cela ne l'a pas arrêté et il a soif d'encore plus. Maître Tian a dit à Feng Xiang que le mal ne peut jamais être vaincu et qu'un vrai pratiquant ne devrait pas suivre les traces du diable et que c'est le mal. Wu Wen Chang a dit à son père que c'était son erreur et qu'il n'avait pas écouté Wu Lin Er et avait fait confiance à Feng Xiang et que son choix a conduit à la chute de la famille Wu. Le chef Wu Wen Chang réfléchit et dit à Wu Lin Er que son père avait tort et que maintenant le sort de la famille Hong est entre les mains du pratiquant Y Tian. À cette époque, Feng Xiang et Y Tian continuaient à se battre et tous deux avaient des techniques très puissantes et difficiles à pénétrer. Tian a fait de son mieux et il s'est rappelé qu'il avait promis à Wu Lin Er qu'il la protégerait de tout danger et qu'il voulait tenir sa promesse. Feng Xiang regarda Tian avec un sourire et pensa qu'il avait déjà commencé à sentir à quel point la défense de son ennemi s'affaiblissait et c'était sa chance. Et à ce moment précis, il y eut une énorme explosion et le chef de Wu Wen Chang fut très effrayé par une telle explosion et pensa que Maître Tian avait souffert. Wu Wen Chang a commencé à crier et a demandé à Maître Tian s'il allait bien, car tout le monde ne pourrait pas survivre à une telle explosion. Mais à sa grande surprise, Y Tian s'est tenu sans une seule égratignure et a dit à Monsieur Wu que tout allait bien pour lui, mais que l'ennemi avait des problèmes. Feng Xiang a été choqué et a demandé à Tian ce qu'il lui avait fait et pourquoi il ne ressent plus sa puissance féroce et où aurait-elle pu disparaître. Feng Xiang a ordonné à Tian de répondre immédiatement et lui a demandé pourquoi il était si calme et à cause de lui, ses méridiens étaient bouleversés et il ne pouvait pas se battre. Mais à ce moment-là, Y Tian s'est approché de l'homme de Monsieur Wu et lui a demandé de lui prêter sa chemise, et il a dit qu'il l'enlèverait immédiatement. Feng Xiang ne pouvait pas se lever et continuer le combat et a demandé à Tian ce qui lui était arrivé et il ne pouvait pas se lever et de quoi d'autre le combattant Tian était capable de. Mais Tian a jeté cette chemise sur Feng Xiang et a dit qu'il n'avait aucun doute que cette chemise lui convenait et qu'au final il avait raison. Feng Xiang a été surpris et a demandé à Tian pourquoi sa taille lui allait exactement, car il n'avait jamais porté cette chemise et l'avait vue pour la première fois. Tian a dit qu'il s'appelait Feng Xiang dans l'espoir qu'il suivrait le vrai chemin et comment sa famille s'était trompée. Tian a dit à Feng Xiang qu'il ne connaissait même pas la signification de son nom et que c'était une sorte de honte et pourquoi il ressemblait à un petit garçon. Tian a ordonné à Feng Xiang de retourner auprès de son maître et de lui dire qu'il en finirait avec tous les dégénérés comme lui et qu'il n'épargnerait personne. Wu Wen Chang était satisfait de Tian et a dit qu'il était un pratiquant véritable et sincère et qu'il en était convaincu de ses propres yeux. Puis Y Tian s'est approché de grand-père Wu et a posé son doigt sur la tête du vieil homme et a commencé à utiliser la technique et son énergie pure de Kui. Wu Wen Chang a demandé à Maître Tian si son père vivrait parce qu'il ne voulait pas du tout qu'il meure parce qu'ils aimaient tous grand-père Wu. Tian a déclaré que la force de Feng Xian n'était pas suffisante pour tuer grand-père Wu et qu'il avait maintenant besoin de repos et d'une paix totale sans aucun stress. Et à ce moment-là,
grand-père ou a commencé à reprendre lentement ses esprits et il a ouvert les yeux et a commencé à prononcer les premiers mots après cela. Wu Wencheng a demandé à son père s'il avait repris ses esprits et grand-père ou a demandé si maître Tian l'avait vraiment sauvé et il ne s'y attendait pas du tout au début. Grand-père a dit à Tian que la famille Wu se souviendra toujours de ce qu'il a fait, mais il a encore une demande, sauver sa petite fille ou Lin Er. Tian a demandé à grand-père Wu de se taire et a dit qu'il ne devrait pas se lever maintenant et qu'il était initialement venu là-bas pour guérir Lin Er. Tian s'est approché de Wu Lin Er et lui a dit que le QI et le poison froid dans son corps étaient mélangés et qu'il ne serait donc pas facile de la débarrasser du poison. Wu Wencheng a demandé à maître Tian s'il avait besoin de quelque chose et maintenant il donnerait des instructions à son peuple et il ferait rapidement tout sur place. Tian a remercié monsieur Wu et lui a demandé de préparer 4 bols brûlants et 4 cruches d'eau et de les placer autour de Wu Lin Er. Quelques minutes plus tard, Wu Wencheng a fait tout ce que maître Tian lui demandait et lui a dit que tout était prêt pour le traitement de sa fille. Tian a dit que seuls les proches de Wu Lin Er peuvent rester, et que ceux qui souhaitent regarder devraient s'éloigner de 10 mètres et regarder. Tian ouvrit la bouche de Wu Lin Er et y mit sa rare pilule de ginseng et pensa que cela devrait certainement aider la pauvre fille. Et puis Wu Lin Er a commencé à transpirer et elle souffrait énormément à cause de la mauvaise énergie que le scélérat Feng Xiang avait commencé à sortir d'elle. Tian a vu que Wu Lin Er allait déjà beaucoup mieux et il a dit que maintenant il pouvait commencer à la traiter pour la maladie et qu'elle retrouverait la bonne santé. Tian s'est détendu et il a commencé à lancer un sort et Wu Lin Er s'est immédiatement levé dans les airs et le maître a dit que tout se passait selon son plan et que c'était bien. Maître Tian a dit que le feu, l'eau, la terre, le vent, les montagnes et le tonnerre du ciel l'aideraient et aideraient Wu Lin Er à se débarrasser de la maladie. Et à ce moment précis, un mauvais QI et une énergie inutile ont commencé à sortir de Wu Lin Er, et Tian était heureux d'avoir tout fait correctement jusqu'à présent. Maître Tian a vu que l'énergie de Wu Lin Er apparaissait au-dessus de la cruche et qu'elle était déjà propre et pendant ce temps elle a réussi à se nettoyer de la saleté. Maître Tian a souri et s'est rendu compte que tout s'arrangeait pour lui et que sa famille n'avait à s'inquiéter de rien et que leur fille serait une femme en bonne santé. Et à ce moment-là, Wu Lin Er a ouvert les yeux et tous ses proches ont été très surpris et ont pensé que Tian était un véritable héros. Wu Lin Er a demandé ce qui n'allait pas chez elle et l'assistante a demandé à Miss si le poison froid la tourmentait encore et comment elle se sentait. L'homme a dit à Maître Tian que c'était incroyable et qu'il était capable de guérir la maladie incurable de Miss Lin Er et qu'elle est maintenant heureuse. Wu Wencheng a dit un immense merci à Maître Tian pour avoir sauvé toute leur famille et en particulier sa fille bien-aimée de sa grave maladie. Grand-père a dit que le poison froid torturait Lin Er depuis sa naissance, et non seulement il l'a guéri, mais il les a également tous sauvés du scélérat Feng Xiang. Le grand-père Wu a dit à Maître Tian que s'il avait besoin de quelque chose, il pouvait l'appeler et que la famille Wu l'aiderait dans n'importe quelle affaire. Y Tian a remercié grand-père Wu pour sa gentillesse et a dit qu'il ne devrait pas trop s'inquiéter parce qu'il voulait lui-même les aider tous. Le grand-père Wu a demandé à son homme de lui apporter les documents de la Villa Flamme Maple et l'homme a dit qu'il ferait tout maintenant. Le grand-père Wu a dit à Maître Tian que la famille Wu remerciait toujours très généreusement ses amis et lui demandait d'accepter cette modeste villa comme cadeau. Wu Lin Er a dit que ce que Maître Tian a fait ne vaut pas une villa et a dit qu'elle pensait qu'elle devrait être la récompense. Wu Lin Er a souri à Tian, mais grand-père Wu a demandé ce qu'elle portait et elle ne pouvait tout simplement pas devenir sa récompense et il avait besoin de quelque chose de plus grand. Grand-père Wu a dit que Y Tian était un dragon et que Wu Lin Er n'était pas digne d'un tel homme et qu'ils ne pouvaient pas être ensemble et former un couple. Y Tian a dit à grand-père Wu qu'il avait accepté d'accepter son cadeau et, comme il le pensait, grand-père Wu ne permettrait pas au sentiment de Wu Lin Er de se manifester. Wu Lin Er a demandé à son grand-père pourquoi il ne la laissait pas prendre ses propres décisions et alors elle emmènerait au moins Maître Tian dans sa villa. Wu Lin Er a dit à Maître Tian qu'elle devait l'emmener à la villa puisque les gardes n'autorisent que les membres de la famille Wu à entrer dans la villa. La Villa Flamme Maple était un endroit idéal pour son développement, et dans ces endroits il y a une forte concentration d'aura et la famille Lin Er est si généreuse. Wu Lin Er a dit à tout son peuple que désormais cette villa appartenait à Y Tian et a demandé à tout le monde de lui obéir dans tous les domaines. Y Tian a voulu mieux connaître les personnes qui travaillent dans cette villa et les a approchés et leur a demandé d'écouter ses nouvelles instructions. Tian a dit qu'il n'avait besoin de venir faire le ménage que quelques fois par semaine et que ceux qui le souhaitaient pouvaient déjà s'adresser aux anciens propriétaires. Wu Lin Er a approché Maître Tian et lui a dit que ce n'était pas la meilleure solution et que ces personnes étaient bien payées pour travailler dans la villa. Y Tian a dit à Wu Lin Er qu'il aimait juste le silence et être seul et que si c'est tout, alors elle doit rentrer chez elle et elle a besoin d'un bon repos. Wu Lin Er était bouleversé et se demandait s'il ne l'aimait pas parce qu'elle faisait tout pour le rendre heureux, mais il ne le voit pas. Et la nuit, Tian s'assit sur le sol et pensa que la pleine lune était le moment du développement et qu'alors la concentration de l'aura atteignait son apogée. Tian s'est rendu compte que la bataille avec Feng Xian avait presque détruit sa bonne structure de culture minérale et qu'elle devait être restaurée. Y Tian s'est souvenu que l'absorption du QI se compose de 3 étapes, la contre-attaque, la protection et la synthèse, et toutes étaient importantes pour lui. Tian pensait que la contre-attaque et la défense pouvaient arrêter un attaquant et étaient importantes pour protéger le combattant pendant la bataille. Tian s'est rendu compte que c'était une réussite totale et il passe maintenant à une étape très importante vers la synthèse et il attendait ce moment depuis longtemps.
Maître Tian a mis sa main devant le noyau et a commencé la troisième étape de synthèse et cela aurait dû se dérouler sans aucun problème. Mais lorsque Maître Tian a dirigé toute son énergie vers le noyau, elle s'est immédiatement éteinte et il ne s'attendait pas à un tel résultat et ce n'était pas du tout comme prévu. Maître Tian a complètement incinéré ce noyau et il a pensé que c'était vraiment mauvais et il en a trop fait et tout a échoué. Et à ce moment-là, un message est arrivé sur le téléphone de Tian et quelqu'un lui a demandé s'il savait de qui il pourrait obtenir des pierres précieuses. Le lendemain, tous les gens se sont rassemblés au même endroit et ont demandé à frère Huo ce que c'était et ont attendu une explication de sa part à propos de la pierre. Huo a dit que ce n'était rien de spécial et il pensait qu'un bracelet fait de pierres précieuses irait bien au poignet de Liziu. Les gens lui ont demandé d'attendre et ont dit qu'il était de l'ère Qianlong et qu'il valait beaucoup d'argent et voulait-il vraiment lui proposer. Huo a dit qu'il s'agissait d'un cadeau ordinaire et qu'un bibelot n'était pas suffisant pour une demande en mariage, en particulier pour une femme comme Xu. Liziu a demandé à Huo combien de fois devrait-elle lui dire qu'elle ne voulait pas de ses cadeaux et qu'elle ne voulait pas de pierres précieuses. Liziu pensait qu'elle devait s'éloigner de la famille le plus tôt possible parce qu'elle ne voulait pas qu'il décide du sort de son mariage sans elle. Huo a dit à Liziu qu'ils allaient bientôt se marier et qu'elle devrait accepter ses cadeaux, mais il n'en est pas question maintenant car cette vente aux enchères va bientôt commencer. Liziu pensait que le vieil homme Qiang avait donné un laissez-passer à Y Tian et elle se demandait s'il viendrait à cette vente aux enchères de diverses pierres coûteuses. À ce moment-là, Y Tian et Oulin Er roulaient sur la route à grande vitesse et ont dit qu'ils étaient un peu en retard et que la vente aux enchères commençait. Mais malgré cela, ils sont très vite arrivés à la maison de vente aux enchères et ont pensé qu'aujourd'hui il devait y avoir beaucoup de pierres rares. Oulin Er a dit à Tian que le vieil homme Qiang avait dit que la vente aux enchères ne devrait pas contenir le minerai dont il avait besoin, mais qu'elle l'aiderait dans la recherche. Et quand ils sont entrés, Huo les a rencontrés et leur a demandé qui leur plaisait tant par sa présence et son nom est Huo, il est heureux de vous rencontrer. Lixiu a dit à Tian qu'elle savait qu'il viendrait là-bas et qu'elle n'en avait aucun doute, et elle et Huo l'attendaient ensemble, lui et Uliner. Mais Tian pensait à quelque chose de complètement différent et c'était étrange et la famille où était-elle intéressée par les enchères et alors pourquoi Uliner l'avait-il accompagné? Tian a déclaré qu'il avait entendu dire qu'un minéral très précieux serait mis aux enchères et qu'il aimerait l'examiner de plus près. Oulin Er a regardé Lixiu et s'est demandé pourquoi elle regardait Y Tian comme ça et elle était très irritée par elle et elle ne voulait pas communiquer avec elle. Oulin Er a dit à Tian qu'elle avait découvert auprès du vieil homme Qiang la liste de tous les objets de la vente aux enchères et qu'elle les avait laissés aller y prendre place. Y Tian était d'accord avec Oulin Er et a dit au revoir à Lixiu et a dit qu'il était heureux de la rencontrer et qu'il parlerait une fois la vente aux enchères terminée. Liziu pensait que bien sûr, Oulin Er était la fille gâtée de son père et qu'elle était une fille de la famille et qu'ils étaient comme le ciel et la terre. Huo se demandait qui était ce jeune homme et comment il s'était soudainement retrouvé en compagnie de Oulin Er et pourquoi son départ avait tant bouleversé Mademoiselle Lixiu. Huo a appelé son homme et lui a ordonné de découvrir avec qui Oulin Er était venu et qui est cet étranger d'ici la fin de cette vente aux enchères. Et à ce moment-là, le présentateur a annoncé que la vente aux enchères commencerait bientôt et a respectueusement demandé à tout le monde de prendre place avant cela. Le présentateur a demandé pardon à tout le monde pour le retard et a déclaré qu'il amènerait maintenant le premier objet sur scène et commencerait immédiatement cette vente aux enchères. Le présentateur a déclaré que le premier objet de la vente aux enchères serait une sculpture en bronze d'un cheval de la dynastie Ming et que le prix de départ était de 10 millions. Les gens ont immédiatement commencé à négocier entre eux et ont augmenté les enjeux et ils ont commencé à 11 millions et ont fini à 18 millions. Tian était sûr que ce pourquoi il était venu était plus cher qu'un bibelot en bronze, et il espérait toujours économiser son argent aux enchères. Et après un certain temps, le présentateur a frappé la table avec un marteau et a déclaré que les chevaux de bronze avaient été vendus pour 18 millions. Tian s'est rendu compte que les objets de cultivation étaient trop chers et qu'il devait trouver un moyen de gagner plus d'argent avec ces objets. Après cela, l'élément suivant a été amené sur scène et c'était une famille de minéraux et ils avaient une histoire intéressante de leur exploitation minière de longue date. Le présentateur a déclaré que ces minéraux ont été extraits ensemble et depuis lors, ils sont inséparables et que le prix de départ des minéraux est de 50 millions. Tian s'est immédiatement levé et a déclaré qu'il offrait 55 millions pour les minéraux et que ce n'est qu'avec eux qu'il compléterait la structure de son QI. Et puis Uliner a entendu les gens derrière elle dire qu'il semblait qu'il appartenait à la famille ou et qu'il valait mieux ne pas s'impliquer dans les enchères avec ce type. Un ami de cet homme a déclaré qu'il était d'accord avec lui et qu'il ne voulait pas non plus offenser un représentant d'une famille aussi élitiste et riche. Le présentateur a déclaré que le dernier prix était de 55 millions et a demandé qui offrirait le plus et voulait vendre les minéraux à Tian. Mais soudain, au dernier moment, quelqu'un a demandé au présentateur de l'attendre un peu et Huo a dit qu'il donnerait 80 millions. La présentatrice a déclaré que ce tour leur avait plu avec une offre élevée et elle a félicité Huo pour sa victoire et a déclaré que le deuxième lot avait également été vendu. Les gens ont pensé à la façon dont Huo avait osé surenchérir sur un homme de la famille ou et ont réalisé qu'il semblait que cet homme était fatigué de vivre dans le monde. Les gens se demandaient pourquoi ils avaient si peur de ce jeune homme et peut-être qu'il n'avait rien à voir avec la famille ou et que la famille Huo était également forte. Oulin Er a dit à Tian que 80 millions représentaient quelques centimes et pourquoi ne le lui avait-il pas demandé et alors ils auraient gagné les minéraux.
Tian a dit à l'inverse que tout n'était pas perdu, mais qu'il était difficile de trouver de tels minéraux, mais sa fierté ne lui permettrait pas de prendre de l'argent à l'inverse. Neuo a demandé à Lisiu pourquoi elle regardait ce perdant et a dit que ce type avait perdu et que lui, Neuo, avait gagné comme toujours. Lisiu a demandé pardon à Neuo et a dit qu'elle ne se sentait pas bien et a demandé à être autorisée à le laisser seul là-bas. Mais Neuo a dit à Lisiu qu'il avait dépensé beaucoup d'argent pour ses cadeaux et lui a demandé de quoi d'autre elle avait besoin pour qu'il se marie. Mais Lisiu a dit à Neuo qu'elle ne voulait pas l'épouser et qu'aucun cadeau ne la ferait changer d'avis et il a essayé en vain avec ceci. Neuo se demanda comment Lixu oserait lui parler comme ça, et sans son nom de famille, il ne ferait même pas attention à une telle fille. L'homme a dit à Monsieur Yu qu'il avait reçu des informations sur Y Tian et qu'il n'avait pas un statut élevé et des parents riches comme les autres enfants. L'assistant a dit à Neuo qu'après avoir appris cette information, il ne comprenait pas comment Tian avait réussi à participer à cette vente aux enchères et d'où il avait obtenu l'argent. Neuo a demandé à son homme d'amener rapidement Y Tian dans sa salle VIP et a dit qu'il voulait lui parler seul là-bas. Et puis l'homme Neuo s'est approché de Y Tian et lui a dit que M qui avait gagné les minéraux voulait le voir maintenant et lui parler. Y Tian était d'accord avec lui et lui a dit de l'emmener chez lui et a pensé que le nouveau propriétaire des minéraux voulait vraiment les lui vendre maintenant. L'homme a amené Tian dans la pièce et lui a dit qu'il pouvait entrer sans problème et que son patron l'attendait là depuis longtemps et voulait le voir. Y Tian entra dans la pièce et demanda à Neuo pourquoi cette réunion était nécessaire et lui demanda s'il regrettait un achat aussi coûteux. Neuo a souri et a demandé à Tian s'il pensait vraiment qu'un tel chien, ou Liner, avait une chance contre lui et ce n'était qu'une illusion. Neuo a dit à Y Tian de l'écouter et lui a ordonné de ne plus essayer d'interférer avec Lisiu parce qu'elle était sa future épouse et qu'il l'aime. Tian a demandé de quel genre de déchets il s'agissait et est-ce vraiment seulement à cause de cela qu'il l'a appelé là-bas et il espérait qu'il offrirait quelque chose de valable. Y Tian a dit à Neuo que c'était un ennui complet et il a commencé à partir de là et s'est dirigé vers la sortie mais Yuo lui a demandé d'attendre là-bas. Yuo a dit que ses pierres valaient au maximum 60 millions et il était dans la négative parce qu'il l'avait mis en colère à ce moment-là et c'est la fin. Neuo a ordonné à Tian de lui dire comment il allait le compenser pour ses pertes, car c'était de sa faute s'il avait perdu son argent. Y Tian a dit à Neuo qu'il avait lui-même augmenté un tel prix et qu'il ne comprenait pas ce que cela avait à voir avec lui, car il ne lui avait pas demandé d'offrir ce prix pour le minéral. Yuo a dit à Tian qu'il avait oublié qu'il était un mendiant et qu'il pouvait simplement s'agenouiller là et lui présenter ses excuses cette fois et qu'il lui pardonnerait. Y Tian a dit à Neuo qu'il ne voulait pas d'un conflit avec lui parce que Lisiu s'inquiéterait alors et il ne voulait pas que sa petite amie soit nerveuse. Neuo a commencé à rire et a demandé à Tian ce qu'il en pensait, était-il trop arrogant pour un déchet, et comment lui avait-il parlé tout à l'heure. Yuo attrapa Tian par la peau du cou et lui demanda s'il savait qu'il pouvait simplement l'achever et tout ce qu'il avait à faire était de dire un mot. Mais alors que Neuo ne s'y attendait clairement pas, Y Tian le frappa d'un coup puissant et il s'éloigna de lui à quelques mètres et commença à crier à l'aide. Et après le coup, Y Tian a attrapé le minéral que Neuo avait gagné et il a atterri doucement sur sa paume et il était heureux de cet événement. Et immédiatement après cela, Tian a serré ce minéral dans sa main et a dit qu'avec cela, il pourrait mettre fin à ce conflit s'il ne voulait pas de problème. Tian a écrasé ce minéral en petites particules et Neuo a déclaré qu'il venait de détruire son précieux et rare minéral. Et puis Neuo a eu peur parce qu'il pensait, et si le même sort l'attendait que ce minéral, parce que ce type était fort. Tian a dit à Neuo qu'il avait de la chance maintenant, mais que s'il n'apprivoise pas sa langue de serpent, il lui ferait la même chose qu'il l'a fait avec le minéral. Et après cela, Y Tian a quitté la pièce et a vu Liner et Lixu debout ensemble et parlant, et ils n'ont pas compris d'où ils venaient. À ce moment-là, Monsieur Dong a demandé à son homme ce qu'il y avait avec ces minéraux que Liner avait demandé de garder pour elle Tian. Monsieur Dong a demandé à son homme si Tian avait reçu les minéraux, mais son homme a répondu que Monsieur Neuo les avait achetés à la place de Tian. Monsieur Dong a été surpris et a demandé pourquoi Neuo avait acheté les minéraux et non Tian et ce qui empêchait Maître Tian d'acheter ces minéraux nécessaires. L'assistant a dit à Monsieur Dong que Tian n'avait pas continué la vente aux enchères et il l'a également vu entrer dans la pièce où l'attendait ce Neuo de la vente aux enchères. Monsieur Dong a demandé à son homme pourquoi et pourquoi il s'était même impliqué dans cette entreprise et ses métiers et a immédiatement ruiné tous leurs plans pour eux. Liner a immédiatement couru vers Y Tian et lui a demandé ce qui s'était passé là-bas, elle s'inquiétait pour lui et la cherchait partout. Tian a dit qu'il n'y avait rien de spécial et il a juste donné une leçon de bonne manière à Neuo et a demandé à Liner de sortir de là rapidement. Liner a écouté Tian et lui a demandé de l'attendre là-bas et lui a simplement dit qu'elle devait maintenant résoudre un problème. Liner regarda Neuo et pensa qu'elle se souvenait de lui et que la famille ou ne lui pardonnerait pas son acte odieux et qu'il n'y avait aucune pitié pour cela. Et immédiatement après ses pensées, Liner s'est rapidement enfui de là et Neuo a de nouveau demandé à Lisiu qui était ce Y Tian et d'où il venait. Lisiu a dit à Neuo qu'elle ne lui dirait rien et qu'il devrait essayer de trouver des informations sur lui là où il regarde habituellement. Neuo pensait que Lixu était une femme ingrate et pensait-elle vraiment qu'il tolérerait ses pitreries et ses changements tout le temps? Neuo pensait qu'il trouverait Y Tian et qu'ensuite il se débarrasserait de lui et ne laisserait pas la moindre trace vivante sur lui et il serait puni. L'homme s'est approché de lui et lui a dit qu'il cherchait Neuo,
qui avait acheté des minéraux aux enchères là-bas pour 8-10 millions d'argent. Nuo a demandé si c'était le vieil homme Jeanne et quel sort ils avaient rencontré à nouveau et il ne savait pas qu'il s'inquiétait de certaines choses de ce genre. Le vieil homme Qiang a dit qu'il était là pour savoir si Nuo était prêt à se séparer d'une chose très importante pour lui et à la perdre. Nuo a interrompu le vieil homme Qiang et lui a demandé de quoi il était prêt à se séparer et s'agissait-il vraiment de ces beaux minéraux. Qiang a dit qu'il avait gardé ses pierres pour Maître Tian et qui aurait pu penser qu'il serait également intéressé par cela et quel est le prix de l'émission. Nuo a demandé au vieil homme Qiang d'attendre et lui a demandé s'il lui parlait vraiment de cet avorton Y Tian et pourquoi il était si protecteur envers lui. Le vieil homme Qiang a demandé à Huo quelle était cette expression et comment ose-t-il insulter Maître Tian parce qu'il était un maître très respecté. Huo a dit que Tian sait se battre, mais cela ne fait pas de lui un maître et c'est un mendiant, de tels maîtres peuvent être trouvés n'importe où à Yinzhong. Le vieil homme Qiang s'est mis en colère et a traité Huo d'idiot et lui a demandé s'il était sain d'esprit et comment osait-il dire de telles choses et lui a ordonné de fermer la bouche. Nuo fut très surpris par cette réaction et demanda au vieil homme Qiang ce qui le mettait si en colère parce qu'il n'avait encore rien dit de mal à son sujet. Mais le vieil homme Qiang a ordonné à Huo de s'éloigner de là et a dit que leur meilleure maison de vente aux enchères ne voulait pas traiter avec la famille Ne et que c'était la fin. À ce moment-là, Monsieur Dong marchait dans le couloir et se demandait où était passé ce vieil homme, car il ne s'était éloigné que quelques minutes, mais le vieil homme avait déjà disparu. Huo a traité le vieil homme Qiang d'idiot et lui a demandé comment il osait imposer des restrictions à sa famille et il est 100 fois meilleur que la larve nommée Y Tian. Mais Monsieur Dong se tenait devant Huo et il a entendu ses paroles ignobles et est devenu très en colère et a pensé que ce type impudent avait franchi la ligne. Et à ce moment précis, tout à coup, Monsieur Dong a donné une puissante gifle à Huo et Huo a été choqué parce qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un le frappe maintenant. Monsieur Dong a insulté Huo et lui a demandé qui il était pour dire de telles choses à propos de Maître Tian et lui a dit de se taire et de se taire. Huo s'est assis par terre et a dit à Monsieur Dong qu'il était vraiment désolé envers lui et qu'il ne savait pas que Maître Tian était considéré comme son meilleur ami. Mais Monsieur Dong a attrapé Huo par la peau du cou et a dit que s'il insultait à nouveau Maître Tian, alors Li Dong lui donnerait une vie douce. Huo a eu très peur et a dit à Monsieur Dong qu'il comprenait ses paroles et que cela ne se reproduirait plus et lui a demandé de le laisser partir de là. Monsieur Dong a dit à Huo qu'il savait qu'il n'avait pas besoin de ces minéraux et qu'il les avait achetés pour ennuyer Tian et il leur avait donné 100 millions. Monsieur Dong a dit qu'il prenait ses pierres et que Huo devrait rapidement sortir de là et que lui et le vieil homme Qiang donneraient les pierres à Maître Tian. Après cela, Monsieur Dong et le vieil homme Qiang sont venus chez Tian et Dong a découvert qu'il s'agissait de la Villa Flamme Maple et la famille où a donné son trésor à Y.E. Monsieur Dong a décidé de sonner à la porte et d'annoncer à Maître Tian une si bonne nouvelle qu'il recevrait les minéraux dont il avait besoin. Le vieil homme Qiang a regardé le ciel et a pensé que c'était incroyable et que même la nature obéit à un maître aussi fort que leur ami Y.E. Et à ce moment-là, Monsieur Dong a vu une lueur étrange et très brillante dans la fenêtre de la villa et a pensé quel genre de lueur étrange il y avait là. Le vieil homme Qiang ne pouvait pas non plus expliquer ce phénomène et a demandé de quel genre de magie il s'agissait et ce qui se passait maintenant à l'intérieur de la maison et comment allait le maître. Y Tian était assis par terre dans cette villa à ce moment-là et il cultivait et pensait qu'il devait finir de cultiver l'énergie le plus tôt possible. Maître Tian a regardé la pierre et a pensé que cette pierre divine céleste dégage une énergie magique pure et qu'elle est tellement incroyable. Mais malheureusement, Maître Y Tian s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas encore l'absorber complètement, et cela l'a un peu contrarié en tant que pratiquant. Tian pensait que sans une structure de QI stable, le processus d'absorption serait instable et il ne serait pas capable d'absorber cette pierre puissante. Et à ce moment précis, Monsieur Dong et le vieil homme Qiang sont entrés dans la pièce et ont été très surpris et ont demandé au maître ce qui venait de se passer. Maître Tian leur a dit qu'il ne faisait que cultiver et leur a demandé pardon et a dit qu'il ne voulait pas les effrayer avec cette action. Monsieur Dong a dit à Maître Tian qu'il n'avait pas à s'excuser auprès d'eux et le maître leur a alors demandé pourquoi ils étaient venus dans sa villa. Monsieur Dong a déclaré qu'il avait découvert qu'il n'avait pas reçu les minéraux et qu'il avait essayé de trouver exactement les mêmes et que c'était une récompense pour son aide. Maître Tian ouvrit la boîte et remarqua qu'il s'agissait des mêmes pierres de la vente aux enchères et se demanda si Monsieur Dong les avait prises dans ce noyau. Maître Tian a dit qu'il était sûr que Monsieur Dong était venu le voir pour une raison et lui a demandé de lui raconter ce qui s'était passé cette fois. Monsieur Dong a souri et a dit à Maître Tian que rien ne pouvait lui être caché et a dit qu'il avait encore vraiment besoin de son aide. Monsieur Dong a déclaré que la semaine prochaine, il y aurait un tournoi d'arts martiaux et que chaque ville devrait y envoyer un maître. Monsieur Dong a dit qu'il ne pouvait pas trouver quelqu'un qui représenterait leur ville de Yinzhong et Maître Tian a demandé ce qu'il en était de son homme sans I. Monsieur Dong a dit qu'il y a quelques années, Sun Zed n'avait pas d'égal, mais ce n'est plus le cas et dans ce tournoi, vous pouvez perdre tout ce que vous avez. Monsieur Dong a dit qu'il disait la vérité et a dit que Maître Tian est le plus fort pratiquant de Yinzhong et c'est pourquoi il se tourne vers lui. Maître Tian a dit à Monsieur Dong qu'il traversait maintenant une étape très importante de cultivation et qu'il n'avait donc pas l'intention d'aller loin. Monsieur Dong a demandé à Maître Tian de ne pas s'en inquiéter et a dit que c'était très proche et que le comté de Mingzhou n'était qu'à 3 heures de voiture. Maître Tian a pensé à Mingzhou et s'est rappelé que c'est un bon endroit et si ce monstre qu'il connaît bien, Wang Gao, y vit,
Les parents ont supplié l'homme de laisser partir leur fils et lui ont dit qu'il pouvait tout faire pour que leur fils ne soit pas blessé là-bas. L'homme a dit que pour atteindre son objectif, il avait même versé le sang de son père et il pensait pouvoir offrir quelque chose de plus valable que cela. Mes parents se sont assis devant la tombe et ont dit que c'était un cauchemar et que cette personne paierait pour toutes ses sales actions à l'avenir. Maître Tian s'en souvint et devint très en colère et pensa que la famille Wang était un écho de son passé et qu'il paierait pour toutes ses actions. Et puis Maître Tian a serré la chaise sur laquelle il était assis avec ses mains et elle s'est immédiatement fissurée et Monsieur Dong s'est tenu sous le choc et a réalisé que le maître était puissant. Maître Tian a accepté l'invitation de Monsieur Dong et a dit qu'il était toujours d'accord pour y participer, mais qu'il n'avait qu'une seule condition. Maître Tian a demandé à Monsieur Dong d'aller à Mingzhou et de trouver autant d'informations que possible sur la famille Wang et de ne manquer aucun détail. Après cela, ils sont venus à Mingzhou et Maître Tian a demandé à Dong s'il y avait un tournoi d'arts martiaux organisé à cet endroit chaque année. Monsieur Dong a dit à Maître Tian qu'il avait tout à fait raison et lui a demandé de s'asseoir et d'attendre le début de ce tournoi et de se reposer pour le moment. Maître Tian a demandé à Monsieur Dong où se trouvait Wang Gao et il était sûr qu'il ne manquerait jamais l'occasion de verser le sang innocent de quelqu'un. Maître Tian s'est rendu compte que les gens autour de lui et un combattant sur deux étaient des pratiquants et a réalisé que des batailles uniques auraient lieu dans cet endroit. Et puis Maître Tian a vu la petite fille courir sur le côté et son garde a demandé à Miss où elle courait et lui a demandé de se tenir debout. Et à ce moment-là, elle s'est cognée la tête contre le corps de Maître Tian et a réalisé qu'elle souffrait beaucoup et qu'elle ne regardait pas la route lorsqu'elle courait là-bas. La jeune fille tomba au sol et dit à Maître Tian de faire attention où il allait car il ressemblait à un gros éléphant qui dérangeait tout le monde. Maître Tian pensait que cette fille était si petite et qu'elle était déjà une pratiquante et avait un grand potentiel et un grand talent. Monsieur Dong s'est approché d'elle et a demandé à Mademoiselle Xiang de ne pas être impoli envers leur invité et a dit que c'était lui qui l'avait amené là-bas pour voir ce concours. Mais Miss Xiang s'est simplement détournée et n'a rien dit, et Maître Tian s'est demandé si cette fille participait également à un tournoi cruel. Monsieur Dong s'est approché de Maître Tian et lui a dit que Xiang Qinqin est la fille de Yuan Shi et qu'elle est maintenant à la recherche de son maître. Et puis Maître Tian a ressenti quelque chose et a pensé de qui vient une énergie qui est si puissante et cela doit être un combattant très fort. Et à ce moment précis, un homme énorme est apparu devant Maître Tian et lui a demandé s'il s'appelait Y Tian et s'il l'avait cherché tout ce temps. À ce moment-là, les gens ont pointé du doigt Yuan Jiqian et tous les gens lui ont demandé s'il avait honte de venir à cet endroit après les événements. L'homme a demandé si ce jeune homme, Maître Tian, avait empiété sur la vie de son fils Song Tian et comment osait-il lever la main contre son fils. Le gars s'est approché de Maître Song et lui a dit que le tournoi avait déjà commencé et qu'il ne devrait pas commencer un combat à l'avance et que ce n'était pas nécessaire. Monsieur Song a dit à Maître Tian qu'il avait de la chance qu'il ne soit pas dans l'arène en ce moment et a dit qu'il était sûr qu'il serait éliminé au premier tour. Monsieur Dong a demandé à Maître Tian de ne pas prêter attention à cet homme et a dit qu'il n'avait aucune arrogance et qu'il était juste un idiot. Maître Tian a dit à Monsieur Dong que tout allait bien et que tous ces petits moucherons ennuyeux ne méritaient pas son attention et où était le chef de Mingzhou. Monsieur Dong a dit que le jeune Maître Wang n'est pas encore venu, mais que le groupe Azure américain vient généralement toujours au tournoi. Maître Tian y réfléchit et dit à Monsieur Dong que le groupe Azure lui était familier et qu'il avait certainement entendu parler de tous ces gens quelque part. Monsieur Dong a dit à Maître Tian que bien sûr il les connaissait et lui a demandé s'il se souvenait de l'escroc Feng Xian et qu'il était également membre de ce groupe. Toutes les filles de cet endroit ont couru vers l'arène et ont dit que le premier tour entre Yunzhong et Mingzhu allait bientôt commencer et c'est intéressant. Maître Tian pensait qu'il devrait également jeter un œil à ce à quoi pouvaient ressembler ces combattants et à quel fort pratiquant ils étaient. Monsieur Song a déclaré que participer au tournoi était dangereux et que quelqu'un pouvait mourir si rapidement sous ses coups et que les habitants de Mingzhu avaient peur de lui. Mais soudain, un homme de Mingzhu a commencé à apparaître devant lui et a dit à Monsieur Song qu'il pensait trop à sa force. Et puis un combattant est apparu devant lui et lui a demandé que son nom était Song Yufen et il s'est souvenu de son nom et a su qu'il était un bon et fort combattant. Mais l'homme de Mingzhu a simplement claqué du doigt et a dit à Monsieur Song que rien ne l'aiderait aujourd'hui et qu'il était voué à l'échec. Et à ce moment précis, Monsieur Song s'est senti très douloureux et il a ressenti toute la puissance de cet homme de Mingzhu et s'est rendu compte qu'il l'avait sous-estimé. Monsieur Song est tombé au sol de toutes ses forces et ne pouvait plus continuer ce combat et son adversaire a dit qu'il allait maintenant mourir. Tian a dit qu'il utilise les mêmes techniques que Feng Xiang et que le groupe Azure et Wang Gao sont-ils secrètement de mèche l'un avec l'autre? Monsieur Dong a été très surpris d'entendre de tels mots de la part de Maître Tian et a demandé ce qu'il voulait dire et était intéressé de le savoir. Wang Gao était fier dans l'arène et pensait que personne ne pouvait le défier, puis quelqu'un lui a dit qu'il était prêt à le combattre là-bas. Wang Gao s'est retourné et a dit que n'importe qui pouvait entrer dans l'arène et qu'il terminerait ce combat plus rapidement et qu'il n'avait pas l'intention de s'embêter avec lui longtemps. Et puis Maître Tian a commencé à entrer dans l'arène et a dit à Wang Gao que son nom était Y Tian et qu'il voulait obtenir des informations de lui. Wang Gao a demandé si c'était le même Y Tian et a dit que cet arriéré Feng Xiang lui avait parlé de lui et qu'il voulait le rencontrer. Maître Tian a dit à Wang Gao qu'il était venu là-bas pour une raison et lui a demandé quels étaient les objectifs du groupe Azure et ce qui était arrivé à la famille Wang.
Wang Gao a dit à Y-Tian qu'il ne savait pas grand-chose et lui a demandé pardon et a dit qu'il n'allait rien lui dire maintenant. Tian a vu de la fumée noire et froide, Wang Gao parle de nombreuses vies prises par le pratiquant et lui, comme Feng Xiang, a quitté le bon chemin. Wang Gao a continué à rassembler toute son énergie sombre dans une seule énorme boule et a dit à Tian qu'il allait maintenant mourir du coup. Et immédiatement après ces mots, Wang Gao a dirigé sa technique vers Maître Tian et Tian a mis en place une protection contre une sombre attaque devant lui. Wang Gao a souri et a dit que Maître Ao n'avait pas menti lorsqu'il avait dit qu'aujourd'hui serait très amusant et que c'était bien qu'il soit venu au tournoi. Maître Tian a continué à se défendre et a ordonné à Wang Gao de parler de la façon dont il est connecté au groupe Azur et des mauvaises choses qu'il prépare. Wang Gao a dit à Maître Tian qu'il n'avait pas besoin de connaître autant d'informations importantes et que ce salaud irait bientôt dans l'autre monde de toute façon. Wang Gao a maintenant commencé à utiliser sa technique mortelle et de nombreuses épées tranchantes sont apparues devant lui et c'était une technique sombre. Et immédiatement, Wang Gao a pointé de nombreuses épées vers Maître Tian et était déterminé à achever rapidement ce combattant arrogant et vil. Maître Tian s'est également mis en colère contre les attaques de son ennemi et a dit qu'alors il parlerait différemment et qu'il ressentirait maintenant toute la fureur de son pouvoir. Tian commença à briser toutes les épées de son ennemi et il demanda pour la dernière fois à Wang Gao comment il était connecté avec le groupe Azur et quel était leur plan. Wang Gao fut surpris de savoir si Maître Tian avait bloqué son coup et réalisa qu'il devait se ressaisir et réfléchir à la manière d'attaquer le combattant. Wang Gao a dit que les blagues sont terminées et que lorsque Maître Ao reviendra de la famille Tang, il ne voudra pas entendre ses explications et il l'achèvera. Maître Tian a été très surpris par ces mots et a pensé à la famille Tang. Wang Gao sort-il vraiment avec Tang Ziyu et il ne savait pas que cela était possible. Wang Gao a commencé à voler à grande vitesse vers son ennemi et a pensé que maintenant rien ne l'aiderait et qu'il était tout simplement impuissant. Et à ce moment précis, il y eut une énorme explosion dans l'arène et tout le monde fut surpris et pensa que Maître Tian était mort après une telle attaque. Monsieur Dong a commencé à courir vers l'arène et a demandé à Maître Tian comment il se sentait et a pensé qu'il n'y avait plus aucun espoir qu'il soit en vie. Mais tout à coup, tout le monde a vu que Y Tian n'était pas blessé du tout et Wang Gao était allongé sur le sol et Tian a posé son pied sur lui et a posé des questions sur la réunion. Wang Gao n'a tout simplement rien fait et s'est allongé sur le sol et s'est demandé s'il avait vraiment perdu et comment Maître Tian reflétait sa célèbre technique de combat. Tian a commencé à faire pression sur Wang Gao et a dit que la réponse était fausse et lui a demandé à nouveau où aurait lieu la rencontre entre ces canailles. Wang Gao a dit à Maître Tian que la réunion entre la famille Ao et ce même groupe Azur aurait lieu à l'hôtel impérial voisin. Maître Tian a dit à Wang Gao que c'était la bonne réponse et a dit qu'il avait eu beaucoup de chance de tomber par la main et qu'il attendait lui-même ce moment depuis longtemps. Maître Tian a porté le coup final à Wang Gao et après cela, il s'est dirigé vers la sortie de cette arène et a pensé qu'il avait encore beaucoup à faire aujourd'hui. Monsieur Dong ne pouvait pas croire que Maître Tian puisse vaincre si facilement un combattant aussi fort et expérimenté que Wang Gao et c'est cool. Maître Tian a demandé pardon à Monsieur Dong et lui a dit qu'il avait des problèmes urgents et lui a demandé de lui trouver un remplaçant digne. Monsieur Dong ne s'attendait pas à de tels mots de la part de Maître Tian et il n'avait jamais vu le maître aussi en colère et il semble que Wang Gao ait mis Y Tian très en colère. Maître Tian pensa à Tang Ziyu et réalisa que cette fois tout serait différent et qu'il corrigerait toutes les erreurs qu'il avait commises dans le passé. Xiang Qinqin a regardé ce combat et a pensé que Tian était si fort et qu'elle voulait qu'il devienne son maître pour toujours. Et après un certain temps, la nuit, des gardes se sont tenus près du bâtiment et ont gardé l'entrée afin que personne ne puisse y accéder, mais maintenant des problèmes sont survenus. Le garde a été informé au téléphone que Mademoiselle Tang n'était pas là et leur a dit de la retrouver rapidement car Maître Ao ne peut pas être détenu et c'est dangereux. Maître Tian pensa à Ziyuer et se souvint qu'elle évitait toujours de rencontrer d'autres familles et qu'elle n'aimait pas qu'on lui accorde de l'attention. Maître Tian regarda ses gardes courir et pensa qu'ils ne savaient pas que la nuit, elle sortait par la fenêtre pour partir, et à ce moment précis, Ziyuer elle-même est apparue par la fenêtre et elle a vraiment regardé autour d'elle par la fenêtre pour s'assurer qu'il n'y avait personne. Tian regarda Ziyuer sortir par la fenêtre et se souvint qu'elle était une fille si courageuse qu'elle n'avait pas peur de se blesser là. Et puis Maître Tian s'est rendu compte que son garde ne devait pas la voir et a commencé à réfléchir à la manière de le distraire pour qu'il aille dans l'autre sens pour le moment. Maître Tian a pris une petite pierre et l'a lancée sur son garde et a demandé pardon à l'avance afin qu'il ne soit pas en colère pour cet acte. Xue à ce moment-là est sortie de la maison et a pensé que c'était réussi comme toujours et que tout ce qu'elle avait à faire était de ne pas se faire attraper par les gardes. Xuer se promenait dans cet endroit mais n'a pas regardé ses pieds et a accidentellement marché sur un buisson et celui-ci s'est brisé avec un bruit dégoûtant. Xuer se figea sur place et pensa qu'elle serait attrapée maintenant parce qu'elle avait commis une erreur et que les gardes comprendraient qu'elle était là. Et puis Tian est apparu devant elle et a pensé qu'il reconnaissait Xue et elle pense que tout lui est permis, mais elle est aussi maladroite que par le passé. Xuer a vu Maître Tian et lui a demandé de se taire et a dit qu'il pouvait parvenir à un accord, mais qu'il ne fasse pas trop de bruit là-bas. Maître Tian était d'accord avec Xue et pensait que même si lui et Xue ne se connaissaient pas, il ne devrait pas lui faire pression et qu'il était trop tôt pour cela. Le gardien a dit à ses amis qu'il avait entendu quelque chose là-bas et leur a dit d'y aller et de vérifier quel était ce bruit étrange.
Xuer a dit à Tian qu'elle ne voulait pas revenir vers eux et lui a dit qu'il lui semblait gentil et lui a demandé s'il pouvait l'aider maintenant. Maître Tian a dit à Xuer qu'il l'aiderait sans aucun problème, mais il voulait lui demander où ils iraient, mais il n'a eu le temps de le dire qu'à ce moment-là. Mais Xuer l'interrompit et lui attrapa la main et s'enfuit de là et elle dit que lorsque les gardes reprendront leurs esprits, ils seront loin de là. Xuer pensait qu'elle avait un sentiment si étrange qu'elle et ce type se connaissaient depuis des lustres et qu'elle connaissait bien la personne. Maître Tian était très heureux et pensait qu'il était enfin capable de trouver Xuer et il voulait depuis longtemps le faire mais il n'avait jamais eu le temps. Et après une longue course, ils se sont arrêtés et ont réalisé que les gardes étaient déjà derrière eux et qu'ils avaient besoin de se reposer et de reprendre leur souffle. La jeune fille a dit à Maître Tian qu'elle s'appelait Tang Xiyue et elle l'a remerciée de ne pas avoir refusé et de l'avoir aidé à échapper à ces personnes. Maître Tian a serré la main de Tang Xiyue et a dit que son nom est Y Tian et qu'il est également très heureux de rencontrer une femme aussi intéressante qu'elle. Maître Tian a demandé à sa nouvelle amie pourquoi ces gens la poursuivaient avec autant de diligence et ce qu'ils attendaient réellement d'elle. Tang Xiyue a dit que sa famille était en partie responsable et que son père était si cruel avec ses règles et pourquoi ne pouvait-elle pas être avec celui qu'elle aime. Maître Tian pensait que Tang Xiyue devrait rester à l'écart de Wang Gao, mais comment pourrait-il lui en parler et la prévenir? Tang Xiyue a dit que si elle, comme Shanna, pouvait se précipiter sans souci après la lune, ce serait tout simplement merveilleux et elle a rêvé. Tian a dit à Tang Xiyue que ce serait comme ça et qu'elle devrait seulement écouter son cœur et ne pas écouter les paroles des autres selon lesquelles rien ne fonctionnerait. Tang Xiyue a dit qu'il était temps de rentrer et elle ne comprenait pas parce qu'elle connaissait Y Tian depuis quelques heures, mais à côté de lui, elle se sentait si bien et si calme. Sa voiture et son chauffeur personnel sont venus chercher Tang Xiyue et Tian lui a dit qu'un jour ils se reverraient et que cela pourrait arriver bientôt. Tang Xiyue a dit qu'elle croyait que cela arriverait et l'a remercié pour son aide et a dit que sans lui, les gens l'auraient attrapé depuis longtemps. Maître Tian pensait que Xiyue est sa lumière et son avenir, et il sera désormais le maître de sa vie et ne la laissera pas offenser et la protégera de tous les ennemis. Maître Tian se promenait dans sa villa et réfléchissait à la façon dont il allait protéger Xiyue pendant qu'il était en train de purifier et d'absorber le QI. Y Tian s'est dit quelque chose de faible, qu'il était trop faible et qu'il avait encore besoin de beaucoup de temps pour s'entraîner pour aider Lady Xue. Et à ce moment précis, Maître Tian a sorti une famille de minéraux que Monsieur Don lui avait apporté et a pensé que cette chose pourrait beaucoup aider. Maître Tian pensait qu'il devrait devenir plus fort et faire tout son possible pour cela, ne pas être paresseux et continuer à labourer dur. Maître Tian réalisa que son objectif était de devenir plus fort et que tout cela était pour le bien de Xue, et dans cet état, il était vulnérable aux attaques d'ennemis plus puissants. Maître Tian commença à énumérer les noms des constellations et il s'agissait de constellations telles que Dubmerak, Feda, Aliomizar et Alked. Tous les minéraux de Maître Tian se rassemblèrent comme ces constellations et il réalisa qu'ils étaient désormais correctement positionnés et qu'il pouvait commencer son développement. Maître Tian a demandé à la constellation de l'aider à s'améliorer car il lui restait très peu de choses pour atteindre le niveau qu'il souhaitait et il en était proche. Et soudain, l'eau de la piscine à côté du maître a commencé à monter d'elle-même et elle s'est précipitée vers l'endroit où était assis Maître Y Tian. Tous ces minéraux collectaient de l'eau à côté d'eux et pouvaient également agir sur les objets environnants et leur pouvoir était très puissant. Maître Tian ouvrit les yeux et il sentit que des gouttes d'eau lui étaient venues de quelque part et maintenant il réalisa que tout s'était déroulé comme prévu et que c'était génial. Maître Tian pensa qu'il était enfin au stade de déplacer l'esprit et vit que cet eau tourbillonnait à côté de lui. Maître Tian pensait que maintenant il serait capable de sentir même la présence de quelqu'un d'autre et réalisa qu'il devait essayer de le faire maintenant. Maître Tian voulait trouver la présence de quelqu'un d'autre et il sentit le poisson, l'oiseau et le grillon et pensa qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là-bas et s'était-il vraiment trompé? Maître Tian a regardé l'arbre qui se tenait à côté de lui et a vu la silhouette de quelqu'un et a demandé à cette personne qui se cachait et lui a ordonné de sortir. Et à ce moment-là, quelqu'un est tombé de l'arbre et s'est écrasé directement au sol et Tian s'est demandé pourquoi cette personne s'était cachée là depuis si longtemps. C'était Xian Qin et elle se tenait la tête et disait qu'elle souffrait beaucoup et qu'elle ne s'était pas coupé les cheveux et c'est pourquoi elle est tombée de l'arbre. Maître Tian s'est approché de Xian Qin et lui a demandé si elle était gravement blessée, ce qu'elle faisait là et pourquoi elle se cachait dans cet arbre. Xiang a dit à Tian qu'il était stupide et l'a laissé la regarder et pense-t-il vraiment qu'en tombant d'une telle hauteur, elle a été légèrement blessée? Et puis Xian Qin s'est calmé et a réalisé qu'elle devait se comporter avec plus de retenue si elle ne voulait pas que le maître la chasse de là. Xiang a dit à Maître Tian que lors du tournoi, il s'était montré le maître le plus fort et qu'elle voulait donc apprendre des techniques de lui. Maître Tian pensait que la jeune fille avait tout ce qu'il fallait et sans son mouvement d'esprit, il n'aurait pas pu remarquer Xiang dans cet arbre. Mais Tian pensait qu'il aurait trop d'ennemis et il ne voulait vraiment pas créer de problème à d'autres innocents. Maître Tian réfléchit et dit à Mademoiselle Xiang Qin qu'il n'avait pas emmené d'élèves et lui demanda de rentrer chez elle car il était déjà tard. Xiang Qin a demandé et si elle récompensait généreusement Maître Tian et sortait la boîte et disait au maître qu'il y avait 100 millions dedans. Mais à ce moment-là, quelqu'un a appelé Maître Tian et il a été surpris et il ne s'attendait certainement pas à ce que ce soit elle qui l'appellerait si tard. Maître Tian a demandé à Wang Xian ce qui s'était passé et pourquoi elle l'appelait si tard et Xiang se demandait à qui Maître Y parlait.
Wang Xian a dit à Tian que sa mère l'invitait à son anniversaire demain et qu'elle l'appelait uniquement à cause de cet événement. Shang Rong a dit à Tian que demain leur fiançaille avec Xian prendrait fin et il espérait qu'après cela, ils ne se reverraient plus jamais. Maître Tian a accepté et a dit que demain il serait là et a dit à Wang Xian que si ce n'était pas sa mère, il aurait envoyé sa fille depuis longtemps. Wang Xian voulait crier après Tian et dire qu'il était un monstre. Mais Tian n'a pas attendu sa réponse et a simplement mis fin à l'appel avec son ex. Maître Tian a dit à Xiang qu'il avait des choses à faire et qu'il lui répéterait qu'il ne serait pas son professeur et lui a demandé de trouver quelqu'un d'autre. Maître Tian a commencé à marcher sur l'eau et c'était incroyable et sa force était très puissante et maintenant il peut même marcher sur l'eau comme un magicien. Xiang Qinqin a dit à Maître Tian qu'il voulait vraiment partir de là et ne plus écouter ses paroles et ses récompenses pour son travail. Mais la fille n'est pas partie et a dit à Maître Y Tian qu'il devrait prendre Xiang Qinqin comme élève et que c'était tout simplement inévitable. Le lendemain, Tian est venu à sa fête d'anniversaire et a pensé qu'aujourd'hui il dirait au revoir à Tang Tang et couperait tout lien avec Xian. Et puis Xian est apparu devant lui avec Shang Rong et lui a dit bonjour et c'était l'hôtel le plus prestigieux et le plus cher de Yinzhong. Xian a dit à Tian que sans la famille Shang, il aurait été expulsé de là depuis longtemps, mais Tian a dit qu'il ne se souciait pas de tout cela. Wang Xian s'est mis en colère et a demandé à Tian comment il avait osé lui parler si effrontément et lui a dit de ne pas oublier sa place et de la respecter. Shang Rong a demandé à Xian de ne pas prêter attention à cet homme impudent et a dit qu'il prendrait soin de lui-même et qu'il aurait peur de lui. À l'intérieur du bâtiment, le chef de la famille Wang, Wang Guanming, et la dame de la famille, Wang Tangqi, étaient déjà debout et saluaient tous les invités à la fête de la dame. Wang Tangqi a vu une connaissance et a dit à petit Tian qu'elle était très heureuse de le voir là-bas et lui a demandé de laisser la vieille dame l'examiner. Tian a dit à la dame que ce talisman la protégerait de toutes les maladies et il espérait qu'elle l'accepterait et ravirait tout le monde avec un sourire. Wang Tangqi a remercié la petite Tian pour ce cadeau si généreux et a dit qu'elle l'aimait vraiment et qu'elle l'emporterait partout avec elle. Tian se souvenait que Tante Wang était toujours en mauvaise santé et que ce talisman devrait renforcer sa santé et qu'il découvrirait l'aura. Mais ensuite le chef de Wang Guanming s'est approché de lui et a demandé à Tian pourquoi il avait décidé de donner une pierre sale à sa femme et que c'était mauvais. Mais ensuite Tian a frappé Shang Rong avec son épaule et a demandé à Tang Tang d'accepter un cadeau de lui et de Xian et c'était une décoration d'élite unique. Les gens ont vu ce cadeau et ont dit à quel point il était beau et cela leur a immédiatement rappelé une marque de créateur coûteuse et c'est cool. Wang Tangqi a dit à Shang Rong qu'elle était contente, mais qu'il n'avait pas besoin de dépenser autant d'argent et qu'il pouvait prendre exemple sur son ami Y Tian. Wang Xian a demandé à sa mère pourquoi elle n'aimait pas le cadeau parce qu'il venait de Shang Rong et non d'un mendiant et d'un pauvre homme. Wang Tangqi a demandé à sa fille comment elle pouvait dire de telles choses à propos de son mari et Xian a répondu que ce perdant ne deviendrait pas son mari. Y Tian a dit à Tang Tang que sa fille disait la vérité et qu'elle et Xian étaient trop différents et qu'il voulait dissoudre le mariage rapidement et sans délai. Wang Tangqi a été offensé lorsqu'elle a appris cette nouvelle et a dit à Y Tian que pendant tout ce temps, il était déjà devenu comme son propre fils pour elle et qu'elle était très offensée. Shang Rong a demandé à Tian s'il pouvait voir à quel point Madame Tang l'aimait, et de toute la famille Y, seulement il est venu comme un idiot très mal élevé. Tian s'est mis très en colère et a demandé à Shang Rong comment osait-il dire de telles choses à propos de sa famille et a dit qu'il obtiendrait ce qu'il méritait pour cela. Shang Rong a demandé à Tian s'il n'aimait pas entendre la vérité et s'il était mal élevé et comment de telles nouvelles pouvaient-elles être rapportées ce jour-là. Tian a invité Shang Rong à sortir et a dit que Tang Tang ferait mieux de ne pas voir ce qu'il lui ferait maintenant pour une telle impudence. Mais ensuite Wang Tang qui leur a demandé d'arrêter de crier et a dit que son cœur lui faisait mal alors qu'elle ne s'y attendait pas et qu'elle souffrait. Tian a couru vers Wang Tang qui a dit à sa tante qu'il était avec elle et qu'ils allaient immédiatement à l'hôpital pour s'assurer qu'elle n'avait pas de problème grave. Mais Xian a dit à Tian qu'à partir de maintenant, plus rien ne reliant leur famille et qu'il n'avait même plus de voiture et qu'il voulait emmener sa mère à l'hôpital. Shang Rong leur a demandé d'arrêter de paniquer et a dit que son chauffeur arriverait là-bas maintenant et emmènerait Tang Tang et que Hero Tian était déjà libre. Wang Tangqi et sa fille se sont dirigés vers la sortie et elle a laissé tomber le cadeau de Tian et ne l'a même pas remarqué parce que ses pensées n'y étaient pas. Shang Rong a marché sur le cadeau de Tian et a dit qu'il pensait qu'il y avait au moins quelque chose de bon dedans, mais il s'est avéré être un vrai salaud. Y Tian a cassé la table à côté de lui d'un seul geste et a dit à Shang Rong que s'il disait un mot de plus, la même chose lui arriverait. Shang Rong a dit que c'était sa table et qu'il devait la payer et qu'il était le fils du chef de la famille Wang et qu'il n'avait pas le droit d'y toucher. Mais Tian n'a pas écouté Shang Rong et a voulu porter un coup puissant pour qu'il se taise enfin car il en avait déjà marre de lui avec son comportement. La main de Tian a presque touché le visage de Shang Rong, mais à ce moment-là, quelqu'un a demandé à Maître Tian de ne pas se salir les mains avec des scélérats. C'était Xiang Qinqin et elle a dit qu'elle pensait que Maître Tian n'avait pas à payer pour sa table et que ce n'était qu'une bagatelle. Shang Rong a demandé à Mademoiselle Xiang Qinqin ce qu'elle faisait là-bas et Wang Xian lui a demandé qui elle était et comment il la connaissait bien. Shang Rong a dit à Mademoiselle Xiang que c'était un voyou ordinaire et qu'il créait des problèmes pour tout le monde là-bas et que maintenant il allait simplement expulser ce voyou. Shang Rong a ordonné à son peuple d'emmener Tian et a dit qu'il avait gâché toutes les vacances d'aujourd'hui et qu'ils allaient maintenant le jeter dans la rue à partir de là. Mais soudain,
Xiang a donné un coup de pied à Shang Rong dans les fesses et lui a dit d'arrêter de faire semblant d'être quelqu'un et lui a dit qu'elle lui conviendrait maintenant. Shang Rong est tombé au sol et a dit à Mademoiselle Xiang Qinqin qu'il était en fait son cousin et pourquoi le traitait-elle comme ça maintenant. Mais Xiang a giflé Shang Rong au visage et lui a demandé de ne pas déshonorer le nom de sa famille et de mieux s'agenouiller et demander de l'aide à Maître Tian. Wang Xian était en colère et a demandé aux gens qui avaient laissé entrer cet enfant et pourquoi elle ne respectait pas sa cousine aînée et était une canaille. Shang Rong a demandé à Xian de s'excuser immédiatement auprès d'elle et Xiang est la fille unique de Yuan Shi et on ne peut pas lui parler sur un tel ton. Shang Rong s'est agenouillé devant Mademoiselle Xiang Qinqin et lui a demandé de ne pas être en colère contre eux et a dit qu'il lui présentait ses excuses pour tout. Xiang s'est simplement détourné et est parti de là, et Wang Xian a pensé à comment elle pourrait être attirée par cette limace qui était maintenant agenouillée. Xiang Qinqin s'est approché de Tian et a dit au maître que son élève était un peu en retard et qu'il lui était très difficile de le trouver à cet endroit. Mais Maître Tian a demandé à la fille Xiang d'arrêter de parler comme ça car elle n'est pas son élève et il lui a déjà dit hier qu'il ne serait pas son maître. Xian fut surpris et se demanda pourquoi cette fille appelle Tian son maître et le connaissait-il vraiment avant ce jour? L'homme s'est approché de Xian et lui a demandé pourquoi elle se tenait là et elle devrait rapidement s'excuser auprès d'elle et lui présenter son père. Wang Xian n'a pas voulu faire cela et a demandé à l'homme pourquoi elle devrait s'excuser auprès de cette petite fille impudente. Mais l'homme a commencé à crier après Xian et lui a demandé de ne pas le contredire et lui a dit que ses affaires en dépendaient et qu'elle devait être polie. L'homme a dit qu'il ne pensait pas que la fille de Yuan Shi lui-même et son maître viendraient à son banquet et qu'il était heureux de les voir ensemble. Tian a souri et a dit que l'oncle Wang ne rirait plus de son cadeau à tante Wang, parce qu'avant cela, il en était juste fou. Xian a dit à Tian que Miss Qinqin venait rarement à Yinzhong et pourrait-elle lui demander quelque chose une fois qu'il se connaît très bien? Tian a demandé à Xian de quel genre de bonne relation elle parlait et peut-être qu'elle a oublié comment elle a dit hier qu'elle voulait annuler leur mariage. Wang Xian a commencé à crier et a dit à Tian qu'elle dirait tout à sa mère et qu'il aurait des ennuis et qu'elle ne le croirait plus. Mais Y que Tian s'est mis en colère, puis le verre dans les mains de Monsieur Wang Guanmin s'est brisé et il a été choqué et a réalisé que Maître Tian est très fort. Maître Tian a dit qu'il avertissait Wang Xian et son père Wang Guanmin de ne déranger Tang Tang sous aucun prétexte. Xiang Qinqin a demandé s'il n'avait pas honte et peut-être qu'il partirait de là. Sinon elle serait très en colère s'il continuait à harceler le maître. Wang Guanmin a dit que lui et Wang Xian partaient déjà et qu'il voulait que Mademoiselle Xiang Qinqin ne s'inquiète pas et qu'ils étaient déjà en route. Monsieur Wang Guanmin a demandé à Shang Rong de se lever et a dit qu'il était temps pour eux de partir de là et il a dit à M qu'il se levait déjà du sol. Après cela, Tian est sorti et a pensé que tant d'événements venaient de se produire à cet endroit, même s'il était juste venu pour les vacances. Maître Tian sentait que sans le septième minéral, son QI se tarirait très rapidement et qu'il devait développer rapidement ses compétences et son QI. Xiang a dit que le Feda est comme l'étoile spirituelle taoïste et que s'il la perd d'une manière ou d'une autre et que le QI le quitte, les sept étoiles se complètent. Xiang Qinqin a déclaré que sans ce dernier, tous les efforts étaient vains et Tian a été surprise et lui a demandé comment elle connaissait toutes les informations. Xiang a dit qu'elle, comme Tian, s'entraînait dans la villa et que sa méthode de cultivation lui semblait familière et qu'elle était très intéressée. Xiang Qinqin a dit à Tian que c'était pour cela qu'elle avait consulté toute la collection de son grand-père à la maison et qu'il était dommage que ses notes ne soient pas terminées. Tian pensait qu'il s'avère que la famille Xiang avait conservé des méthodes de culture très rares et certaines et c'est pourquoi elle était forte. Xiang Qinqin a dit à Tian qu'elle l'aiderait à trouver un remplaçant pour ce minéral s'il acceptait de devenir son maître et que ce serait bien. Tian a dit à Xiang que c'était une bonne offre mais il lui a demandé de lui donner du temps et il devait réfléchir avant de répondre. Xiang a été surpris et a demandé à Tian à quoi il devait penser et c'était la meilleure offre car cela lui faisait du bien et cela lui faisait du bien aussi. Tian a demandé à Xiang Qinqin si elle le trompait et comment pourrait-il immédiatement accepter de telles propositions d'un tel étranger. Xiang Qinqin a dit qu'elle pensait que Maître Tian était plus simple et a dit qu'elle ne lui mentait pas, mais qu'elle devait le prouver pour qu'il le croie. Xiang Qinqin a dit qu'elle devrait alors prouver ses paroles et a demandé au maître de regarder cette chose et a immédiatement sorti quelque chose. Tian a demandé si c'était l'esprit de la bête et Xiang a dit que c'était un morceau de coquille de stupendmi et a fait entendre parler le maître de ces jolies tortues. Xiang a dit que les archives disent qu'ils mangent du jade et que leurs coquilles sont pleines de pièces de bronze et qu'ils accumulent de l'énergie chi. Tian vient de découvrir cela et dit que cela signifie que la stupendmisa peut être utilisée à la place de la dernière pierre et c'est une bonne chose. Xiang Qinqin a demandé à Maître Tian s'il était heureux maintenant parce qu'elle lui a dit tout ce qu'elle sait et croit au maître. Tian a demandé à Xiang d'arrêter de l'appeler maître et a dit qu'il avait besoin de cette tortue et qu'il pourrait alors achever son développement. Xiang a dit au maître qu'ensemble, ils attraperaient rapidement ce stupendmi et qu'elle aiderait le maître à mettre en œuvre tous ses plans. Tian a dit qu'il voulait partir lui-même à la recherche pour ne pas mettre sa vie en danger et a déclaré qu'il n'était toujours pas son maître. Et puis un gars est venu vers eux et a dit à Qinqin que ses petites filles ne devraient pas marcher seules la nuit et il a dit qu'il était son cousin. Tian pensait que ce type ne rentrait pas dans le puissant clan Shang et qu'il devait être leur parent éloigné mais prometteur. Xiang a dit à Shang Ming qu'il était juste à temps et que lui et Maître Tian avaient besoin d'une voiture pour se rendre ensemble au lac des soucis pour affaires.
Shang Ming s'est immédiatement rendu compte que s'il voulait aller au lac de l'anxiété, alors il cherchait Stupanmi et a dit qu'il serait heureux de les aider. Mais Xiang Qinqin a dit à Shang Ming que même si elle avait 9 vies, elle ne lui ferait pas confiance et Tian l'aiderait dans cette quête. Shang Ming a dit à Maître Y que Tian qu'il n'aurait jamais pensé qu'il était si jeune et a déclaré que rien ne peut être fait avec l'unicité. Tian a dit à Shang Ming que toutes ses forces étaient uniquement destinées à la cultivation et au développement et s'est rendu compte qu'il n'aimait pas sa courtoisie. Shang Ming a dit à Xiang que son oncle lui avait dit que dans 2 ans, il lui confierait l'entreprise familiale et espérait qu'alors elle n'oublierait pas son cousin. Xiang Qinqin a dit à Maître Tian que le chemin était long pour se rendre au lac de l'anxiété afin qu'il puisse se reposer et reprendre la force de rechercher des créatures. Shang Ming pensait que Xiang Qinqin était si poli avec ce maître et apparemment il était vraiment fort dans la cultivation et c'était intéressant. Shang Ming a pris le volant et a pensé qu'il ne se souciait pas de ce prochain pratiquant et qu'il ne pouvait pas faire face à de telles personnes et avait confiance en lui. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent au lac et c'était très calme et rien ne gênait leur recherche à une heure si calme de la nuit. Xiang Qinqin est sorti de la voiture et a pointé son doigt vers le lac et a dit à Maître Tian qu'elle avait trouvé ce morceau de bête dans ce lac. Maître Tian s'est rendu compte que ce lac était assez grand et il a réfléchi et suggéré qu'il se sépare afin qu'il puisse étendre la zone de recherche. Shang Ming a dit à Qinqin qu'elle l'accompagnerait comme son oncle lui disait de la protéger et d'être toujours à ses côtés partout. Maître Tian a écouté Shang Ming et a dit qu'il irait ensuite seul et commencerait immédiatement à chercher ses tortues pour achever le développement de la force. Après cela, ils se séparèrent et allèrent chez eux et Tian réalisa qu'il n'avait pas du tout peur et qu'il trouverait rapidement cette tortue. Shang Ming a dit à Qinqin qu'il pouvait lui-même attraper Stupanmi et lui a demandé pourquoi elle avait ensuite appelé Maître Tian avec eux pour cette recherche. Qinqin a demandé à Shang Ming quelles étaient ses questions et Tian était son maître et s'il est si intelligent, il devrait attraper la tortue lui-même. Shang Ming a dit à Qinqin qu'il la comprenait et a dit qu'il ne s'inquiétait que pour elle, c'est pourquoi il lui pose si souvent des questions sur tout. Shang Ming pensait que Stupanmi adorait le jade rempli d'énergie et a décidé d'en mettre un dans la poche de ce maître Y Tian. Shang Ming pensait que ce maître Tian interférait avec lui et il le détestait et voulait donc se débarrasser de lui pour qu'il n'interfère pas avec lui. Shang Ming pensait que même si Maître Tian ne mourait pas et était très grièvement blessé, cela serait toujours en sa faveur et il serait heureux. Shang Ming pensait que Maître Tian n'était qu'un pion dans son jeu et c'est en vain qu'il a rencontré Xiang Qinqin et maintenant il mourra très bientôt. Tous ont continué leur recherche à ce moment-là et Xiang Qinqin a demandé à Shang Ming pourquoi la terre tremblait et s'il ressentait ses secousses là-bas. Maître Tian remarqua qu'une énorme silhouette de tortue commençait à apparaître là et réalisa que c'était Stupanmi et qu'elle était énorme. Et à ce moment-là, une énorme tortue a sauté devant eux et Tian a demandé à Xiang Qinqin de prendre soin d'elle et il y avait un tel danger devant elle. Xiang Qinqin s'est écarté et a dit à Maître Tian que c'était la même chose Stupanmi et lui a demandé d'attraper cette tortue. La tortue a commencé à se déplacer vers Shang Ming et il a demandé à Xiang d'attaquer cet énorme monstre par l'arrière et ensuite il l'attraperait. Shang Ming s'est rendu compte qu'il avait une queue très forte et c'est bien qu'il ait quand même réussi à rebondir et que la queue de la tortue écraserait définitivement Maître Y. Ils ont commencé à attacher la tortue et Shang Ming a dit que maintenant il verrait comment elle sautait et Xiang a demandé à Shang d'appeler Maître Y. Shang Ming a dit à Qinqin que maintenant il l'appellerait et pensait qu'elle ne pouvait pas s'inquiéter et qu'il appellerait Tian et qu'il rencontrerait la mort. Et puis Shang Ming a couru vers Maître Tian et lui a demandé de l'accompagner et lui a dit que lui et Qinqin avaient maintenant trouvé ce Stupanmi. Tian a demandé à Shang Ming où se trouvait Qinqin et il a dit qu'elle l'avait envoyé le chercher et qu'elle était restée sur place pour tenir la tortue afin de ne pas le manquer. Maître Tian a dit à Shang Ming qu'il devrait alors y aller le plus tôt possible et aider Qinqin et Shang Ming lui a dit merci. Et à ce moment-là, Shang Ming s'est pressé contre Maître Tian et a mis une balle de jade dans sa poche et a pensé qu'il ne pouvait pas attendre. Maître Tian est venu et a dit à Qinqin que de telles créatures à forte volonté sont très rares sur Terre et que c'était intéressant. Xiang Qinqin a continué à tenir la tortue et a demandé au maître s'il pouvait la voir et a dit qu'elle ne l'avait pas trompé et qu'elle avait raison. Shang Ming a demandé à Qinqin de se reposer et a dit que lui et Maître Tian eux-mêmes s'occuperaient désormais de cette énorme tortue impudente. Xiang Qinqin a relâché la prise et a dit au maître que c'était leur chance et qu'ils devraient maintenant attaquer la tortue avec Shang Ming. Shang Ming a souri et a pensé que c'était vraiment sa chance, et Maître Tian a dit à Qinqin que Stupanmi était un élémentaire d'eau. Et à ce moment précis, Stupanmi a brisé l'emprise de Shang Ming et a commencé à crier de toutes ses forces et était très en colère contre tous les gens qui l'attaquaient. Stupanmi voulait mordre Maître Tian mais il a esquivé sa bouche et Shang Ming s'est assis par terre et a juste regardé la bataille de Y Tian. La tortue Stupanmi a continué à attaquer Maître Tian et il a réfléchi à ce qui n'allait pas avec cette tortue et pourquoi est-elle agressive. Shang Ming s'est levé et a dit au maître qu'il l'aiderait, et des rayons de feu ont immédiatement commencé à émerger de sa main et les ont dirigés vers le monstre. Mais Shang Ming a failli frapper Maître Tian avec son attaque et il se demandait si Shang Ming le visait spécifiquement et voulait l'achever. La tortue commença à tirer sur Maître Tian avec son rayon et Shang Ming dit au maître qu'il semblait que Stupanmi se calmait un peu. Maître Tian a réussi à esquiver l'arrêt de la tortue et il s'est retrouvé derrière un énorme monstre et a pensé qu'il y était désormais en sécurité. Mais à ce moment précis,
Maître Tian se figea de surprise et réalisa qu'il s'était trompé et qu'il venait de commettre une énorme erreur qu'il regrettait. Et à ce moment-là, Stupendmi a porté un coup puissant à Maître Tian avec sa queue et le maître s'est rendu compte que ce monstre avait beaucoup de pouvoir. D'un tel coup, Maître Tian s'est écrasé contre un arbre et puis tout à coup une boule de jade est tombée de sa poche et elle a roulé sur le côté. Et puis cette boule s'est divisée en deux et Maître Tian l'a vue et a pensé que c'était vraiment du jade, mais comment a-t-elle fini dans sa poche? Et immédiatement après cela, l'énorme tortue s'est calmée et ne voulait plus achever Maître Tian, mais l'a juste regardé calmement. Maître Tian s'est rendu compte que cela sortait à cause du jade, Stupendmi était tellement excité et puis il a tout compris et a pensé que c'était un plan astucieux. Maître Tian était en colère et pensait que ce lâche salaud lui répondrait immédiatement pour cet acte et qu'il n'y aurait aucune pitié. Maître Tian a pointé son doigt vers Shang Ming et a dit qu'il répondrait de la colère de l'immortel et que maintenant il ressentirait toute la douleur. Shang Ming a eu très peur et a demandé à Maître Tian de quoi il parlait et il n'en savait rien et a demandé au maître d'avoir pitié de lui pour tout. Maître Tian s'est approché de Shang Ming et lui a demandé de lui dire où il avait trouvé ce jade dans sa poche et comment il est arrivé là récemment. Shang Ming a fait une grimace pitoyable et a dit à Maître Tian qu'il ne savait pas comment il était entré dans sa poche et que peut-être que Tian ne s'en souvenait pas et l'avait mis lui-même. Quelqu'un a dit qu'elle avait vu Shang Ming à la vente aux enchères et lui avait demandé s'il allait piéger le maître et pourquoi c'était nécessaire. Shang Ming resta perplexe et réalisa que son plan avait été compris et il commença à penser que maintenant il pouvait le leur dire mais qu'il ne le croirait pas. Et puis Shang Ming a dirigé la puissance ardente vers Maître Tian et a dit que le stupendmi devrait aller à lui et à personne d'autre. Maître Tian a dit à Shang Ming qu'il avait beaucoup de courage, mais il a dit que celui qui avait croisé son chemin la dernière fois avait été blessé. Maître Tian a envoyé son pouvoir vers Shang Ming et il lui a demandé s'il voulait savoir ce qui était arrivé à la personne qui lui avait fait du mal. Maître Tian a jeté ce jade sur Shang Ming et il a dit que cela ne pouvait pas être dû au fait que ce jade lui collait et ne pouvait pas être retiré. Et après cela, Stupendmi commença à s'approcher de Shang Ming et il se défendit et se demanda pourquoi la tortue était maintenant si forte. Maître Tian a souri et a dit à Shang Ming que tout cela était grâce à son jade et que maintenant il ne serait plus capable de retenir cette tortue agressive. Shang Ming ne pouvait pas continuer à se défendre et Stupendmi a commencé à s'approcher de lui et Shang Ming a commencé à crier et à demander de l'aide. Shang Ming a commencé à réfléchir et à penser que peut-être dans le lac, il aurait de meilleures chances de survivre et qu'il devrait le faire maintenant. Shang Ming a sauté dans le lac et a commencé à plonger dans les profondeurs et à penser que là-bas, la tortue ne serait pas aussi dangereuse et agressive que sur Terre. Shang Ming a dit à Maître Tian qu'il l'avait sous-estimé et que s'il battait cette tortue, tôt ou tard il trouverait un maître. Xiang Qinqin était très en colère et a pensé comment un tel perdant pouvait naître dans sa famille forte et a dit au maître qu'elle le rattraperait. Mais Maître Tian a demandé à Xiang Qinqin de se lever et lui a demandé si elle voulait savoir de quoi il était capable et a demandé à Xiang de le regarder. Maître Tian a commencé à lancer un sort et une énorme épée y est apparue et le maître a parlé de l'ascension du yin et du yang et des cinq éléments saisonniers. Maître Tian a continué à lancer son sort et a parlé du changement des saisons et du triomphe de l'harmonie et de l'équilibre, et Xiang attendait quelque chose de lui. Xiang Qinqin a regardé tout cela et s'est rendu compte que Maître Tian était si fort, et avant elle doutait de sa force et se trompait. Maître Tian a créé une énorme épée et l'a pointée sur cet énorme monstre Stupendmi et a réalisé que cela devrait lui suffire. Maître Tian a frappé Stupendmi avec son épée et l'a achevé et a demandé à Shang Ming de revenir et a dit qu'il savait qu'il était vivant. Maître Tian a achevé une énorme tortue d'un seul coup et elle a immédiatement flotté jusqu'au sommet du lac et n'a plus montré aucun signe de vie. Shang Ming s'est allongé sur la carapace du Stupendmi et a dit à Maître Tian qu'il pouvait faire ce qu'il voulait de lui parce qu'il n'avait pas peur de lui de toute façon. Maître Tian est venu voir Shang Ming et lui a demandé s'il pouvait le tuer et a dit que c'était trop peu pour un tel scélérat qu'à Shang. Maître Tian a commencé à blesser Shang Ming et a dit qu'un méchant comme lui devrait tomber à côté de la bête et que tel était son destin. Maître Tian a dit à Xiang Qinqin qu'il épargnerait Shang Ming et il lui a demandé de s'occuper de la famille Shang et de l'en informer. Qinqin s'est approché du maître et lui a dit qu'il était trop gentil avec un salaud comme Shang Ming et qu'il méritait plus de punition. Et à ce moment précis, Qinqin a sorti le ballon et a dit à Maître Tian qu'elle l'utiliserait s'il la prenait maintenant comme élève. Shang Ming a dit à Qinqin de demander au maître de le laisser partir et a dit que dans son enfance, il l'a toujours aidé et l'a sauvé de tout. Qinqin a dit à Shang Ming que Maître Tian avait tout fait correctement, mais qu'elle s'occuperait de lui elle-même et trouverait sa propre punition pour lui. Qinqin a déclaré que Shang Ming avait deux options et la première est qu'elle dira tout à son père et qu'il n'échappera plus à la punition. Qinqin n'a pas encore parlé de la deuxième option, mais Shang Ming a déclaré qu'il choisissait la seconde parce qu'elle devrait être meilleure que la première option. Qinqin a déclaré que la deuxième option était l'expulsion de la famille Shang et a dit au maître que s'il n'est pas de leur famille, ils peuvent le quitter. Maître Tian a dit qu'il ne voulait plus voir Shang Ming et il a demandé à Qinqin d'aller se préparer si elle devenait sa disciple. Qinqin était très heureuse et a demandé au maître s'il était vraiment d'accord et c'était cool et elle est devenue une élève de Maître Tian lui-même. Qinqin a attrapé la main de Maître Tian et a dit qu'il devait y aller rapidement et choisir une heure pour les cours afin de pouvoir tout commencer plus rapidement.
Maître Tian a couru avec Quinquin et a pensé à ce que Xue faisait là-bas, car il ne l'avait pas vue depuis plusieurs jours et elle lui manquait beaucoup. Après cela, Maître Tian et Xiang Quinquin sont venus dans sa villa Flamme Maple et ont dû établir un programme d'entraînement avec elle. Ils sont entrés dans la villa et soudain, Wu Liner les a rencontrés là-bas et a demandé à Tian où il se trouvait et leur a dit qu'elle ne pouvait le trouver nulle part. Wu Liner a vu la fille et a demandé si c'était la petite Xiang et si elle complotait toujours contre Y que Tian et ce dont elle avait besoin là-bas. Quinquin a dit que c'était vraiment Wu Liner et a demandé ce qu'elle avait oublié devant la maison de son maître et ce dont elle avait elle-même besoin du maître là-bas. Wu Liner et Xiang Quinquin se sont regardés avec colère et Y que Tian s'est juste tenu à l'écart et il n'a rien compris à ce qui se passait là-bas. Quinquin a dit à Liner qu'elle avait prouvé qu'elle pouvait devenir son digne disciple et qu'elle ne le suivait pas partout comme Liner. Tian a dit à Quinquin qu'il lui prendrait ce noyau et qu'il discuterait des points d'entraînement une fois qu'il aurait bientôt terminé sa cultivation. Wu Liner a été choqué par cela et a demandé à Maître Tian s'il avait vraiment pris Quinquin comme disciple et pourquoi il avait accepté cela. Quinquin a dit à Maître Tian qu'elle était bien sûr d'accord avec lui et a dit qu'elle viendrait le voir quelques jours après sa cultivation. Tian a dit à Wu Liner que Quinquin le hantait et lui offrait des cadeaux et qu'il n'avait d'autre choix que d'étudier. Wu Liner a dit à Maître Tian que maintenant elle comprenait tout et lui a demandé si elle pouvait aussi devenir son élève et travailler sérieusement. Quinquin a été surprise et a demandé à Wu Liner comment elle avait osé interroger le maître à ce sujet si effrontément et a dit qu'elle était une personne vraiment impudente. Liner lui a dit que les gens ne sont pas jugés par eux-mêmes et qu'elle voulait étudier avec Tian depuis qu'il l'avait guéri et pensait qu'alors il se rapprocherait. Quinquin a demandé à Wu Liner si elle ne pouvait pas trouver quelque chose de plus intelligent et a dit qu'elle voulait juste beurrer Maître Tian. Wu Liner a dit à Quinquin que ce n'était pas vrai et qu'elle avait très tort dans ses suppositions et qu'elle voulait aussi se développer et devenir plus forte. Quinquin a dit à Wu Liner qu'elle avait aidé le maître à obtenir le noyau stupendmi pour devenir son élève et lui a demandé ce qu'elle avait fait. Wu Liner a dit qu'elle connaissait sa valeur et a dit à Maître Tian qu'il voulait rencontrer Wang Gao au tournoi d'arts martiaux. Maître Tian était d'accord avec Wu Liner et lui a dit qu'il le détestait et voulait qu'il devienne plus gentil parce qu'il faisait toujours du mal aux bonnes personnes. Wu Liner a dit à Maître Tian que son grand-père lui avait demandé de lui dire qu'il envisageait d'épouser une fille de la famille Tang et il a été choqué. Wu Liner a dit qu'il voulait alors reprendre ses biens et son argent et laisser cette fille sans un seul centime et sans ses affaires. Maître Tian était furieux et a dit que Wang Gao est un salaud et qu'il n'a jamais compris ses actions et qu'il lui apprendra bientôt les bonnes manières. Quinquin a été surpris et s'est demandé pourquoi le maître était si en colère lorsqu'il a appris qu'une inconnue allait bientôt se marier. Wu Liner a tenu Tian et lui a demandé de ne pas aller nulle part et de l'écouter et a dit qu'elle avait beaucoup plus d'informations sur ce Wang Gao. Maître Tian a demandé à Wu Liner de le laisser partir et a dit qu'il était temps pour lui de sortir de l'ombre et de montrer à tous ses scélérats sa colère et sa rage. Wu Liner a dit à Tian qu'elle ne savait pas ce qui se passait entre eux, mais s'il y va, la famille Tang prendra fin et c'est définitivement un fait. Tian a dit à Wu Liner qu'il voulait juste les sortir des mains de Wang Gao et penser qu'il voulait réellement sauver le Du Tang Xuer. Quinquin a dit qu'ils avaient un autre moyen et qu'ils devraient essayer d'aider Maître Tian à résoudre ce problème avec Wang Gao. Wu Liner a dit à Quinquin que leur famille ne pouvait l'aider d'aucune façon et qu'elle n'était rien comparée à Wang Gao et ne pouvait en aucun cas aider le maître. Wu Liner a dit à Maître Tian qu'il comprendrait à quel point Wang Gao est terrible s'il le rencontrait une fois et qu'il était une très mauvaise personne. Maître Tian a frappé l'arbre et a dit à Wu Liner qu'il savait déjà qui était vraiment Wang Gao, mais qu'il devait protéger la famille Tang. Maître Tian a dit que si Wang Gao était la bête la plus dangereuse de la planète entière, il ne reculerait pas et irait jusqu'au bout et briserait ce scélérat. Après cela, ils sont venus au bâtiment et Wu Liner a dit à Maître Tian que le directeur Tang cherchait des gardes pour sa fille et elle lui a proposé. Liner a dit à Tian que cet endroit était infesté d'espions de la famille Wang et qu'à cause de cela, il valait mieux qu'elle ne s'y attarde pas et Tian a compris la situation de Liner. Tian est entré dans le bâtiment et l'homme a dit au directeur Tang qu'un homme recommandé par la famille où était arrivé et le directeur lui a demandé d'entrer. Le directeur Tang s'est assis sur son bureau et a dit à Maître Y que Tian qu'il était enfin là et qu'il était heureux de le voir et la famille où l'a beaucoup félicité. Le directeur Tang a serré la main de Maître Tian et a dit qu'il lui faisait confiance pour la sécurité de Shuer et le maître a dit qu'il ferait tout sans aucun problème. Et à ce moment précis, Tang Ziyu est apparu dans la pièce et quand elle a vu Tian, elle l'a reconnu et a dit qu'alors elle était définitivement entre de bonnes mains et protégée. Tang Ziyu a demandé à son père comment il avait réussi à trouver son sauveur, car elle connaissait déjà cet homme et il y a quelques jours, le gars l'a beaucoup aidé. Et puis le directeur a entendu son homme devant la porte supplier de laisser ses enfants et c'était lui le chauffeur et quelqu'un a dit que tout était de la faute du directeur. Le directeur Tang a demandé à Tang Ziyue et à Maître Tian de se cacher ensemble dans le placard et de ne pas se trahir à Wang Gao et de ne pas sortir avant le signal. Le directeur Tang s'est dirigé vers la porte et a demandé que, quoi qu'il arrive, il ne fasse pas de bruit et s'assoie tranquillement dans le placard et attende son arrivée. Le directeur Tang a quitté la pièce et a vu Wang Gao debout et son chauffeur a demandé au directeur de l'aider à résoudre un problème évident.
Le directeur Tang a demandé à Wang Gao de lui raconter ce qui était arrivé aux enfants de son fidèle chauffeur et il voulait entendre une réponse sincère maintenant. Wang Gao a souri et a dit au directeur Tang que les enfants du conducteur étaient devenus la cible du groupe Azur et que leurs âmes étaient très utiles dans la cultivation. Le directeur Tang a déclaré au chauffeur qu'il ne pouvait pas accéder à sa demande et qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver les enfants et les ramener chez eux. Le directeur Tang a demandé au chauffeur de rentrer chez lui maintenant et de se calmer et le chauffeur a remercié le directeur de ne pas l'avoir refusé. Et puis Wang Gao a appelé quelqu'un et lui a dit qu'il avait un enfant là pour lui et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec eux et que cela ne dérangerait personne. Le chauffeur a été surpris et a demandé à Wang Gao parce qu'il avait promis de laisser partir ses enfants, mais il n'a pas tenu sa promesse et était un vil menteur et un lâche. Wang Gao a dit au chauffeur qu'il était probablement stupide et a dit que ce n'était que des mots vides de sens et qu'il les croyait comme un bébé naïf. Et puis Tang Ziyu a crié et a demandé comment oserait-il faire ça à oncle Liu et a dit qu'elle n'avait plus l'intention de tolérer cette impudence. Mais maître Tian lui couvrit la bouche avec sa main et lui demanda d'être un peu plus calme car son père lui demandait de garder un œil sur sa fille bien-aimée. Et puis maître Tian a serré Tang Ziyu dans ses bras et lui a dit qu'il vivait pour Y Tian uniquement pour la protéger et qu'il ne voulait pas que Tang Ziyu soit blessé. Maître Tian a demandé à Tang Ziyu de ne pas bouger ni d'émettre de bruit afin que Wang Gao ne sache pas qu'ils étaient dans cette pièce et pour l'instant elle était en sécurité. Maître Tian a dit à Tang Ziyu qu'il la laisserait partir si elle lui promettait de ne plus crier et elle était d'accord avec le maître et a hoché la tête. Maître Tian l'a immédiatement lâché et a pensé que Xue ne comprendrait peut-être pas cela pour le moment, mais il ne veut pas lui faire de mal et veut la sauver le plus tôt possible. Maître Tian a dit à Tang Ziyu qu'il parlerait après l'arrivée de Wang Gao et que s'il entrait dans cette pièce, il regretterait cette décision. Le directeur Tang a alors demandé à Wang Gao ce qu'il devait encore faire pour laisser sa famille et les autres tranquilles. Wang Gao s'est assis sur la chaise et a demandé si le réalisateur voulait vraiment qu'il les laisse tranquilles et a dit qu'il ne laisserait jamais ce qu'il voulait. Wang Gao a dit au directeur qu'il voulait récupérer sa fille ainsi que son entreprise et tous les travailleurs et c'est tout ce qu'il voulait obtenir. Le directeur Tang a écouté les conditions de Wang Gao et a dit qu'il serait alors plus facile de le tuer et a dit qu'il ne lui donnerait jamais tout cela. Wang Gao a dit que la vie du vieil homme ne l'intéressait pas et qu'il pouvait achever le directeur Tang sans aucun problème lorsqu'il en avait assez de parler. Et à ce moment-là, une femme est apparue dans la pièce et a dit à Monsieur Wang Gao qu'une personne du groupe Azur l'attendait à ce moment-là. Wang Gao s'est assise et a écouté la femme et elle lui a demandé de la suivre et lui a dit qu'elle l'emmènerait elle-même chez cette personne du groupe. Wang Gao a serré la femme dans ses bras et lui a dit qu'il ne pouvait pas refuser une telle beauté et elle a dit que Monsieur Wang était un homme tellement audacieux. Wang Gao a traité le directeur Tang de vieil homme et lui a dit qu'il ne le tolérerait pas éternellement et qu'il lui donnerait un mois pour répondre. Wang Gao s'est retourné et a dit au directeur Tang qu'à l'expiration du délai, il tuerait toute sa famille s'il n'obtenait pas l'objet désiré. Le directeur Tang s'est senti mal à cause de ces mots et il a pensé qu'il ne pouvait pas lui donner tout ce qu'il demandait et qu'il devait trouver une autre solution. Tang Ziyu a demandé à son père de ne pas désespérer et a dit qu'elle avait réfléchi à tout clairement et que pour leur bien, elle avait accepté d'être avec Wang Gao et de l'arrêter. Le directeur Tang a déclaré que Wang Gao est le diable dans la chair et qu'elle ne vivra pas si elle l'épouse et qu'il ne lui permet pas de le faire. Mais Tang Ziyu a dit à son père que dans ce cas, Wang Gao les aurait tous et ne donnerait à personne une vie normale et les achèverait même. Tang Ziyu a dit à son père que cela n'était pas possible et qu'il ne devrait pas oublier leurs racines et les personnes qui les ont aidés à atteindre des sommets et à penser à eux-mêmes. Maître Tian se demandait à ce moment-là pourquoi il était si faible parce qu'il était né de nouveau pour tout changer, mais il n'avait tout simplement pas assez de force. Maître Tian a demandé au directeur Tang et à Tang Ziyu de lui pardonner et a dit qu'il n'était pas assez fort et qu'il ne pouvait donc pas encore les aider. Le directeur Tang a dit à Maître Tian que c'était le destin et qu'il devrait l'accepter et a remercié Maître Tian d'avoir essayé pour eux. Maître Tian a dit qu'il avait été blessé par les paroles de Miss Tang et qu'il voulait l'emmener loin de là, mais il a ensuite découvert à quel point elle était préoccupée par la vie de tous leurs employés. Maître Tian s'est approché de Tang Ziyu et lui a dit que, malheureusement, il ne serait plus en mesure de combattre Wang Gao et que leur force était trop inégale à ce moment-là. Tang Ziyu a demandé à Tian de ne pas l'embarrasser et a dit que de toute façon, il méritait leur gratitude et son cœur a commencé à battre à tout rompre. Maître Tian s'est rendu compte qu'il y avait une cinquantaine de pratiquants accumulés sur les 30 étages de ce bâtiment et qu'il pourrait leur faire beaucoup de mal. Maître Tian a dit au directeur Tang qu'il y avait beaucoup d'espions dans ce bâtiment et lui a demandé de le laisser cacher Tang Ziyu à ces personnes. Maître Tian a dirigé son énergie vers elle et a dit au directeur Tang qu'il ne pourrait pas la retrouver avant un mois, même avec l'aide des arts martiaux. Le directeur Tang a remercié le maître pour cette aide, mais a demandé ce qu'il pourrait faire avec les ennemis plus tard et ce qu'il devrait faire après. Maître Tian a dit au directeur Tang qu'il jure que plus tard, Y Tian viendra les sauver et que pendant ce temps, il deviendra plus fort que les ennemis. À cette époque, les maîtres Wu Linhui et Xiang Qinqin étaient assis et attendaient dans la villa de Y Tian, et ils se demandaient ce que Tian avait fait de ses ennemis. Qinqin a demandé à Wu Linhui comment elle pensait que son maître avait rencontré Wang Gao et elle a dit que c'était possible parce qu'il était tellement en colère. Wu Linhui a été surprise et a demandé à Qinqin pourquoi elle appelle Y Tian son maître parce qu'ils ne l'ont rencontré que récemment.
Quinquin a dit à Linhuer que Tian avait promis de la prendre comme étudiante, mais plusieurs jours s'étaient déjà écoulés et elle se demandait où il était maintenant. Et à ce moment-là, le maître Y que Tian entra dans la pièce et Linhuer et Quinquin dirent au maître qu'ils étaient heureux de le voir et de ce qui s'était finalement passé. Y que Tian a dit aux dames qu'elles devraient se rendre de toute urgence à Yinzhou et ne pas perdre une seule seconde, et qu'il leur expliquerait tout en chemin. Quinquin s'est approché de maître Tian et lui a demandé s'il voulait vraiment déclencher une guerre avec la famille Wang et lui a demandé s'il avait réfléchi à ses actions. Où Linhuer a dit à maître Tian que cette famille Wang possédait de nombreuses ressources de Minzhu et qu'elle ne pouvait pas se comparer à elle et qu'elle était plus forte. Y Tian a dit qu'il demanderait alors de l'aider et a dit qu'il devait simplement les vaincre et ne pas les laisser ruiner l'innocente famille Tang. Quinquin réfléchit et dit à maître Tian qu'en passant, son père lui avait dit que les attrapes-dragons arriveraient dans 2 jours et elle s'en souvint. Y Tian a été très surpris lorsqu'il a entendu parler des attrapes-dragons et a demandé à son élève Quinquin qui ils étaient et ils étaient forts et il ne le savait pas. Quinquin a déclaré à maître Tian que les chasseurs de dragons sont les personnes les plus fortes du pays et les principaux concurrents du groupe Azur en termes de pouvoir. Quinquin a rapporté que son père lui avait également dit qu'ils avaient besoin d'un mentor et qu'elle pourrait recommander maître Tian pour ce poste. Maître Tian pensait que le groupe Azur avait un conflit avec les chasseurs et que l'ennemi de son ennemi était son ami et qu'il pouvait devenir allié avec eux. Maître Tian a dit à Quinquin qu'il la dérangerait alors un peu et elle a dit que sans aucun problème, le maître pourrait compter sur son aide. Après cela, Y Tian et Xiang Quinquin sont venus au même endroit et le maître a suggéré qu'il semblait que ces mêmes chasseurs de dragons s'y étaient rassemblés. Maître Tian a vu 2 gardes à l'entrée du bâtiment et s'est rendu compte que ces 2-là avaient une aura si puissante et étaient de puissants combattants. Quinquin a demandé au maître de l'accompagner et elle dirait à son père qu'elle avait trouvé le maître et il serait heureux d'entendre de telles nouvelles d'elle. L'homme a dit à mademoiselle Xiang Quinquin qu'elle était revenue et a dit que le vieux maître l'attendait déjà et voulait lui parler en privé maintenant. Quinquin a salué l'homme et lui a demandé d'emmener maître Tian dans le salon des chasseurs de dragons et il était d'accord avec la jeune mademoiselle. L'homme leur a demandé de le suivre et leur a dit qu'il devait aller un peu plus loin pour rencontrer les attrapeurs de dragons dans ce bâtiment. Maître Tian pensait qu'il devait y avoir de nombreux attrapeurs de dragons là-bas et il voulait communiquer personnellement avec eux et découvrir à quel point ils étaient forts. L'homme conduisit maître Tian jusqu'à la porte et lui dit qu'il pouvait entrer dans la pièce où les chasseurs de dragons l'attendaient et qu'il pourrait y parler. Maître Tian remarqua qu'il y avait un symbole étrange sur cette porte, mais cela lui semblait un symbole familier et intéressant. Maître Tian fut surpris et pensa qu'il s'agissait des mêmes lumières de formation à 6 étoiles et qui étaient ces mêmes attrapes-dragons. Et à ce moment-là, le symbole a commencé à changer et Maître Tian a pensé que c'était très étrange et le symbole a changé de forme et a changé de forme. Et puis le symbole s'est transformé en épée tranchante et ils ont commencé à voler directement vers Maître Tian et il a pensé à ce que cela devrait signifier après tout. Maître Tian s'est rendu compte que les chasseurs de dragons ne sont pas les gens les plus sympathiques et ils ont préparé une surprise si soudaine pour leur jeune invité. Maître Tian dirigea immédiatement son rayon vers ses épées volantes et pensa que cela devrait suffire à se protéger de ses épées. Mais les épées ne s'arrêtèrent pas et leur forme changea seulement, mais elles continuèrent à voler vers lui sans s'arrêter et il réalisa que c'était intéressant. Y Tian s'est rendu compte que la formation chaotique ne faisait que confirmer toutes ses suppositions et que l'ennemi était fort et qu'il devait se préparer à de telles attaques. Maître Tian s'est immédiatement défendu devant lui et toutes ses épées ont volé vers sa défense et seulement après cela, elles ont explosé et disparu. Après cela, une femme est sortie de la chambre de Maître Tian et a dit que c'était excellent et le vieil homme Shang ne s'était pas trompé avec cette recommandation. Après elle, un homme âgé s'est adressé à Maître Tian et lui a dit qu'il comprenait qu'il avait attiré son attention et qu'il ne voulait pas l'offenser. Maître Tian leur a demandé s'il l'avait vraiment testé et a réfléchi à la manière dont ils avaient osé faire cela et ressemblait-il à une sorte de débutant. La femme a dit qu'elle était l'aînée du groupe de chasseurs de dragons de Zhong Dede et a dit à Maître Tian qu'il sélectionnait de vraies personnes. Zhong Dede a dit à Tian qu'il n'était pas fréquent de trouver un pratiquant aussi fort, alors elle est allée un peu trop loin. Y Tian a dit qu'il avait compris mais a demandé à être plus prudent la prochaine fois et a dit que vous pourriez vous brûler en testant un expert. Zhong Dede a déclaré que les chasseurs de dragons constituent le meilleur groupe de ce pays, mais qu'ils ont aussi de nombreux ennemis, le chef l'a donc envoyé chercher. Zhong Dede a déclaré qu'il recherchait les personnes les plus talentueuses et a demandé à Tian s'il souhaitait devenir le mentor de leur équipe d'élite. Leur emblème rappela à Tian un trésor magique et réalisa que jusqu'à ce qu'il retrouve toutes ses forces, il pouvait se permettre d'y entrer. Maître Tian a dit à Zhong Dede qu'il avait accepté de devenir mentor mais qu'il était le seul à avoir certaines conditions pour les aider. Zhong Dede a déclaré que le groupe Azur avec Wang Gao était ensemble et qu'il terrorisait la famille Tang et que Tian était venu là-bas précisément à cause de cela. Maître Tian a dit à Zhong Dede qu'elle avait tout dit correctement et qu'il était heureux de parler à une personne intelligente qui sait tout. Zhong Dede a dit à Tian qu'avec cet emblème, il serait capable de contrôler l'équipe du dragon tigre et qu'il pourrait se mettre au travail. Maître Tian a regardé les combattants et s'est rendu compte que ce n'était pas mal et que leur niveau de cultivation était faible, mais c'était suffisant pour combattre Wang. Zhong Dede a dit au maître que ces personnes ne lui poseraient pas de questions inutiles et que maintenant son équipe personnelle lui obéit.
Maître Tian était heureux et a dit à Zhong Dede qu'il aimait tout et qu'ils travailleraient ensemble et que c'était un grand cadeau pour lui. Zhong Dede a dit à Maître Tian que c'était génial et lui a jeté l'emblème de leur groupe et a dit qu'ils étaient heureux qu'il soit avec eux. Maître Tian a attrapé l'emblème et a demandé au patron Zhong Dede quand il partirait pour terminer la mission et vaincre leurs ennemis. Mais un gars est soudainement apparu là-bas et a dit à Zhong Dede qu'elle s'était trompée et que Tian était une personne ordinaire sans compétences. Le gars a commencé à les approcher et a demandé à Maître Tian s'il croyait vraiment qu'il était digne d'être le mentor de combattants aussi forts du groupe. Maître Tian fut surpris et demanda à Zhong Dede s'il s'agissait d'un autre test d'un groupe d'attrapeurs de dragons et s'il était prêt. Zhong Dede a dit qu'il s'agissait de l'ancien mentor du groupe des dragons tigres Gong Yanan et qu'il a récemment rejoint les dragons de sang. Maître Tian a regardé Gong Yanan et s'est rendu compte que le QI coulait dans ses veines, mais il n'a pas utilisé la méthode de formation la plus appropriée. Y Tian a dit à Gong Yanan qu'il était fort mais qu'il avait un mauvais caractère et que cela l'avait toujours empêché d'atteindre de plus haut sommet dans la vie. Gong Yanan a demandé à Y Tian qui allait le critiquer et ce qu'il avait lui-même accompli dans sa vie, qu'il parlait comme un gourou expérimenté. Gong Yanan a dit au petit Tian qu'il n'était pas content de lui et qu'il devrait peut-être retourner chez sa mère et se coucher plutôt que de penser qu'il est un héros. Zhong Dede était furieux et a demandé à Gong Yanan d'arrêter d'agir comme un idiot et d'arrêter d'être impoli envers Maître Tian et de mieux sortir de là. Mais Gong Yanan a repoussé la main de Zhong Dede et lui a dit de fermer la bouche et de se rappeler comment elle-même a pris cette place et comment elle a progressé au travail. Gong Yanan a dit qu'il lui en parlerait et a dit que Zhong était juste attiré par son joli visage et que sa carrière a immédiatement commencé à s'améliorer. Gong Yanan a dit à Tian que pour devenir un mentor, il fallait de l'expérience et non une jolie apparence et Zhong lui a dit de sortir de là. Maître Tian a retiré la main de Gong Yanan de son épaule et lui a dit de rouler et de ne plus revenir là-bas et il ne voulait pas parler à cet idiot. Gong Yanan a commencé à se préparer au combat et Zhong Dede lui a demandé de ne pas le faire et il a risqué de la mettre en colère, ce qu'elle ne lui a pas conseillé de faire. Y Tian a déclaré qu'il avait fait un excellent travail lors du premier test et que la deuxième fois, il ne resterait pas les bras croisés et que la personne impudente serait punie.